XSL ou c'est Christophe? Oui, je vais commencer avec la règle et puis si tu vois, il fait une connerie. Pas de problème. Là, tu Salut dis les rien. gens! Comme chaîne Salut les gens! Bonjour la foule! T'as pas entendu? Si tu vois que je dis une bêtise, bah, tu dis Ouais. Tiens, rien, c'est bien. rien. Non, non, je plaisante. Mais genre, tu vas T'interviens vraiment rien quand dire. tu veux. Non. Bonjour tout le monde! Salut Hello, les gens! Pour là, je ne sais pas. Une petite partie de William Span! Il est où le compteur? Yes. Il est là-haut? Ah, il y a quelqu'un, il vient de monter. Ça vient de doubler. Les pièces sont allées Bah non, c'est 0 fois 2, ça ferait 0. Ah Là, il ouais, a monté mince. de 1. Ah ben alors. Oui, mais tu vois, si Ça on va augmente multiplier par l'infini. 1 à 2, on dit que ça double. Et pourquoi de 0 à 1? Les pièces, vous pouvez les mettre à Ça côté s'appelle les les unes maths. des autres. Et en fait, ça fait un problème de temps qu'il faut tout expliquer. Oui, il va falloir prendre les bases. Hein. Qu'est-ce que tu Ouais. dis? Vos pièces, vous pouvez les mettre à côté parce que ça, c'est les cases où on va les poser. Mais il a calé la caméra. Ah. Non, non, ah oui. Non, mais. Faire les pièces, ça, Ah. c'est le cadre. Non, par contre, ne les mets pas à côté des miennes, parce que tu vas pas le faire, là. Mets les deux Alors, côtés à toi. je vais faire un petit tour de cam hein, Bon, pour je voir si tout vais. va bien. Ouais. Alors, Christophe, C'est bon, attends. Yes, on est ça bon. va? Oui? Ça Bon, va? ça va, oui, Oh, regarde, on voit tout, ça là. va. Moi, ça On va. voit nos On voit verres. le vert aussi. Santé. Moi, On ça voit va. bien le verre. Parce qu'on voit Ah, plus. bah oui, c'est le mien. C'est toujours le mien. C'est toujours le mien. Il est sur tous les angles. Donc, Flo, t'as décalé aussi? Oui, À cause du pour faire vert. mettre son verre. Vas-y, recale un peu. Voilà, tu vois, quand J'ai quelle couleur moi en fait? Voilà. C'est pas Bah, violet. Moi, normalement, j'ai pas bougé. Tu peux choisir, hein. C'est l'avantage. Comment on gagne? Voilà. Attends, je vais mettre les cartes là parce que du coup. Thierry n'a pas bougé. Très bien. Bon point. T'as une action en plus. D'accord. Tiens, Ah non, parce que tiens. cette pièce, Et c'est la voisine de gauche. Et Oui. voilà, j'ai droit à la pute d'action en plus. Ok. Voilà. On a gagné. Alors, comme vous le voyez ici, il y a plein de plateaux. Ouais. Donc là, on a la guilde draconique, là, on aura là où il y a les cartes, là, on a les objectifs et nos plateaux personnels. Dès qu'on dit guilde draconique, c'est celui-là. Plateau carte visible, c'est celui-là. Dans les plateaux de cartes, on aura trois cartes, un marché de cartes, trois cartes dragon et trois cartes caverne. Voilà. Ils me Bon, les diront. cavernes sont plus petites que les dragons, ils vont avoir des problèmes. Ils baisseront la tête. Bah, il te faut le dragon chauffier. Ouais, je crois bien. Ouais. On aura aussi plein d'objectifs. Et voilà. On a la réserve de ressources de chaque côté. Hein. On a à peu près la même chose. Juste les couleurs, hein, comme dans Wingspan, ça change rien. Au niveau des œufs. Chaque joueur commence déjà avec 6 pièces. Un œuf. On aura des cartes, mais je ne les ai pas distribuées parce que je vais déjà expliquer comment ça fonctionne. Des cartes dragon et des cartes caverne. Et on commence tous avec 3 ressources. Au choix. On choisit après avoir vu nos cartes. Ah. Donc on saura quoi utiliser pour ne pas être bloqué. Ouais, bon, c'est Très très bien. bien. Pour pas être bloqué dès le début, quoi. Ouais. Moi aussi. Parce que le blocage ici, avec les œufs, j'ai l'impression qu'on va vite être bloqué. Ouais, non, non, mais on est rarement Hein. bloqué là, il y a moyen de. Donc on a ça. Alors, café, dragon, ressources, verre, ça j'ai déjà fait. Donc comme dans Wingspan, ça se déroule en 4 manches. Représenté ici par le petit jeton rose là. On a manche 1, Voilà. tac tac tac. On continue au tour par tour. À chaque fois qu'on fait une action, on va dépenser au moins une pièce. Au moins. Et éventuellement des œufs et des ressources. On peut passer quand on veut. C'est-à-dire que si, mais quand on passe, on a fini la manche. Ok. On garde les pièces qui nous restent pour le Oui, tour d'après. les pièces qui nous restent seront conservées pour le tour d'après. Et quand on commence, on a un nombre fixe de pièces, à condition de ne pas dépasser 9. Oui. Ah, c'est important. Bah, si tu dis je m'arrête ici, et Tu tu as vas pas 12 commencer pièces. avec 12 pièces. C'est Bah. tout est rappelé sur chaque plateau Voilà, c'est joueur, marqué ici. le nombre maximum de Voilà, ressources que tu peux c'est ça. avoir à la fin de ton tour. C'est n'importe quoi, en fait. Et en plus des pièces, on a les ressources, les cartes cavernes, les cartes dragons et les œufs placés pour la marche d'après, on garde tout.
Le gagnant est celui qui a le plus de points de victoire, voilà. On a le même système que dans Wingspan, les œufs qui donnent un point, oui. Les cartes en dessous qui donnent un point. Oui. Les ressources sur les cartes qui donnent un point. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant notre tour? Bah, tout est écrit ici, on peut excaver. Donc quand on excave, ils disent, dessus, ouais. On prend une pièce, on la met dessus, et on joue une carte caverne de sa main. Voilà. J'ai une carte caverne, je vais prendre n'importe laquelle. Je l'avoue, pas ici, parce qu'elles sont déjà là. Elles sont déjà par défaut ici. Les trois premières sont déjà là. Les trois premières colonnes sont déjà là. Donc je peux les mettre n'importe où, ici, ici ou ici. Ok. Et dès qu'on la pose, on peut faire l'effet. C'est l'icône de pose. C'est l'icône de pose. Oui, l'icône de pose. Après, finalement, c'est des icônes de pose. Oui, pour les cavernes, toujours. Pour les cavernes, c'est que des icônes de pose. Bon, ça serait un peu débile pour celle-là de ne pas le faire. Ouais. On a une ressource cristal et c'est on avance ici. Il n'y a positif. Pas de. Les cavernes, il n'y a pas de. Mais il y a des fois, il y en a avec des coûts. Donc, si on n'a pas les œufs ou qu'on. Il faut dépenser 2 œufs, oui, par exemple, pour avoir des ressources. Si on ne veut pas ou on ne peut pas, voilà. Il y a aussi le cas où il y a des cartes qui disent « Vous gagnez temps, vos adversaires gagnent temps ». Si on ne le fait pas, les adversaires peuvent le faire, quand même. Très bien. Je savais pas. Si, si, c'est obligatoire. Ils peuvent le faire. Si toi, tu n'as pas les œufs, Thierry, ouais. Il a les œufs, il peut faire le truc, alors toi, tu n'as pas fait l'effet. Mais c'est marqué, il faut que ça soit marqué vos adversaires. Ouais, oui, oui, voilà. Généralement, l'action de celui qui pose est plus intéressante. Il peut le faire plusieurs fois. Alors que, après, c'est. Okay. Ouais. Donc, excaver la première action. Ouais. Quand on excave, quand on arrive ici, il faut payer un œuf supplémentaire. Et ici, 2 œufs supplémentaires pour poser. Yes. Ok. La première colonne est gratuite, et la deuxième est payante, et la troisième est. Là, tu vois, c'est un peu le même système que Wingspan. Il y a juste, par rapport à Wingspan, il y a une colonne en main. Voilà. Il y en a 4 quand même, c'est juste que la première, elle est déjà. Bah, normalement, c'est 1, 0, 1, 5, 2, il y en a 5. Et tu sais, il y a une carte gratos, une carte à 1, une carte à 1, une carte à 2, une carte à 2. Ah oui, oui, oui. D'accord. Je fais la poste de Non, mais parfait. Toutes les cartes sont. Quand on dit ici que c'est cette colonne-là qui est déjà. Après la colonne 1. T'as la première case de chaque grotte est déjà excavée. Tu vois, il y a le petit dessin. Les grottes, elles ont à peu près des dessins comme ça. Ah oui, d'accord. Okay. Tu vois, tu vois pas le mettre là. Qui on va pouvoir poser des dragons ici. Voilà, on va voir excavé avant. D'accord. C'est ça, c'est même le principe intéressant du jeu. C'est ça. Les couleurs des cartes, ça sert à rien. C'est juste des fins esthétiques. Une carte caverne. Alors, dans n'importe quel ordre, quand on pose une carte caverne ici, on peut faire l'effet de 1 à 3 fois. Quand on est dans la dernière colonne. Ouais. Dans la dernière colonne. On peut... Mais il faut que tout soit de gauche à droite pour arriver à poser ici, pour pouvoir faire dans l'ordre. Ici, principalement, c'est le même effet. De toute façon, dès qu'on pose une carte caverne, on peut dépenser jusqu'à 3 ressources de carte ou carte caverne pour avoir un jeton action. C'est une combinaison. Tu peux faire une ressource, une carte caverne. Pour avoir une action supplémentaire. Exactement. Tout ce qu'il y a sur les cavernes. Okay. C'est tout ce qu'il y a à faire avec la première. Ouais. La deuxième action, c'est attirer. Donc, c'est jouer une carte dragon. On pose une pièce. Je joue ma carte dragon. Alors attention, ici, c'est là où il faut les poser, comme dans Wingspan. D'accord. Donc là, ça sera que dans le rouge. Par exemple, t'as des cartes qui sont dans plusieurs cavernes possibles, dans les 3, dans 2. Voilà. Je pense celle-là, elle est dans les 3. Celle-là aussi. C'est pas un dragon, c'est un griffon. C'est un griffe dragon. D'accord. On dirait, insultez pas. Mais bah, vous verrez de toute façon sur les dragons. Ouais, j'en posais un comme ça. Ouais. Il faut que, là, ici, je paye ça, plus un œuf, plus 3 bouteilles de lait. Je peux poser celui-là tout de suite. Coûte cher, celui-là. Il aime le lait. Par contre, l'effet, il doit être intéressant. Hein. Oui. Certains dragons coûtent moins cher, comme celui-là, mais ils coûtent une action. Donc, c'est-à-dire que si j'ai l'icône ici, je n'ai pas de ressources à donner, mais je paye une action supplémentaire.
C'est cher, du coup, c'est très cher. C'est. Mais c'est le Griffes Aragon, hein. Oui. C'est intéressant. Ouais. Mais les... Et Calicone là, en fait, c'est une action, ça coûte. En je, plus. Je ouais. suppose qu'il y en a un ou deux avec deux pièces dessus, en plus. Alors, non, je ne connais pas, en tout cas. Moi, je ne les connais pas. Il y en a pas mal avec une action, il y en a beaucoup. Mais avec deux, je ne connais pas. Mais ils sont déjà très forts. Là. Pour pouvoir poser un dragon, il faut avoir posé une carte caverne avant. Et donc là, on peut le poser directement. Si je voulais le mettre là, je pouvais, parce que j'ai pas de carte caverne. Mais je peux... si j'en avais un ici, je ne peux pas le mettre là. Il faut que la grotte soit excavée. Il faut qu'il y ait une grotte en dessous. Attention, je pose une carte dessus. La carte, pour des objectifs divers et variés, la carte qui est en dessous, compte. Si on nous demande d'avoir 5 cartes sur le plateau, bah là, j'en ai de... déjà deux. C'est précisé à chaque fois, ça, voilà. De toute façon. Ils le disent, le nombre de cavernes, cartes dragon, ça sera bien précisé. Il y a 4 sortes de ressources, à part les œufs. Hein. Il y a du lait, de l'or, de la viande et du cristal. Il y a... Contrairement à Winston, il en avait 5. En plus des œufs. Ok. Vous pouvez avoir des effets de pause aussi avec les dragons. Vous le faites dès que, si vous pouvez, dès que vous posez. L'effet de pause, c'est la petite carte qui est comme ça. Ok. Voilà. Les actions sont effectuées en dépensant des pièces et des œufs et pas des cubes. Les cubes, ils servent à autre chose ici. Ouais, il n'y a pas de. Là, quand on va activer les cavernes, à un moment donné, il faudra faire de gauche à droite. Okay. Moi, je vais le garder comme ça pour, ouais. Pour l'exemple. Bah, attirer, c'est bien, t'as tout dit là-dessus. Hein. Ouais, ouais. Pour explorer, je dépense une pièce. Je la pose ici, en haut, déjà en priorité. De la caverne que tu choisis. De la caverne qu'on choisit d'explorer. Je prends mon petit Gugus. Je le mets ici. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a le petit icône ici, bonhomme. Je fais l'effet. Donc là, d'accord. C'est pour n'importe quelle ressource. Je m'arrête sur le dragon. Est-ce que j'ai un effet? Oui. Je fais l'effet. Mm-hmm. Je fais l'effet qui répond au premier effet. Là, c'est je gagne une carte de ma main. Mm-hmm. Je glisse une carte de ma main ici. Quand je glisse une carte, je prends un œuf. Et après, il y a un effet qui se fait en one shot, c'est au bout de la troisième carte, on gagne en plus un cristal et un diamant. Alors, pourquoi je dis quand on fait ça, celui-là répond à celui-là? Parce qu'il peut y avoir des effets qui disent, bah, mettez une carte, tu glisses une carte en dessous, tu fais le deuxième effet. Tu n'as pas besoin du premier. Tout est détaillé sur chaque voilà, carte. Voilà. Et donc, on continue l'exploration. On continue l'exploration, j'arrive ici. Ouais. Ah, là, j'avance sur la guide d'Arconique, donc je tourne comme ça. J'expliquerai ce que c'est après. Et jusqu'à avoir le sens interdit, là je ne peux pas. Est-ce qu'on est obligé de faire l'effet si on peut le faire? T'es pas obligé. T'es pas obligé. Okay. Comme je l'ai dit pour les cartes, dès que tu as un effet, si tu veux pas le faire, tu le fais pas. C'est sûr que si tu as des cartes en main qui t'intéressent, tu ne peux pas les mettre en tout. Ça arrive souvent ça. Ouais. Alors, stocker une ressource signifie qu'on stocke une ressource sur le dragon. Laisser une carte en dessous. Pondre un œuf, prise un œuf, c'est comme d'habitude. Alors, quoi, quand on a des limites d'œufs, parce que je vois c'est stocké de. Oui, mais t'as les dragons qui ont. Parce qu'une réserve. T'as les dragons. Okay. Et t'as les dragons qui ont un. Comme dans Wingspan, hein, c'est ça. Hein. Il y a un certain nombre d'œufs. Tu peux mettre que sur les dragons. Tu peux mettre que sur les. Mais c'est simplement. Ouais. Si t'as que des dragons comme ça. Simplement que si t'as des dragons comme ça, bah à chaque début de manche, tu gagnes un œuf. Donc tu peux les stocker sur ton plateau. Oui, sans avoir de. Globalement. Si tu n'as pas de place, tu le perds. Mais tu gagnes un œuf à chaque début de manche. De toute façon, c'est rappelé ici. On recycle les cartes, on gagne 6 actions, on prend un œuf. À chaque fois qu'on fait une manche. Globalement, le jeu est moins basé sur les œufs que Wingspan de base. Quoi. Wingspan de base, c'est vraiment le scoring. Ouais. Là, ça compte, mais c'est pas. C'est, plus bah, c'est surtout que tu en as besoin pour. Voilà, ça sera plus une ressource. Ouais. Et puis même là, tu veux jouer avec quand même un truc. Tu vas scorer quand même avec les œufs, mais je veux dire, c'est pas. Ouais, pas autant. L'exploration, j'ai tout dit, je crois. Hein, donc, on va jusqu'à ce qu'on rencontre tout à fait. Interdit. Puis voilà. Et l'explorateur rentre au camp de base sur sa petite case. Voilà. Il ne s'est pas becqué. Bah, il va fouiller. T'as pas dit que donc, dans chaque caverne, la première exploration coûte une pièce.
Et si on veut le refaire, il faut remettre une pièce en dessous et il faut payer un 9. Et la 2-2. Mais ça, c'est si on le refait dans la même manche. Voilà. Parce qu'en fin de manche, on est. Ouais. Là, vu qu'on a 6 actions par manche, il y a que 3 actions. Et un... Ouais, oui, non, mais tu peux en avoir 10 plus, hein. Si tu... Oui. Tu peux monter en 9. Ouais. Voilà, ça c'est bon. Ordre d'actif, chaque fois qu'une capacité permet à tous les joueurs de faire quelque chose, le joueur actif commence. Et après, on fait dans le sens horaire. Ouais. Ok. Quand on prend une carte, si j'en ai trois ici, bon, j'en ai pas besoin d'ailleurs, j'en prends une pour attendre la fin de mon tour pour rachalander. Ouais. Ok. Alors, ouais, si j'ai un effet où je prends quatre cartes, si je prends celle-là, je prends ou ici. En règle générale, je suis obligé de prendre sur le paquet. Ouais. À tout moment, quand on peut piocher, quand on doit piocher, on peut piocher la première du paquet. D'accord. Je vous ai au hasard. Si ça nous plaît pas ce qu'on voit. Ouais, ben oui. Ok, redoubler les cartes. C'est les trois actions qu'on a sur le paquet. La guilde draconique ensuite ou... Ouais, c'est ça. La guilde draconique. Donc, à chaque fois qu'on a l'icône avec une tête de dragon dans un bouclier, on avance d'autant de cases. Qui est précisé. Là, ici, il me dit une fois, j'avance une fois. À chaque fois que je vais sur une case, je récupère le bonus qui est dessus. Immédiatement. Attention, si je prends 5, 2, 3, 4, 5, par exemple, je gagne tout ça. Ah! Oui, voilà, bon, je ne prends pas à 5. Hein. Non, c'était l'exemple. Pourquoi j'ai fait l'exemple? C'est parce que je me plaçais là. Voilà, donc je fais 5, je ramasse tout. C'est pas parce que je m'arrête pas que je la prends pas. Donc ici, je prends un œuf, je prends une viande, je tire une carte, je prends une carte caverne, je prends un cristal. Ouais. Une fois que j'arrive ici où je le dépasse, en haut, en bas, c'est la même chose. Ouais. J'ai 4 petits cubes ici. Je peux en prendre un et je peux le mettre n'importe où ici. Ouais. Et par exemple, je mets ici, je gagne une action supplémentaire, mais en plus je prends 2 œufs. Il n'y a que 2 places. Hein. Voilà, il n'y a que 2 places. Il n'y a que là où c'est infini, où tout le monde peut y aller comme il veut. Ça fait gagner des points pour toi. Attention, je me mets là. Attention. Comment ça? Il n'y a que 4 cubes. Oui, qui sont réservés à ça. Voilà, les 4 autres cubes sont réservés pour le classement. D'accord, fin de manche. Fin de manche. Bon, si à tout jamais on repasse et que on doit remplacer un cinquième cube, on n'en place pas. On fait les effets de la roue. C'est fini. Ok. Voilà à quoi ça sert la guilde draconique. Ouais. Sachant qu'il y en a plein. Je ne suis pas trop. Et les bonus là sont vraiment pas négligés évidemment. Ouais, voilà. Tout est intéressant en fonction du moment de la partie. Quoi. Mais là, payer un œuf puis piocher. Une carte de la pioche et jouer là gratuitement, donc ça peut être intéressant quand on doit. Ouais, salut ceux qui viennent de nous rejoindre. Bah genre là, salut. Ouais, ça fait payer 2 œufs, puis jouer gratuitement un dragon de votre main. Donc ça, évidemment, pour les dragons par exemple qui coûtent des pièces, c'est cool, c'est rentable. Gagner une pièce, piocher 2 œufs, et puis fin de partie, gagner un point. Pour tous les 2 œufs que vous avez. On dirait pas. Et tu pourrais très bien, tu pourrais mettre tes 2 cubes là, et du coup, tu fais ça de. Et en fait, ça, c'est une guilde de piocher au hasard par Seb. Il y en a 4 différents. J'en ai pris une au pif. Je les connaissais pas, j'ai pris la première. Ouais, là, de l'autre côté, c'est 2 à 3 joueurs. Il y a okay. Bonus, mais évidemment, t'as pas 1 à 3 joueurs parce que il n'y a pas de. Ouais. Y a pas de... Très bien. Ok. C'est clair pour la guilde organique? Très clair. Ouais. C'est simple. Lorsqu'on a fait une action défaussément trop pour. À la fin du tour. Hein. Pas à la fin de la manche, mais à la fin du tour. Si on a plus de 9 quelque chose, il faut les défausser. Ouais. Ok. Limite, on les prend même pas des fois, mais bon, après, si c'est des ressources, ça sera mieux de choisir ce qu'on fait. Il y a un truc que tu n'as pas dit encore pour l'instant, c'est les symboles à la pause, à la manche, en partie. Je vais l'expliquer à la fin parce que il fallait que je dise à quoi il servait au fur et à mesure. Oui. Donc, fin de manche, on fait l'entretien, on tire toutes les pièces qui ont été utilisées ici et ici. Et les œufs. Hein? Et les œufs qui ont été utilisés. Les pièces et les œufs. Oui, les œufs, oui, pardon, je croyais qu'il parlait de dragon. Il y a des capacités une fois par manche qui sont activées. Donc, une fois par manche, c'est soit avec le petit chronomètre. C'est-à-dire que c'est à la fin de la manche qui se déclenche. Est-ce que j'en ai ici? J'en ai pas, je crois.
Bah, il y en a, c'est pondé sur tous les dragons de la grotte, par exemple. D'accord. Je paye une ressource pour pondre un œuf jusqu'à deux fois. Chaque adversaire peut le faire une fois. Oui, c'est vrai. Ça, c'est. Mais c'est à la fin de la manche. Ça s'active pour tout le monde, même si tu ne le fais pas. Ouais. Tu le fais pas, mais ça s'active pour tout le monde. Il y en a plusieurs ici. Par exemple, tu gagnes une ressource pour chaque dragon de type agressif. Là, on peut voir ici, il y en a un. Par exemple. Ça, c'est fin de manche. Voilà. La pause, on l'avait déjà dit, avec les cavernes. Donc là, c'est le début de la fin de manche. Ouais. On active les capacités si une fois par jour. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit à Thierry. Ensuite, on fait le score. Ouais. Donc, on regarde pour chaque personne l'objectif. Celui qui en a le plus, il est en première position. Si c'est égalité, eh ben, on se met au même niveau, on gagne le même nombre de points. Et il n'y a pas de départage. Le joueur suivant, il va juste en dessous. Il n'y a pas de si je suis à 6, le prochain il sera qu'à 2. Ouais, okay. La deuxième place, c'est des places partagées. Si un joueur n'a pas les éléments indiqués par l'objectif, place son marqueur joueur sur autre 0 PV. Oui, ok. Ouais. Puis pareil pour ceux qui est 4e ou 5e, j'imagine. Oui. Bah, ça oui. Va. Bah oui. Allez. Ensuite, on déplace le curseur de manche ici. Vuc. On renouvelle les cartes des plateaux, on vire toutes celles qui sont là, on les remplace. On gagne 6 actions. Ouais, et 6 pièces et un 9. Et un 9. Et on est parti pour la manche suivante. Allez, c'est parti pour la manche et 2. Et jeton premier joueur est passé au joueur suivant. Ça va vite. D'accord. Alors en fin de partie, on regarde les marqueurs sur la ligue dragonique, là c'est juste bon, on a tous les bordels là. Ouais. On regarde les valeurs des points de victoire imprimés, alors ouais. Ils sont ici, c'est l'espèce de corne. Hein. Ouais. Bon. Les queues. Hein. On regarde les capacités en fin de partie. Alors les capacités en fin de partie, c'est le dernier icône. C'est ouais. Le drapeau avec la corne. Par exemple, c'est du scoring. Le drapeau, c'est que du scoring de fin de partie. Donc au départ, si tu le mets, bah, ça sera scoré à la fin, mais ça va t'éviter de poser peut-être un dragon qui va t'activer des bonus. Ça se peut-être non, mettre plus à la fin. Ouais, ouais. Ça, voilà. Par exemple, tu l'as, il peut gagner 2 points par marqueur de la couleur sur la guilde. Pour chaque marqueur placé sur la guilde de Raconique. Ah ouais, pour chaque marqueur. Donc, ouais, bah, tu peux en avoir jusqu'à 4, donc ça fera. Ouais, mais points. Il dit pas chaque marqueur à toi. Oh non. Hop 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 hop. Non. La salive était marquée sur les cartes. Ah oui. Non non mais là. Je laisse poser les cubes. Regarde toi, c'est les trucs qui te concernent. Les, pour tous les œufs. Ah bon, tous les œufs de la table. Moi j'en ai zéro, mais les œufs stockés ça vaut un point. Justement les œufs stockés ça vaut un point. Oui bien sûr. Les ressources stockées ça vaut un point par ressource. Les cartes glissées ça vaut un point par carte. Les objectifs, voilà, c'est sont hein, au fur et à mesure. Pour chaque pièce qui nous reste qu'on n'a pas utilisée, peut-être parce qu'on n'avait plus la place, plus utilité, ça vaut un point. Chaque pièce non utilisée. Et gagner un point pour tous les groupes de quatre éléments, n'importe quel ensemble différent de ressources, cartes dragon et cartes caverne dans votre possession. Dans votre possession, il y en a une à l'inférieur. C'est-à-dire que si on a deux ressources, une carte dragon, une carte caverne, ça vaut un point. Un point. Yes. Voilà, c'est tout. Ok, regardez les cartes. Donc, je reviens quand même sur les icônes. Pour les icônes, donc là, c'est un effet de pause. Oui. Oui. Là, c'est l'effet d'exploration. Là, c'est les marqueurs de fin de manche. Oui. Les effets de fin de manche. Et là, c'est les points de victoire fin de partie. Tout à fait. Il n'y a que les quatre icônes. Très bien expliqué. Donc, attention pour les habitudes de Wingspan. Wingspan, quand on pose, on fait les effets de droite à gauche. Là, c'est vraiment l'inverse, on va explorer. Il faut faire l'action. On fait dans le bon sens. Dans le sens de lecture occidentale, on va dire. Voilà. Il n'y en a pas lu les. Ça, c'est... On va les lire. Je laisse Thierry qui est en bonne place. Thierry, tu es en bonne place pour les lire. Alors, le premier objectif, carte dragon et caverne dans votre abysse améthyste. Donc, c'est celle du bas. Ouais. Du bas, donc avoir les ça, ça ne compte pas, mais bon, là, tout est même. Carte dragon et caverne, même si elles sont couvertes, elles comptent. Ouais. Ok. Si j'ai une carte caverne ici, et j'ai un dragon dessus, ça va faire un 3. Ça marche aussi pour les cartes glissées? Non, ça c'est juste les cartes dragon. Les cartes glissées, elles sont retournées et ça compte jamais. D'accord. Ça compte que pour les points finaux, mais tu compteras jamais en tant que dragon.
Deuxièmement, je peux avoir le plus de dragons timides. Ah, il est pas. Je sais pas, c'est non, non. Même. C'est cher, mais non. Ils sont pas agressifs. Alors, petite pause juste. Les dragons, alors je sais plus, non, par rapport à Wingspan, peu importe, ils sont de plusieurs types de caractères. Ils sont classifiés par caractère et par taille. Il y a agressif, okay. Timide, joueur. Voilà, joueur, et puis t'en as encore un autre. Et oui, c'est ça. Et en taille, c'est les dragonnets, les petits. Donc en général, eux, il faut leur donner du lait pour les poser. Et ils ont des effets quand tu passes dessus. Dragonnets, ils sont sympas. Ensuite, t'as des petits, moyens et grands dragons. Donc t'as 4 tailles de dragons et 3 caractères. Okay. Agressif, timide, joueur et je sais plus l'autre. Alors ensuite. Troisièmement, chez les dragons avec un effet de pause ou de fin de manche sur votre plateau joueur. Et après les agressifs. Et après les agressifs. Voilà. Il faut du timide et de l'agressif, quoi. Alors, si vous avez l'icône de la tête qui est juste en bas, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a la tête ? C'est juste pour le Thomas, hein. Ça, en fait, ça. C'est pour toi, Thomas. Ah, c'est pour moi. C'est juste pour le Thomas. Oh, Thomas, alors. Oh, oh. C'est-à-dire que Thomas, alors moi, je joue en fin de manche, je sais pas si la fin de manche est super, mais t'as deux points déjà. T'as gagné. T'as déjà deux. Ouais, nickel. C'est dégueulasse. Hein. Oui. Oh Thomas, c'est énervant. Ah, si il perd, on est mal. Mais alors Thomas. Ah, c'est pas si simple. Hein. Oh Thomas. Et tu savais. T'as réussi à l'esquiver celle-là. Je sais pas esquiver. Il faut trouver la. Carré, ah ouais. Alors, pourquoi on va des trucs. On a 6 cartes au départ. Pourquoi on en choisit 4 en tout. En tout, quelle que soit la combinaison. Ça peut être 3 cavernes, un dragon, 3 dragons, etc. On choisit 4 là-dedans. Ouais. N'importe quoi, tu peux choisir les 3 cavernes et le dragon. On n'a pas de ressources au départ. Et bah tu les cibles et tu les choisiras après. Une fois que tu auras choisi, tu prendras 3 ressources. D'accord, on peut avoir 3 ressources au départ. Ah oui, l'autre truc, c'est serviable, pour info. Ah, tiens, donc c'est... Il y a joueur aussi. Mais qui a mélangé? Ça va mal si j'ai que 3 camions. Je viens de tuer. Ouais. Okay. Et 3 dragons. J'en ai fait parce que j'ai vu que... Ah, c'est gentil. Ça va être compliqué. Mais non. Ah, je viens de ça. Mmh. Ouais, toi. Alors attends, c'est oh, non, 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 non. Et comment c'est la couleur des cartes? Comment? En fait, t'as des écrans à gauche en dessous de des ressources. C'est rouge, jaune et violet. Ouais, non, mais les cavernes eux-mêmes, les dessins. Bah, c'est un, deux, c'est rose, jaune et. Là, c'est rouge, jaune et. Par exemple, le premier objectif, c'est le violet. Tu vois, Abyss Amethyst, okay, c'est la caverne du bas. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est bizarre ce qu'il y a. Ouais. Il n'y en a aucun qui a la couleur des cavernes. C'est quoi ça? Ça, c'est celle du haut, non, c'est le milieu. Ah non, les cavernes, tu les mets où tu veux. Ah ouais. Je crois qu'il y a pas des dessins. Non, 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 non. Ok, d'accord. Les cavernes, tu les mets où tu veux. Juste pour l'esthétique. Ah, mais tu sais, il a expliqué beaucoup de choses. Oui. Il a dit c'est juste pour l'esthétique. C'est juste pour l'esthétique. Il faut faire comme ça. Ouais, il faut les défausser. Hop, on les pose. Wow. Ouais, casse-couille. Si bon. Ouais, ouais, j'avoue. On va les mettre comme ça. De toute façon, la défausse, elle reviendra pas tout de suite. Hein. Moi, il m'en manque une. Celle-là, je la veux pas. Il manque un. Alors, c'est bon, je vais peut-être changer. Non, pas déjà. Si, si, ouais. Je vais faire ça. Je sais, toi, je pourrais pas ça. C'est pas une bonne idée. Hein. Ouais. Non. Bah, je vais prendre ça. Ah non, non, c'était non. Pas foufou. Hein. Je le dis tout de suite. Est-ce qu'on peut prendre nos ressources? On le fait tous en même temps, peut-être. Ouais, tu peux les prendre. Hein, je les prends. Non, t'as pas le droit. 3. Toi, tu peux pas. 3, 2, la défaite est là. Et... oui. Merci. Allez, tu dois garder 4 cartes. 4? Oui, 4. T'en as bien combien? Ah bah, j'ai tout viré, moi. Non. Non, non, j'en ai gardé qu'un. C'était ma main. Je reprends mes actions parce que c'était le bordel. Tout à l'heure. Je vais mettre le KJ. Il y a un autre illusion. Allez. Je vais mettre là. Je suis pas du tout vénal. Je prends de l'or et puis des festos. Eh ben, moi j'ai du lait. J'ai soif, je veux du lait. Ouais, et pas comme ça. Ça fait longtemps. Il va faire comme ça aussi. Bienvenue à toi. Tiens, on va lancer le dé.
Un deux. Petit 2. Thierry. Allez. Thomas. On peut prendre un 9. Le Thomas. Automat. Thomas. Thomas. Ah. Automatin. On va gagner. Je serai pas dernier. Automatin. Un. 5. Allez. Bon, troisième, on ne voulait pas commencer. Sachant que notre joueur, après, ce sera toi. Après, oui. Ce sera... Par contre, Flo, tu seras jamais le premier joueur. Mais en... bon, moi je trouve ça honteux. Non, mais c'est... dans ce jeu-là, c'est ouais, pas grave. Surtout à 5, bah non, mais on... ça ne change pas grand-chose. Alors, c'est au niveau de la rivière. Est-ce qu'on met en place la rivière? Ah oui, pardon. Non, je t'en prie. Il n'y a pas de problème, ça change. Voilà. Faut juste pas oublier de le faire. Ouais. Alors, il y a deux dragons serviables, un joueur, c'était ça, serviable qu'on avait pas dit. Là, il faut payer. On s'en fout de l'état, là, il n'y a pas de. Faut payer deux cristaux, c'est ça? Ouais. Non, deux cavernes. Deux cavernes, pardon, je voyais pas. Pour jouer gratuitement nos dragons de la main. Là, c'est un scoring de fin de partie pour les dragons serviables. Ouais. Et là, on paye. C'est une action de pause quand on paye une carte pour jouer gratuitement un dragon. Des cartes visibles. Donc, qui... Ouais. Ouais, ça peut te faire aussi. Ensuite, ici, on gagne un cristal et une carte dragon. Ouais. Là, on gagne une viande et un cristal. Et ici, on joue immédiatement une carte avec une réduction de 1 œuf ou d'une ressource. Ah oui. Ouais. C'était donc là les 24. Ok. C'est je vais rendre les 4. Je vais. Caverne du dragon. T'étais le roi de la salle. C'est un beau magasin. Je vais excaver. Je joue une carte. Caverne. Ouais. Je vais la jouer ici. Je vais gagner 2 viandes. Allez. Et voilà. Ça commence. À toi, Thierry. Moi, je vais excaver aussi. C'est à quel moment qu'on met des pions ici là? C'est quand tu explores. Ah là, bah, tu m'étonnes que t'as plus le temps. En fait, là, tu vois, ici et ici, tu poses tes pièces, ça coûte toujours une pièce. Ok, oui. Quel que soit le nombre de fois. Donc, j'avais cru que du coup, on les mettait en face. C'était juste pour l'exploration. En fait. Okay. Tu peux la faire autant de fois que tu veux. Alors là, t'as déjà excavé là. Tu peux re-excaver, mais ça ne sera pas gagnant pour toi. Oui, c'est vrai. Et je gagne deux. Il est excavé. Ok. Moi, je vais tout de suite attirer un dragon. Bien. Ouais, je joue un pâtureur frugivore en bas. Il est timide. C'est un petit dragonnet. Je le mets là. Ah bah, il le joue tout de suite, il est timide. Mignon. Et il coûte 2 laits et 1 œuf. Ah bah, il est timide, donc. Voilà. Et moi, c'est pas un effet de pause. Donc... Super. Bravo. Et ben, moi, je vais faire excaver. Je pose une petite pièce là. Ça. Oui. Et je. Tout à fait. Je joue ceci. Donc je pose là, du coup. Comme ça. Ouais. Donc je gagne un dragon. Dragon. Soit un des trois là, soit le premier de la. Et je prends un œuf. Et tu prends un. Alors prends un œuf, j'en prends un là. Ouais. Et puis, là où tu as de la place, pour là, tu n'as qu'une place. Là. Ouais. Attention, si tu... là, tu n'as plus de place, donc si tu en gagnes, tu ne peux plus. Ouais. Ah oui. C'est ce que j'ai fait. Et après, tu peux déposer sur les dragons, en fait. Oui, oui, sur les dragons. Tu n'importe lesquels. Hein. Ouais. Ils ont tous, tous pondre sur leur tronche. Alors, non. Là, lui, par exemple, c'est un dragonnet, lui, il ne peut pas pondre. Il est nul. Ouais. Qui se dépêche de grandir. Lui, il a une place, lui, il a deux places. Ah, oui, c'est comme au sein de la place. Comme un monkey pan. Comme un monkey pan. Ok. Et un. Bon, je vais lancer un dragon. Les cartes visibles. Ça, petite. Ouais. Mais là, ce que tu vois, c'est pas une caverne, c'est un dragon. Hein. Oui, 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 oui. Je l'ai ça là. Ah oui, pardon. Et ben, je vais prendre là. Allez. Qui est tout doux. C'est quoi? Je prends un dragon. L'eau. Et toi? Bah, je vais excaver aussi. Allez. Et je vais excaver cette magnifique caverne. Oh, il y a bien ici quand même. Oui, bah oui. Et je gagne un lago d'or et un cristal. Et... Oh, t'es malade. Moi, je trouve toutes les richesses. C'est bon. C'est à moi. Donc, moi, je vais attirer un dragon. Je vais jeter deux viandes. Et je vais jouer un dragon ici. Ok.
un serpent hyène. Et un peu agressif. Je vais attirer un dragon. Je vais mettre ici. Un dragon oracle. Oracle, ouais. Qui me coûte une viande et des améthystes. Ouais. Okay. Félicitations. Et j'aurai en fin de monde, je prendrai un. Ok. Voilà. Quelqu'un est né ? Vous n'avez qu'à venir en live, vous l'aurez à la primeur des nouvelles. Moi, je vais excaver en bas. Non, c'est bon. Excaver en bas, ça me dit gagner deux guildes de draconique et chaque adversaire gagne une guilde de draconique. C'est wow. Gentil, je suis pas sympa avec Otoma. Ah bah non. Un œuf et une viande. Ouais. J'ai gagné un œuf, ouais, merci. C'est pour ça qu'il fallait mettre un dragon. Bah oui, mais comment je savais qu'il allait jouer ça? Alors, juste une petite truc, je m'étais posé la question, donc si ça peut vous aider. Là, par exemple, j'ai mes deux œufs qui sont remplis. Si au début de mon tour, de la manche, il faut remplir un œuf, vous pouvez le mettre sur un dragon. Oui, oui, oui. Voilà. C'est un stockage en plus. Voilà, voilà. C'est, je préfère. Ah, petite chose qu'on n'a pas précisé, qui est bien rappelé sur le plateau de chaque joueur. À tout moment, on peut défausser deux ressources pour en prendre une autre à la place. C'est cher. Ah, bah oui. Et quand ça débloque, ça débloque. Ouais. Voilà. À toi, Thomas. T'es content avec l'œuf que non, je te donnais ? Pas du tout. Et bah, je vais attirer. Est-ce que c'est ça? Alors, et puis je vais jouer ça, une feu verne belliqueuse. Elle m'a l'air bien belliqueuse. Mais c'est après que je vais un peu jouer. Donc, c'est jaune ou machin là. Oh, peu importe. Ouais, là-haut, c'est bon. Bah, moi, j'avais pas trop le choix. Bah, là-haut, c'est bien pour avoir plus vite des ressources. En bas, c'est bien pour l'objectif fin de manche et avoir plus de cavernes. Mais bon, des ressources. Tout à fait. Donc c'est à moi. Eh ben oui, dis donc. Eh ben je vais attirer aussi. Mais qu'est-ce que je vais attirer? Ça. Une feu verne aussi. Oh, mais moi, est-ce qu'elle est belliqueuse? Descendante. Ah, descendante, oui. Mais elle est gracieuse. Elle descend de la montagne. Elle est gracieuse aussi. N'hésite pas à revenir nous dire un petit coucou à l'occasion, ma gueule. Quand je la pose, je gagne un jeton. Ding. Bah d'accord. Hop, action gratos. Enfin, ça va coûter quand même 3... Oui, 3 cristaux. Action gratos, pas si gratos que ça. Non. C'est bon. Ouais, mais je sais pas trop ce qu'il y a. Elle peut stocker de croisé. Je vis. Qu'est-ce qu'on a découvert maintenant? Une fée. Attirer un dragon. Une fée métallique. J'ai dépensé une viande, un or et un améthyste. La région des cartes visibles. Pour jouer. Un dragon ici, mon gris dragon épuisé. Fallait qu'ils soient entre deux dragons. Tu n'aurais pas le mettre au début. Voilà. Ça devrait se faire facilement, ça. Ouais, mais ça va pas dans l'objectif, c'est un peu dommage. Mais... Ouais. Je vais encore attirer un dragon. Ah, vu que vous êtes tous partis vers le bas, un neuf. Et non, non, mais ouais, là, sur la première manche, je ne peux pas rien faire. Oui. Ça y est, t'as fait. Ouais. Ok, très bien. Quelqu'un avait dit quoi? Une vie et un cristal. Voilà, la première manche, je pense que c'est mort pour l'objectif. Mais... moi, je vais aller explorer. Moi, bon, je me préparais déjà pour le deuxième, par contre. Mon petit bonhomme, il se met là. Je gagne une cave. Une caverne, pardon. Je veux bien gagner seul. Hop, attends. Je vais gagner. Si. Ok. J'allais pas la remplacer. Et puis, j'avance là. Ouais, c'est bête. C'est ballot. Mais pas trop tard. Je stocke un lait. Bah non, je le fais pas. Tant pis, j'ai. Complètement losé. Salut Vandenel. Bah on commence, on commence. Ouais, c'était pendant ce temps-là. J'ai fait dans le mauvais sens. Tant pis, c'est ma faute. Okay. Et là, je gagne un sur un guide draconique et je regagne un dragon. Enfin, je gagne un dragon. Il va piocher toutes les cartes. Il dit quoi, lui? Fin de partie. Gagner un point pour chaque dragon servir sur votre plateau joueur. Et là, il y en a deux des servir. Je veux bien la carte dessus. Ça me rappelle un jeu. Ouais, je vais... C'est bon? Ouais, merci. Attends, et puis piocher, ok, la pioche. Et je vais avoir des points gratuits. Et je crois pas. Ok. J'ai le clé. Tout.
Fixe. Exploser. Exploser en vol. Ouais, alors. Ça va être chaud. Ça va pas être possible. Non, bah je vais explorer. Donc je mets là, c'est ça? Ouais. Enfin, non, là. Ah, là-haut. Oui, là-haut, parce que là, je vais explorer. Tu mets ton petit bonhomme. Petit bonhomme. Ici. Tu gagnes une ressource. Une ressource. Et quelle ressource vas-tu prendre? Celle que tu veux. Quand même sachant que tu vas avoir de la viande après, hein, si tu veux. La viande après. Oui, parce que tu avances sur la légume dragonique. Hop. Alors, tu vas sur ta carte. Oui, non, t'as rien sur ta carte. Là, il n'y a pas d'effet. Ouais. Là, t'avances et tu gagnes. Là, une viande, dis donc. Ça, c'est. Ben voilà. Hein. À flot. Il retourne de compte base. Oui, il retourne de compte base. Il a fini de se balader. Ouais. Alors, ben on va attirer un deuxième dragon. Et lui, il coûte cher, lui. Il me coûte un jeton, ça tombe bien, j'en avais récupéré un avant, plus deux lingots d'or. Oh. Mais il fait beaucoup de points, j'imagine. Ça en fait de marche. C'est 5 points, il peut stocker 3 œufs, et je peux payer un œuf depuis n'importe quel endroit de cette caverne pour gagner 2 avancées sur la guilde draconique. Donc, à quel moment? À la fin de la manche. Oh, il est tellement fort! Ah bah c'est bien en première manche. Oh. C'est bon. C'est un primeur du sort. Hein. Tellement fort. Ouais. Ils sont connus ceux-là. Je vais aller ici, je vais explorer. Je gagne une ressource, je vais prendre une améthyste. Je gagne une viande. J'avance sur la vie dragonique. Il y a une viande. Là, ici, ça fait rien et je gagne de l'or. Et je reviens ici. Mmh. Ouais. Je vais laisser tomber l'objectif, hein, ça sert à rien. Vous avez tous. Ah non, je pourrais faire des échos avec toi, mais c'est tout. Donc, ça ne sert à rien, j'aurais zéro de raison, nous, tu vois. On va voir pour les autres. Ouais, les dragons, ils ont pas bougé. Non. Ouais, ils n'ont pas bougé. On va tenter. Ah non, ils veulent pas. Ouais, on tente. On verra. Tiens, je paye mon œuf, j'escarve, je gagne. Une carte dragon et une ressource viande. Tout ce une dragon, alors. Je reprendrai au pif. Oh bah, bravo. Personne qu'on veut des. Non. Personne veut cela, les serviables. Non, ils sont pas très cool. Hein. Ça paye pas les serviables. Hein. C'est vrai qu'ils sont pas. Ils sont pas ouf. Hein. Bon, bah, moi, je vais excaver. On va continuer à excaver en bas, tiens. Je vais gagner une pièce. Voilà. Une pièce, si ouais, c'est là les pièces. Ouais, c'est le seul endroit que j'ai pu. En fait, c'est une action gratuite. Ouais. Ok. Ouais, bah, moi, je vais. Je vais excaver aussi, ma foi. Ah, ok, tiens, ça me coûte un œuf, excusez-moi. Oh, Donc, je vais là. Ça me coûte un œuf ici. Ah, tu vas pouvoir gagner les œufs. Voilà. Ah ben j'avais aussi. Et je gagne deux dragons. Elle est bien celle-là. Ouais, c'est en pause. Ah pardon, j'ai cru que c'était le dragon. Non, 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 c'est très fort. Ok. C'est good. Allez, non, je prends le deuxième là. Oui, oui, là, c'est... ils préconisent de faire comme ça. Ben, j'excave aussi. Et je vais jouer ici. Je gagne une viande et un dragon. Mais moi, j'ai pas de carte pour avoir des dragons. Parce que j'en ai pas. J'ai plus de dragons. Moi, bah, vu que j'ai plus de dragons, il faut y aller en chercher. J'ai un, j'en prends un. Eh, mais t'en as déjà posé deux. Ouais. C'est des dragons bons, ça. Eh, mais bon, j'en ai qu'un. Après, celui que j'ai repioché, je peux pas le. Et à moi, je crois que ce que j'ai mis à faire. Ma toilette explorée. Mais ça va ici, ça.
Donc je commence par gagner une caverne. Qu'est-ce qu'on a de beau? Celle-là. Quoique. Oui, c'est vrai. Ensuite, rien. Ensuite, j'avance ici. Donc je récupère un dragon. Personne n'en veut, c'est non. Mais oui. Après, il y a une... Là, je peux stocker une viande, j'en ai. Et quand je stocke une viande, je gagne une caverne. On va réachalander. Mais on pique aussi les cavernes, hein, c'est ça? Ah, oui, oui. Bah, ça tombe bien, il en refait encore une. J'ai bien. Allez. C'est la fête. Et voilà. Et voilà. Ça fait quand? Voilà. Des effets. Ben là j'en gagne un, là j'ai avancé, ça m'a... Non c'était bon. Bien. Là j'ai stocké une viande, quand je stocke une viande, j'ai gagné une caméra. Enfin un dragonnet plutôt. Ouais. Allez, c'est bien. Et là j'en gagne un. Et donc on recharge en caverne s'il vous plaît. Là tu vas avoir des cavernes. Là tu peux immédiatement jouer une carte dragon avec une réduction de... C'est le même que tout à l'heure. Oui, je crois. C'est qui l'a pris? Quoi donc? Tiens. Ah non, il y a resté. Pris celle-là, je sais plus. Non, mais je viens d'arriver celle. Oui, bah c'est la même. Oui, non, mais elles sont toutes en double. Mmh. Voire plus. Bon, moi, elles n'étaient pas collées parce que j'ai du tout mélangé hier, ça a été une caverne. Oh. C'est ça. Non, mais c'est. Encore ça. J'ai rien. Emmerdé, moi. Ah, c'est fait de l'art, ça. Ah oui, c'est ça, ouais. Bon. Bah, ouais. Prendre un dragon. En conviction. J'ai pas envie de... Attends, parce que j'ai pas envie de débloquer trop la pioche, mais j'ai l'impression qu'il y a que ça. C'est quoi. Gagnant dragon. C'est un peu naze. Excusez-moi pour le zapping, mais ça marche plus. Non, je vais à nouveau excaver. J'avais beau appuyer, ça changeait pour nous. Je vais partir, excaver. Et je vais poser ma dernière cave. Je vais la mettre là-haut. En la posant, je gagne un cristal et une carte dragon. Et je vais prendre celle du dessus, s'il te plaît. Ok. On verra bien. Merci. Un peu de chance, peut-être. Ou pas. Ou pas. Ok. On a mis un peu de chance. Ouais. Bon, après, il faut les ressources, c'est ça qui est... Un timide. Pourquoi qui c'est qui a du timide? Ouais, quand on pose des... Moi, j'ai un timide. J'ai un timide. Ah non, j'en ai pas, moi. On est tous un, en fait. Sauf bah non. Non mais toi t'es l'automate, t'en as forcément. Et moi j'en ai un de base. Hein. N'oubliez pas que j'ai un truc de base dans chaque. Bah oui, il faut encore faut-il pouvoir poser des 10 000. Hein. Ah bon, t'as zéro vu que ça va être par manche, non? Bon alors je vais faire, je pense, attirer. Si. Tu veux pas que je fasse ça? Non. Et je vais, bon, tant pis, ça va me coûter une action. Mais... Bah allez, moi je vais bien récupérer. Eh, mais je peux rien poser d'autre. Alors tant pis, hein. Je vais le poser là. Un serpent pacifiste palmé. Mmh. Ah, ça vous en bouche un coin. Mmh. Donc, bah, je paye une action. Mmh. Merde. Voilà. Mais ah, mais c'est ma dernière action en plus. Ah, bah voilà, une action. Ouais. Ah oui, t'as coûté cher, oui. Bah ouais, mais... Ah, il m'en reste une. Ah mais attends, tu peux pas oublier. J'ai regardé un godeur. Attendez, je reprends le Gugus. Ah. Ah bah oui. En fait, ça coûte... Toi aussi, ça, c'est une question, tiens. Ouais. Bah, toi, ah oui, en fait, c'est la loose. Oui, mais il en reste pas, lui. Et ah, oui. Pas non plus. Deux. Non, mais vous avez des pièces. Ah, il en reste deux, des pièces. Bah, reste je vais pas. Pourquoi t'en avais payé un avec les pièces? Elles sont toutes sur le plateau, les pièces. Du coup, parce que moi j'en ai joué. 1, 2, 4, 5 et j'en ai gagné une là. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ouais, mais il me semblait que t'en avais. Non, c'est pas toi qui en avais payé. Non, ah, regarde, tout est sur le plateau. C'est toi. Mais il en avait gagné une. Tout est sur le plateau. Donc il m'en reste toujours deux.
Moi, il m'en reste deux aussi. Très bon, qu'une, c'est mieux. Avant-guine. Ça fait avancer sur le machin. Ça fait une caverne. Ça refait une caverne. En fait, là, ça fait plein de cavernes. Ça sert à rien. Bah, non, parce que là, je peux pas avancer. Si, non. Il n'y a pas de dragon, je peux non, pas avancer. Non. Hein. Dès que tu as un sens interdit et que tu vois, bah, tu t'arrêtes là. Faut poser des dragons à un moment. Bah oui, mais il faut des ressources. Ça se trouve tout seul les ressources. Ah bon? Bah, regarde, tu peux reprendre là, alors, si tu veux. Regarde. Tu peux retourner explorer, ouais. Mais au moins tu auras des ressources. Ouais. Bah ouais. Bah, enfin, je sais pas. Hein, ça, je... Mais bah, en donné, de toute façon, je pourrais pas faire. Je peux pas faire autrement. Ça coûte cher. Tu payes. Mets ton note dessus. Ah, pour... Là. Ouais. Ok. Plouk. Tu mets ton bonhomme. Là, j'ai une ressource. Oh, de l'or. Ah bah, il y en a pas besoin. Après, t'as dernière... t'es pas obligé de tout jouer. Tu peux te dire que ta dernière carte, tu la poseras avant le suivant. Enfin, je veux dire, tu vois. Ah oui, la dernière action, oui. Bah ouais, tu peux la garder. C'est la mais bon, je vais quand même prendre des ressources. Là, tu continues, ton petit bonhomme. Hop, donc là, il se passe rien. Et là, guide, t'avances. Ah, toi, t'es jaune. Tu une carte dragon. Une carte dragon. Ouais, tu prends encore. Oui. Et voilà. Formidable. Et ton bonhomme rentre au camp de base. Coucou. On va aller visiter ici. Explorer. Ouais, en bas. Ouais. Allez, ploup. Je récupère une caverne, celle-ci. Ensuite, je me déplace d'un cran. Parce que mon dragon n'a pas d'effet. Et je prends une viande. Et puis après, c'est tout. Je rentre au bercail. Okay. Échanger l'emplacement de dragon de votre plateau joueur. Ah. Ignorer les préférences de caverne. Ah. Ouais. Ouais. Ok, ah, oui, c'est bien s'il y a des combos de placement entre les dragons. Yes, it is. Je vais aller ici. Je vais un œuf. Je vais une ressource. Je vais prendre un lait. Et je vais prendre ça. Pourquoi t'as pris deux ressources Parce que j'avais déjà pensé à celui-là. En fait. Ah ouais. One car. Mmh, attention, mais... Ça triche, hein. Oui. Ouais. Voilà. Je reviens ici. Ok. Touk. T'as fini ta main. Ah non, j'ai oublié le dragon, la viande. J'ai pris là et là, et j'ai oublié la viande. J'ai pris un cristal. Ouais, c'était pour ça, pour faire dans l'ordre le truc, ouais, parce que sinon, ouais. Tu sais plus. C'est moi qui me suis. Ouais, ouais. Mieux faire dans l'ordre des actions une par une, parce que c'est le bordel. Voilà. Non, c'est moi, en fait, j'ai additionné les deux. Tu excaves, donc? Tu poses ta... Ouais, j'excave. Okay. Je joue une carte, immédiatement une carte avec une réduction de 1 œuf ou une ressource. Ouais. Elle. Ouais, c'est Thierry qui l'avait. Ouais, avec une réduction d'un or, je pique une viande. Ok. Et voilà. Donc, c'est fait de fin de manche. Ouais. Sinon, il reste deux pièces. Ça vaut le coup de les mettre au tout début, quoi. Les effets fin de manche. Ah, si tu peux les activer, oui. Oui, moi, ça t'ira. Moi, je peux pas. Il n'y a pas de conditions. Vous gagnez un truc et point barre. Il n'y a pas de journée pour vous. Je vais. Ah, mais j'ai des points en fait. Par contre, j'ai plus de ressources. Il faudrait que j'arrive à générer des œufs. Là, c'est pas un problème, bon, hein, mais. Pas simple, je t'achète. Pas vite, par ici. Compliqué. Bah là, tu vas en générer un déjà. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, tant pis. Allez, je vais payer 7. 3 ressources. Bah pardon, excusez-moi. Je vais attirer un dragon. Donc pour une viande, un or et un cristal, je pose mon amphiptère bigarré. Voilà. Mais c'est bien, hein? Tout à fait. Mais pas, ah, pas. Tout. Non. Top. J'ai que 3 cartes là. Bah non, non, t'as que 3 cartes. Les deux, moi. Non, que les cartes cavernes recouvertes par un dragon. Donc, cartes dragon et caverne. Caverne. Non, non, les cartes cavernes recouvertes par un dragon. Donc, en plus. Ça, elle compte. Elle compte. Ah oui, ok, d'accord, c'est dans ce sens-là. Toi, t'en as 1, 2, 3, 4 cartes. Moi, j'en ai 3. Toi, t'en as 2. J'en ai 2. Moi, je crois que c'est 0. C'est 0. Mais j'ai laissé tomber, hein. Oui, oui, non, moi j'ai un joué un peu. Je pouvais pas les jouer, donc. Oui, bah oui, c'est vrai qu'elle tombe pas dans. Du coup, Mike, reste une action, une pièce. Bah, ouais, moi je visais plus timide après. Hein.
Mais bon, j'en ai pour. Je sais pas trop si je l'ai fait en fait. Je t'ai retrouvé dans le même dragon. Tu peux la garder. Tu peux la garder si c'est pas un truc de fin de manche. Il y a pas de. C'est vrai que c'est pas forcément pénalisant. Si tu joues pas l'objectif là et que t'as pas d'effet de fin de manche. T'as plus de jetons, Thierry. Ta pièce, tu la gardes pour le tour d'après. Ouais, tu peux avoir une autre offre. S'il n'y a rien qui t'intéresse particulièrement. Tu peux me repasser devant, c'est ça. Ton action, elle ne sera pas perdue. Tu vas arriver vite. De toute façon, je ne pouvais pas faire un fin de manche. C'est que c'est pas pour être sûr que tu me grilles pas la première place. Comptabiliser ça et rafraîchir et partir pour un tour. Après, si, je peux quand même faire une exploration ici. Qu'il y a pas pour ce type. Pour le jardin de caverne. Ah oui. Moi, j'en ai tu. Bah, j'en ai pas. Je vois ça bien. J'en ai deux. Sur les démons. En fait, ici, ça me remporte. Ah, mais là, ça remporte deux. Ah, pardon, monsieur. Il va falloir que je commence à en mettre là. Bah, ou un dragon. Ça m'en fait si bien. Je sais pas de ce dont t'as besoin, j'avoue que. Et vu que les dragons, j'avais des ressources. Je sais pour les poser. Alors, garde ta pièce. Parce qu'à la fois, il est très cher. Garde ta pièce et attends d'avoir un truc mieux. Et plus la viande que t'as bien sûr. C'est vrai que t'as fait un minimum pour un pour juste une caverne. Ouais, c'est pas fou. Ouf. Non, bah, je m'arrête là. Donc Thomas passe pour sa manche. Allez. Je passe. Tu passes? Oui. Moi, je... Attends. Tu y vas, toi. J'excave. Je remets une caverne ici. Pour un 9. Voilà. Pour un 9, tout à fait. Et puis, le jeu est bon. Je peux jouer immédiatement un dragon avec une réduction de 1 œuf ou ah bah toi aussi, oui. Le jeu est beau, tu donc dis dans ta tête. Je vais faire une réduction de une ressource et ça me coûte 1 œuf pour le poser. Et je vais le poser ici. Et bim, tu vois, 4 aussi, moi je serai. Donc tous les deux vous serez premier, moi je serai deuxième, si ça s'arrête comme ça. Et bim, voilà, tu vois. Moi je passe. Sauf si je peux. Non, moi je passe. Et moi il me reste une action que je vais utiliser. C'est fort de récupérer des... Ou alors tu peux passer l'avant pour le prochain. Non, très bien de l'apprendre. Non, mais je... Ouais. J'ai rien pour être précis. Je vais aller explorer ici. Donc, je vais gagner une ressource de mon choix qui sera... Bah, j'ai perdu deux actions pour aller chercher les dragons. Allez. Non, attends. Bah là, j'ai plus de cartes en main, j'ai deux ressources. J'ai plus rien. J'ai plus d'œufs. Ensuite, ici, je gagne une avance dragonique et je gagne une grotte et je veux bien celle du bout, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et je reviens à la base et j'ai fini aussi. Donc, on remet une carte ici. Tac. Ensuite, il n'y a plus personne. Alors, fin de manche. On va activer les effets de fin de manche sur le plateau de chacun. Moi, j'en ai premier joueur. T'en as pas. Moi, j'en ai pas. Donc, je gagne une carte, un dragon. Il y a quoi de beau? C'est pas marqué que de la pioche, hein, tu peux choisir, c'est ça? Toujours, on peut prendre toujours... Non mais des fois c'est marqué que de la pioche. Ah oui, non, je gagne un dragon et je peux le glisser sur n'importe quel dragon. Ah ouais, c'est bien. Ah, on gagne une action. Ouais. Mais va disparaître. Mais ouais, je vais plutôt le garder en main. À moins que quelqu'un la chope, mais... Ah oui, c'est dommage que je pouvais pas le jouer là. Ah, il coûte cher les machins là. Glisser un, ça en mettra un sous la carte. Hein. Ouais. C'est cool. C'est vrai quand même. Bah, ça fait un point pour chaque carte en dessous. Ah oui. Mais là, je préfère l'avoir dans la main. Tu prends ce dragon et puis. Et puis, je prends un œuf. Pas moi, un deuxième. Mais attends. Ah oui, vous pouvez le glisser. Je vous pouvez le. Ah oui, c'est fort. Et t'as conduit un œuf. Ok. Moi, j'ai pas de fin de manche. Ok. Moi, j'ai je sais plus. Est-ce qu'on va à Chalandre? Oui. Donc, ben oui, on n'a pas encore passé là. Pour l'instant, on est sur les effets de fin de manche. Donc, toi, c'était quoi? Payer une ressource. Ouais, je paye une ressource pour piocher 3 dragons de la pioche. Gardez-en un, déposez-en un, glissez-en un ici. Ah, ouais, ça fait un point dans de la pioche. Oui, oui. C'est dommage, j'aurais bien pas su. Qu'est-ce que je vais payer? J'ai besoin de tout. On dirait que ça ne sert à rien. Bah ouais, ça sert à rien. Tant pis, je vais. Parce que là, d'abord, on va faire un cristal là-bas. Ouais. Parce qu'il faut bien payer un truc. Alors, ton cristal, tu pioches 3. 1, 2, 3. Tu en gardes une tu la défausses et l'autre, tu la mets sous ton bras. Tu mets sur qui, Vandellel? Celle que tu mets en dessous, elle sera toujours en dessous, il n'y a pas de moyen de les récupérer. Ouais, ça sera plutôt bien. C'est un point. Un point, donc c'est oui. Comme une défausse quoi. T'en défausses une, l'autre tu la stocks pour faire un point, mais il n'y a pas un truc qui dit retourner là si c'est un truc de telle nature, je sais pas quoi. Retourne là, alors, ouais.
comme ça. Parce que sinon, ça veut dire autre chose. Ouais. Ok. Bah, on peut recourir des dragons ou par d'autres. Ok. Je vais garder ça. Voilà. Flo. Flo. Alors, moi, j'ai un effet qui me dit de payer un œuf depuis n'importe quel endroit de cette caverne, mais j'en avais pas. Donc... Ah, mince. Voilà. Ok, donc. Voilà pour la fin de manche. Le scoring. Ah, zéro, oui. Alors, qui est en première position? Thierry et Flo. Vous êtes à 4, tous les deux en première position. Et moi, je suis à 3, donc je suis en deuxième position. Voilà. Allez, bon. On répond trop vite. Ok, moi, j'ai zéro en le de scoring, 4, on l'enlève. On le met de côté. Je mets ici. Bon, ça devait, mais t'as pas voulu. Tu peux le retourner. Non, pas le retourner. Bah, non, attends, bah, je les ai ici. Bah, tiens. Hop, ouais. Il va là. Comment t'as dit quoi? On rafraîchit. J'en avais une, mais tu l'as mise ici. Oui, mais je peux pas la mettre là, ça ne me rapporte rien. On rafraîchit immédiatement tous les dragons et les cavernes, s'il vous plaît. Pour arriver dernier quand même. On défausse toutes nos pièces et eux qu'on a dépensées, et on gagne 6 pièces en 9. J'en ai juste 3. 4, 5, 6. Moi j'en ai en plus, donc je la remets. Il y a une réserve de pièces. Ouais, elles sont là. Oh, allez, donc il faut 10 pièces et un œuf. Alors du coup, ça va servir à quoi de ne pas faire un œuf? Non, non, tu repioches 6 pièces. Donc, tu reposes les pièces que tu as dépensées. Ah oui, oui, ok, d'accord. Ta pièce que tu n'as pas dépensée, tu d'accord, d'accord, ok. Oui, donc c'est donc, ça. Tu as 7 pièces. Ouais, ouais, bah, c'est quoi? C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir la pièce à un endroit et... Oui, oui, oui. C'est ça que j'ai joué. Et toi, Thierry, comme je joue. Donc maintenant, c'est une dragon timide. Et on gagne un œuf. On regagne un œuf. Voilà. Okay, okay. On passe tout le monde est deux un... dragons timides. On va essayer. Je qui a pareil, combien de dragons timides d'ailleurs? Un. T'en as deux, toi? Zéro. Il y en a un là en plus. Quand faut-il voir qu'il me chie? Ah, il est bien celui-là. Non, bah moi je vais escaver. Bah, il est pas mal. Hein. Il a déjà des deux. Oui, il est mignon. Une viande et un. J'ai tendu ce du miel. J'ai cru que j'étais très. C'est compliqué de voir les ressources. Hein. Oui. Ah bon? Tu trouves? Oui, bah oui. Effectivement, d'où l'intérêt de jouer au-dessus. D'ailleurs. Oui, alors. Moi, je vais aller attirer. Okay. Je vais attirer celle-ci. Pas ça, attirer. Pardon, excuse-moi. Je suis désolé. Explorer, excuse-moi. Explorer ici, d'ailleurs. Hop, voilà. J'explore, désolé. Et je gagne une carte dragon. Et c'est... Non, j'étais pas d'accord. Non, non, non. Non, 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 je suis pas d'accord, mais je suis toujours pas d'accord d'ailleurs. Fin de mon tour. Fin de son tour. Il y a un joueur qui arrive. Super. Ouais. Une action. ok. Mais 4 points quand même, et puis pas alors, 3 points de plus. S'il y a au moins un autre dragon joueur dans cette caverne. Ah ouais, pas mal ça. Peut-être 7 points. Hein. Il faut d'abord que je chope une caverne. Une caverne, c'est là. Il faut que je mette un dragon là, d'abord. Ouais, je vais quand même jouer celui-là parce que c'est pas mal. Tiens. S'il va me coûter l'action que j'ai gagnée en plus. Allez, on va faire ça. Cette fois, j'ai bien les trucs. C'est bon. Donc, je vais faire attirer. Et sur PDO. Ouais. Moi, je suis bleu. Je vais jouer lui ici, le serpent pacifiste palmé. C'est celui que je veux jouer tout à l'heure. Donc, il coûte une pièce. C'est ça. Un or. Un or cristal. Voilà. Tu as un joueur avec toi. Bah oui, dis donc. C'est cool, hein. Un petit et joueur. 4 places pour les deux, ça c'est pas mal. C'est un petit joueur. Attends, c'est un petit joueur, ouais. Bon, on va aller explorer ici. Toc, je gagne une caverne. On va prendre celle-ci. Ensuite, je vais là, je reviens ici, je gagne un dragon. Prendre celle-là et ensuite je regagne une caverne parce que je peux pas stocker le dé. Je vais prendre celle-ci. Ok, refresh.
Je dragon. Gagner deux avantages différents. Chaque adversaire gagne un avantage de son choix. Ok. Ah oui. Donc, tout le monde, ça. Oh, bah, les avantages. Ouais. Draconique, draconique. Je vais excaver. Je vais mettre une carte ici. Je gagne un. Celle-là, je prends deux. Je suis un. Est-ce qu'il y a ici? Je paye les deux œufs. Et je gagne une caverne. Et je reprends deux œufs. Oui, c'est bien. Et les deux pour court, on fait l'effet là? Oui. Okay. Et tu vas sur l'effet là? Ah oui. Enfin, c'est facultatif. Je peux poser une caverne, c'est ça? Non, quand tu poses ta caverne, ah, quand je pose, tu déposes trois ressources parmi ça pour avoir une action supplémentaire. Trois ressources. Ouais, j'avais pas pensé à oui, ça. C'est un peu cher aussi. Ah, c'est cher. Et c'est une action, donc c'est fort aussi. Et quand t'as des cartes. Ouais, mais je veux pas les perdre, les cartes plus grandes. Ah bah, ouais. À moins que t'aies des ressources. Ouais, ça peut être des cartes. Hein, donc... Ça peut être des cartes, j'ai des ressources. Oui. Ouais, non. Tu fais pas? Non. Je vais me garder ce que j'ai. Alors, moi je vais explorer en bas. Bon, t'as un agent qui te soutient un peu. Ah, alors, je gagne une caverne. Je viens à la caverne où il y a viande et cartes, s'il te plaît. Merci. Ensuite, j'avance. Stocker un live. Je peux toujours pas le faire. Je suis un leader. Et je gagne. Hop! Un cristal. Donc, de votre réserve, c'est des ressources que tu as déjà. Que j'ai moi, ouais, que j'ai là. Ok, ouais. Ouais, voilà. Okay. Bah, non, mais j'ai goûté. Bah, après, non. C'est compliqué. C'est deux fois que je rate. Bah, je vais excaver. Excaver, c'est une personne. Ouais. Je vais excaver là-haut. Là-haut. Ici, là-haut, non là, voilà. Donc, moi, c'est interdit encore. Hein. 3 œufs. Et je vais prendre 3 œufs. Ouais. Wow, c'est quoi cette carte? Oups. Ouais, il y en a un par-dessus. Bon. 2, 3. Non, voilà. Comme tu veux. Comme tu veux. Ah non, parce que lui, il pond dans la colonne. Donc. Ah. On met un là, puis un autre là, du coup. Ok. Là, je vais excaver. Je vais mettre l'impôt sur le bus. Et je ne sais pas laquelle. Tu sais ce que tu vas faire, c'est déjà bien. On va mettre celle-ci. Je vais piocher un dragon. Et je prends un œuf. Piocher les dragons, mais non, j'ai le choix. C'est des épimétriques si je peux en avoir trois. À piocher les dragons, c'est bien, pour en poser, c'est pas mal. Je vais les poser, mais j'en ai pas à poser. Pour moi, c'est l'air. C'est nul ça. Ah merde, ça, tu m'arranges pas. D'accord. Non, non, c'est un effet qui m'arrange pas, parce qu'il dépend de toi. Ah, j'ai trop bien joué. Ah, pas à l'endroit que je voudrais. Excusez-moi. Ouais, je vais essayer de m'arranger. Là-haut, là. Là? Oui. Je vais. Et c'est trop loin, la panne. J'ai pas un seul dragon qui va aller. C'est bien, c'est le problème. Je vais explorer, je vais faire ça, je vais prendre une carte vraiment. Ok. Je dois tirer. Et c'est compliqué au début, hein.
J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas de dragon en fait. Ouais, d'ailleurs, je m'étais planté. Ça, bah, il y en a qui ont des dragons, mais pas les ressources. Oui. Et oui, forcément, il y a toujours un peu de. Des points de blocage. Ouais, non, j'ai pas le choix. Donc, je réexcave encore. Putain. Ça va être un 9. Je gagne 2 d'avantages. Et nous, je vais prendre 2 ressources. Pas mal ça. Ah, oui. Et après, on fait dans le sens horaire, hein, parce que sinon, ouais. Pour les cartes. Ouais. Peut-être que tu as pris 2 ressources, c'est ça? Ouais. C'est 2 trucs différents. Tu peux prendre 2 différents. Tu peux prendre qu'une ressource et un autre. Ah putain. C'est slash, slash, slash. Oh, il y a marqué différent. Ah merde. Encore un grand mot. Faut le censurer. Peggy 18. Ah bon? Alors reprends ton 9 aussi alors. Reprends ton 9 que t'as dépensé. Oui. Et puis reprends ton flou sur Excel. À la main qu'on était en train de chercher ce qu'on allait prendre. Ah j'étais. C'est ouais, moi j'étais je trouvais ça bien, moi. Bah oui. T'en veux pas? Franchement, c'est bien, hein. Bah sinon prends une ressource, mais... Je comprends pas que tu l'as pas pris, hein. C'est vraiment bien, hein. Ouais, je pense qu'il va le faire en fait. T'as un truc de guild Non, j'ai réfléchi comment je peux une sortir. Ouais, j'ai vraiment... C'est la misère d'avoir des ressources. Tu peux en acheter à Seb et contre un dragon. Dragon timide de préférence. J'ai que des joueurs en main. Moi j'ai des timides, mais j'ai pas de ressources pour les poser. C'est toi qui les as les timides parce que... Bah, j'ai vous en avez posé vous, hein. J'ai des joueurs qui servent à rien. Bah, moi j'ai des timides, mais pas... Comment tu veux poser les trucs? Limite, je m'attends à prendre celui-là juste parce qu'il fait 3 points de plus et j'ai un joueur dans la même caverne et j'ai que des joueurs. Tu t'as mal barré pour le troisième objectif parce que j'en ai aucun. Dragon avec quoi? Ah, mais c'est bon, j'en ai 2 aussi. J'en ai 2 aussi. J'en viens pas, mon temps. Tu le fais finalement? Je vais laisser tomber, ça ne servirait pas la peine. J'arrive pas à voir. Faut aller là quoi. Une retour. Bah allez, mais prends un dragon pour poser. Et t'as pas entre une carte, un balai ou une agile. Je pouvais pas faire l'effet sinon. J'ai pris une ressource, je vais avancer de 1. On est tous là, mon pauvre. Je prends une caverne. Ah, mais il l'a pas, tu vois. Finalement. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être des ressources. Ah. Ouais, allez. Okay. Bah, ouais, parce que justement. Et moi, je vais choisir ceci. Et voilà. Et du coup, je mets le petit cube. J'ai gagné une pièce et 2 œufs. Bah oui, ah, vraiment. C'est bon, c'est le meilleur des trucs. Une pièce et 2 œufs. Ouais. Alors, du coup, si. C'était le meilleur. Bah, pour le parti. Pour l'instant, spécialement. La personne sympa aussi si t'es à ce niveau-là. Ouais, exactement. Mais il faut avoir des ressources pour en profiter du bonus. Oui. Donc, il y a des cartes en bas, c'est bon. Ouais. J'ai profité de ça, donc toi, tu profites de ce que tu veux. Ouais, quel enfer. Alors là, je réachalande pas parce que c'est pas la fin du tour. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a moins de choix. Eh, c'est pas la fin du tour. Pas mal quand même. Tout à fait. Tout à fait. Tu vois, t'es pas mal aussi, hein. T'as des dragons qui servent à rien comme moi. Bah, pareil, ouais. Ouais, franchement, moi, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre un truc là. Ah, bah oui, Ah, ouais. Non, mais celle-là, du coup, je vois pas. Je ne voyais pas. Payer 2 cartes, gagner. Dragon, je vais avoir un invisible. Et je l'ai mis dans le coin. Donc, je peux la jouer là, par exemple, ce serait pas mal. Attends, gagner 1. Ah, oui. Ça te réduit 2 autres. Tu dépenses 2 cartes. C'est ça. Là, oui. Tu gagnes une queue et il faut dépendre. Alors, ouais, c'est bon. Des ressources. Oui, voilà, j'ai une viande. Faut le faire à un moment où t'es bien. Je vais peut-être faire là finalement. Voilà. Donc, fin du tour de Thierry. On va battre les cavernes. Ouais. Ah, Christophe. Oh, il y avait du lait. Il y a du lait. J'en cherche. Ouais. Alors, moi, je fais excaver. Ici, c'est toujours gratuit pour moi. J'excave et je gagne une bidoche et un dragon. Et une carte dragon. Bioche ou parmi ceux qui sont là? Non, j'en ai vu un qui m'intéressait bien. Voilà, s'il te plaît. Ouais, il me semblait bien. Merci. Et c'est bon? Oui. La fin du tour. Oh, timide! Oh
Allez, allez. Ouais, un petit peu mais non mais. Elle c'est intimide hein. Et puis il faut encore pouvoir piocher une carte. J'allais dire les timides ne demandent que du lait, mais non, il y a Seb, il en a un qui ne demande pas du lait. Bah, je pense que je vais. On peut lui demander pas de lait. Bah si, je peux en fait pouvoir après explorer. Je suis pas du tout sur le deuxième objectif. Attirer et pour une viande. Je vais poser un serpent laveur. Non, un raton. Bah oui, un serpent laveur. S'il vous plaît, je peux faire par bris. Alors là, on découvre. Ah oui. C'est pour ça que t'as dit que j'étais pas bien. Bah oui. Et... Bah, oui. Bah voilà, c'est déjà bien. Oui, voilà. Il faudrait que je mette deux dragons ici. Bah, oui, s'il te plaît. Si t'as des rouges à me passer parce que j'en ai pas. Rouge, je peux t'en passer. Hein. Un peu j'ai timide. Voilà. Quel... Est-ce qu'il demande de la bouffe, de la viande? Ah oui. Ah voilà. Je le veux bien découvrir. Par contre, il faut encore un autre. Ah non, mais ça, je vais te chercher le prix. Ouais, okay. Si. Eh ben, on échange. Il y a pas une bourse au dragon où on peut s'échanger les dragons? Non. Mais pas un Monopoly. C'est plus simple. Quoique. Mais pourquoi personne s'arrête sur ma rue? Ouais, hein. Ah, c'est un jeu où on... beaucoup, hein. Ouais, beaucoup. Ouais, mais totalement. Attends, est-ce que t'as suivi les suggestions de départ aussi? Oui. Comment gagner? Ah non, comment bah, gagner si, mais bon. Bah, je vais encore excaver. Il ne devrait pas dire les deux premiers. Il disait juste un hypodermique. Changer de ma puissance omnifère. Je vais jouer. Que vous utilisez délicatement dans le cou de votre voisin. Ça s'appelle la méthode Pelican. Je vais jouer celle-ci. Donc ça me coûte un œuf, je regarde une ressource et je reprends un œuf. Tu gagnes une ressource, quoi. C'est ça. Le... Et on va prendre du lait. Je ne cautionne pas. Ah non, la cristal. Un cristal, de dragon, ok, je vois que tu ah non, veux. Ah c'était de l'or que t'as dit. Oui. Ton dragon. Merci. Je sais pas si. C'est bon ? Ouais. Je vais l'échanger. Je vais attirer un dragon. Tu vois, tu poses dans le. Celui que j'ai tiré au hasard. Moi, je pose des cas. Voilà. Bah, t'en as déjà deux. C'est ton troisième. Comme Flo. Qu'est-ce qu'il y a? Comme Thierry. Comme toi. Moi, je suis à la bourre. Hein. Un colette titanesque. Tu as une très belle caverne, si je peux te permettre. Elle est très jolie. Ouais. En termes de colorimétrie, on est plutôt. Voilà. C'est plutôt bien. Ok. Eh bien, moi, je vais explorer. Rio. C'est qui me débloque. Je gagne une caverne. Qu'est-ce qu'il y a de beau? T'as plus rien. Ça vaut pas le coup. Ouais, c'est nul, là. Mm-hmm. Ouais. Mon dieu, étant. Il n'y a pas de caverne comme ça. Je ravance. Allez, cristal. Et allez. Continue. Je continue, je peux stocker une viande. Et comme j'ai stocké une viande, je regagne une caverne. Allez. Oh là là. Il t'a un peu de place sur le plateau. Là. Et après, il regagne une caverne. Encore une caverne. Après, je regagne une caverne. Ouais. C'est 9 ouais. Cartes en main à la fin de ton tour. Ah, tu peux piocher là. Ouais. Non, mais il a une caverne. Il est bien. C'est bon, Thierry. Et je rentre à la base. Ah, stocker deux ressources de la réserve sur n'importe quel dragon. Payer un dragon. La réserve, c'est bien, ça. Payer un dragon pour gagner un bonus. Là. Jusqu'à 3 fois. Ah, c'est pas mal, ça. 4 fois. Ah, ouais. Chaque adversaire peut faire de même une fois. Ouais. Ok, donc moi je vais aller attirer. Enfin, c'est vraiment attirer. Oui. Une viande. J'attire une petite fée sourcière timide là-haut. C'est mignon. Oh, ouais, il a sa deuxième timide. Elle est mignonne. Putain, pourquoi c'est pas à droite? Notre voisin, tu vois, on change de place d'enfer. Si tu veux, j'échange de place. Ah, t'as un truc avec voisin de gauche? Oui, mais c'est l'enfer. Il faut que j'ai le même nombre de dragons ici que lui. Il en a posé aucun. Dans la caverne cramoisie. Bah oui. Et lui, il se trouve que là. Autant. Bah non, au moins autant. Au moins autant. Autant que votre voisin de gauche. Bah, c'est bon. Au moins autant. Ah! T'en as autant, t'en as plus. J'en ai au moins autant. Tu bats ton voisin de gauche. Ah oui, j'en ai au moins autant. Ouais. Donc c'est bon. Ah, c'est compliqué. Là, ah là là. C'est bon, tu peux explorer. Ouais, allez, j'y vais alors. Allez. Allez, vas-y, bonhomme. Sois fort. Non, j'aurais dû en mettre 3 alors.
J'ai copié. Quoi? Ah oui, ok. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais prendre une ressource. Donc, je vais prendre ça. Si tu peux payer une ressource pour piocher 3 et la dragon. Non, c'est en fin de manche. Ah oui. Je gagne un bonus qui se coule. Un petit bonus. Avec cristal. Un cristal. Est-ce qu'il me faut un cristal? Et après, tu gagnes une viande. Ok. Après, je gagne une viande parce que j'en ai au moins autant que mon voisin de gauche. Ouais. Et non pas autant. Et je peux aller là. Et tu récupères ouais. Encore deux autres. C'est génial. Ouais, bah, on va prendre ça. Allez, rentre au Berkel. Ok. 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 Je vais excaver. Oh! Moi j'aime bien les caves. Ouais, ils ont tellement de cavernes. Ça te coûtait des œufs. Ça me coûte 1 à 9. Tac. Ouf, à poil. Là. Ah, si t'en as encore. Ouais. Alors, je gagne un dragon et une cave. Et donc un cristal. Je vois pas de cristal. Ouais. Ah ouais. Boum. J'ai pas vraiment. Comme si le guild de dragon est petit. Allez, Seb. Blah. Qui a combien de timides? Vous en êtes deux. Zéro. Zéro. Combien? 7 de timides. Deux aussi. Et toi? Un timide. J'en ai marre des dragons qui n'ont pas de tête à parler. On ne peut pas bouger les. Non, 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 non. Je vais en prendre un ici. Je relis, c'est pour ça. Et je me l'étais mis là alors que c'est marqué bien pondé ici. En fin de. C'est pour ça, ouais. Ah, d'accord, d'accord. Ah oui. Du coup, là, on ne peut plus le dépenser. Du coup, par contre. Ah, si, si, si. Si, on peut le dépenser. Tu es obligé de le pondre là. Du stockage. C'est un stockage en plus, un bonus, mais c'est du stockage partout. Okay. C'est tout pareil. C'est comme Wingspan. C'est pas le problème. Partout. C'est juste qu'a priori, après, t'as pas le droit de les bouger. On va prendre un peu de Ronin. Vas-y. Je relis, je dis ouais, c'était. Un peu de Ronin. Ok, ok, ok. Non, merci pour l'instant, c'est bien. Merci. Pour l'instant. Ouais, on a fait de la cause. Non, non, mais. Ah bah, attends. On joue ça. Un peu de Ronin. Bah, ça y est. Bah oui, on a fait de la place. N'hésite pas à en prendre 6 ou 7. Thierry, un peu de Ronin. Mais oui, vas-y. Sinon, après, tu vas perdre. Une 1 sur la guise, et je peux prendre une carte. Une caverne. Capitaine. Bon, la caverne. Capitaine. Seb, tu l'as pas? Caverne. Oui, ah, oui. Capitaine. Et j'en ai ici. Bon. Moi, je vais attirer. Ouais. Deux améthystes et un or. Il est comment? Il est timide. Timide alors, ouais. Non, il est. Non, il sert bien. Il sert bien. Je peux dépenser deux cavernes pour jouer un autre dragon gratuitement. En posant? Allez, ah ouais, t'as tellement de cavernes. Gratuitement. Gratuitement. Allez, allez, boum. Il me fait 8 points de victoire celui-là. Bim. Enfin, j'ai un dragonnet, une petite, un grand. Ouais, GG. Oh là, c'est magnifique. La famille dragon. C'est tout combo et t'as fini ta ligne du bas. Ouais. Et donc, mot compte double. Bravo, madame. Bon, donc maintenant, quand tu vas au bout, t'as des trucs sympas. Ouais. Moi, je vais. Moi, je vais explorer ici. La caverne, moisie. Je vais prendre une ressource de type. De type adéquate. Oui, déjà. Ouais, de que type. Cristal. Ensuite, j'avance rien. J'avance sur la guilde draconique. Un œuf. Oh là, il est inarrêtable sur la guilde draconique. Un œuf ici. Mon deuxième. Ensuite, j'avance. Je gagne un. Ah oui, je gagne un cristal à nouveau. Oui. Et une ressource. Et puis, je vais gagner. Mais non, mais non, mais non. Mais non, ça passe si je vais avec toi. Et je rentre à la maison. S'il vous plaît. Il me reste deux pièces. Ok. Tu devais regagner encore une place, toi. Oh là là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, supportable. Hein. Ouais, deux supportables. Bien joué. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Ah, bah non plus.
Alors là, tu peux me poser des questions. Je pense que pour l'instant, je vais encore excaver. Pour... Où est-ce que j'excave, dites donc? Oh, voilà. On va poser des questions, vous. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là où tu as besoin de poser des dragons, en fait. Bah ouais, c'était bien. A priori, en bas, t'es pas mal. T'as pas besoin tout de suite. A priori. Ouais. Est-ce que tu veux reposer un maintenant là ou est-ce que. Là, tu peux pas payer d'œufs. Ça, ça, c'est ça. C'est pas ce que tu veux. Oui, c'est pas ce que je veux. J'ai perdu. Je ne sais pas. Je vais poser ça. Je suis perdu. Un œuf. Un œuf. Et comme donc je peux payer deux dragons, puis deux dragons qui gagnent. Wow. Ouais, bon, ça sert à rien, c'est dans le monde. La vie de cristal, les viandes fraîches, un dragon. Il a claqué. D'un lingot d'or, de l'effraie, un dragon. Ouais, je vais payer deux dragons. Et du coup, je prends ça. On sait pas de qui nous veut. Visible. Pour. Je l'ai joué immédiatement gratuitement. Ah oui, tu as dépensé deux dragons pour gagner un et tu la joues gratuitement. Ouais, et là, si ça. Tu veux, en faisant ça, tu as le droit. Alors attends, je fais déjà ça. Je vais là. Et tu prends un œuf. Comme ça, je vais là. Comme ça, je vais là. Comme ça, je vais là. Et tu encore. Donc, tu gagnes deux œufs et un œuf aussi. Je me rassure, tu l'aurais pas eu. Oui. Non. Tu l'aurais pas eu. Tu l'aurais pas eu du tout. Il y en a trois qui peuvent faire. Oui. Okay. Non, tu as gagné trois œufs. Voilà. Ouais. Et maintenant, comme tu as fait cette action, tu peux dépenser trois ressources cartes caverne pour gagner une action, si tu le souhaites. Je peux plus cher. Ah bah. Tout dépensé. Ouais, mais bon, j'ai eu du mal à aller choper ces ressources. T'es pas obligé. Ouais, t'as rien, c'est retour. Pour gagner une action, pour reprendre après les ressources. Donc non, Zob. Je ne tomberai pas dans cette arnaque. Zobie. On dirait que t'es un marchand de tapis là. Si tu vas voir, elle est belle mon action, elle est belle mon action. Vas-y, vends ta voiture, ta maison. Ouais, non. Non, non. C'est bon. Ok. J'ai déjà gagné une action. Flo. Alors, moi je vais explorer ici. Ex quoi? Explorer. Explorer. On va piocher un dragon. Celui-là. Ah, c'est le mieux. C'est le meilleur. T'as pris dans les défauts, t'as vu? Oui. Bon, bah, je sais les trois objets. C'est bien. C'est l'avantage. Ah, a... okay. Ah, c'est toi qui viens de la prendre? Ah non! C'est moi. Ah oui. Ah, ça change tout. Parce que ça change tout. Gagner un cristaux et ponder un nœud. Ça change tout parce que j'ai pas fini. Ouais. Je vais là, ouais, j'avance d'un ici. Le Coatl de Titanes, quoi, ouais. Il est beau, hein. Je l'ai pioché. Qu'est-ce qu'il m'attend? Je vais payer un œuf. Ouais. Piocher une caverne de la pioche. Je vais là, immédiatement, gratuitement. Et je vais. C'est de la pioche. C'est de la pioche. De la pioche. Mais c'est nul de la pioche. Ah, c'est toi qui l'as voulu. Hein. C'est dommage. Bah, ça aurait pu être là. Et tu l'as joué sur deux pioches. Ouh. Ah, voilà. Ah, bah, voilà. Non mais vous, j'en sais rien. Ah. Bah, c'était la question que tu te posais. Bon, je veux... On des trois œufs. Oh, bah du coup, je vais défausser trois cartes pour avoir une action. Ouais. Ça fait chier, ça. J'aurais pas su vous les mettre. Un, et deux... Non, je vais le mettre là. Et... Ah, tu peux prendre tes trois œufs. Enfin, après, tu le fais dans... Je peux prendre mes trois œufs d'abord et... Bah, quand tu poses, c'est à la pause, bah... Oui. Après, de toute façon, ça me... Je sais pas l'ordre, mais je pense que c'est l'ordre que tu veux, mais c'est pareil, c'est à la pause. Mais c'est un autre symbole, c'est une fois que tu l'as posé, et je dirais. Trois. Donc, d'abord, je dirais que tu gagnes tes 3 œufs, puis ensuite tu fais ton action. Allez, 3. Zou. Je dirais ça. Et je gagne une action. Ok. Et tu gagnes tes 3 œufs. Et je gagne mes 3 œufs. Ah, c'était rentable. Ouais. Bah, largement. Je pensais pas avoir ça. On va mettre les 3 là-dessus. C'est bien. Et lui, il a un petit effet s'il y a un œuf à la fin de la manche. Voilà, tu vois. Alors, je pensais pas que ça allait se goupiller comme ça, mais ça marche aussi. Je vais excaver. Mmh. Je vais poser. Je vais payer un œuf. Je vais poser ici. J'avance
de 2 ici. Et tout le monde avance de 1. C'est quoi là? Ah. J'ai pas vu. Je gagne 2 et ouais. Tout le monde avance de 1. Ok. Donc, vous pouvez peut-être le faire dans l'autre. C'est moi qui en premier, puisque c'est le joueur actif. Je vais ici, je vais payer un 9. Et je vais jouer. Ouais, alors attends, ouais. De la pioche, Megartos. Ça te fait quoi? C'est, je peux payer un dragon pour prendre 2 œufs. Jusqu'à 3 fois. Mais du coup, ah, j'ai chaque adversaire peut faire la même chose une fois. Ouais. Ah ouais? Ah ben, j'ai plus qu'un dragon, donc j'ai non, ça m'intéresse pas. Non plus, mais je peux faire l'effet. Oui, oui, tu peux dépenser 3. Non, pas un dragon, moi je peux pas. Ça peut être aussi des caves et tout, une caverne. Et tu gagnes une pièce. Ok. Et donc, je suis arrivé là, donc Thierry, ça Thierry t'avance, là on a le droit d'avancer. Tu peux mettre un cucube. Ouais. Je peux mettre un cucube. Non, mais c'est moins intéressant. Là, il y avait. Oh, bah, ouais, il y a toujours même là. Tu as encore ça. Oui, on met les cavernes, c'est pas un problème. Oui, mais tu l'as joué gratuitement. C'est gratos, oui. Ça. J'ai pas de dragon en main. Donc, deux, t'en as pas. J'ai pas de. Mais j'ai qu'un 9. T'as les points. T'as 6 points, ouais. C'est deux un point pour tous les 2 œufs. Ouais, si j'arrive à avoir plein d'œufs. Tous les 2 œufs, comme ça. Ouais. Ah, 6 points. Il y a moyen que j'arrive à avoir plein d'œufs. Oh, il est gros. 12 œufs, ça fait 6 points. Ok, et moi j'avance. Ici, je gagne un or. Hop. Moi j'avance là, je gagne un 9. Ce qui me... Moi j'avance même en hauteur et je gagne un 9. Je commence à être un peu blindé en 9. Un 9 ici, je peux mettre aussi. Non. Ok, maintenant il va arriver en fin de manche. Parce que lui il pond dans la colonne. À toi, Thierry. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah oui, mais écoute. Là, mais il est fort, dragon. Oui, il est pas mal. Il est trop fort. Il m'en faudrait rien ici. Voilà. Ok, on a tous avancé. Donc maintenant, c'est à Thierry. Ouais, je réexplore. On a payé un œuf. J'ai déjà été, tu m'as refait mon truc. Il faut le poser sur le plateau. Il faut le mettre au. Ouais. Là, c'est n'importe quoi. Tu jeu. Regarde ton jeton action. Défausse le dernier dragon que t'as posé. Il est pas sur la. Non. Il est pas au bon endroit. Mais il fait ce qu'il veut. Je gagne une caverne. Qu'est-ce qu'on a derrière, capitaine. Ouais. Bon, on va tenter au hasard. Allez. Vous avez déjà joué avec des joueurs. Premier degré comme ça sur les règles. Je regarde. Oui. Ouais, on transige. Non, on transige. Si le plateau est comme ça, c'est mort. Deux transigeants. Deux transigeants. Eh oui. Ah, t'as plein de places sur tes dragons. Vous avez pu en faire. Oui. Ensuite, je n'ai pas. Bon, là, je gagne une autre caverne. Donc, je vais continuer. Puis. Je regagne une caverne. Je reprends un œuf. Eh bien, on ne veut pas voir ça. Ah oui, c'est vrai que c'est bien. Tu peux en mettre aussi à gauche. Non, toc. Puis. Oui, aussi. Tu vas tout au bout. Ouais, et je peux défausser 2 cavernes pour et avoir oui. 4. Pour bonder. 2. Eh ouais, 2 pour chacune. C'est balèze, hein. C'est sûr, les gros dragons. Oui, ouais, c'est pour ça la combo. En fait, une fois que tu as rempli une ligne, tu vas faire. Bah, tu sais, genre, tu chopes 2 cavernes hein, avec tes effets et puis tu les défausses. Ouais, ça te fait 4. J'ai mis comme 2 chacun. Là, je prends 4. J'ai plus que ça. Bah ouais, pas seulement parce que j'ai pas fait des œufs, donc c'est pas grave. Ouais. Ok. On gagne 2. C'est bueno pour toi? C'est bueno. Ok, moi je vais attirer à nouveau. Et je vais attirer un serpent du Loch Calm. Pour 2. Oh, deuxième lingots. Troisième timide. Ouais, troisième timide. Et 2 cristaux. Et voilà. Autant dire que j'abandonne l'idée de poser un seul timide. J'en ai un, c'est pas mal. Oui, ouais, c'était bon, on en a 2. Ouais. On en a 3. Regardez. On voit des points, c'est le coup là, c'est cool. Bon. T'as fini ta. Je vais explorer ici. T'as pas avoir tes pièces. Bah, ouais, encore. J'ai pas pu en récupérer une. Un petit bonhomme. Il faut un cristaux. J'aimerais bien. Là. Ensuite, lui. Là, je gagne un effet. Un dragon, s'il vous plaît. Non. Pas là. Pardon. Là.
Chou, c'est qui? Je suis jaune. Et gagnant de Godor. Alain Godor, s'il vous plaît. Je vais rester. Ça t'a avancé, t'es sympa, ouais, moi, s'il vous plaît. Ouais, tu gagnes un dragon. Ok. Ensuite, là, oh, je gagne une viande parce que j'en ai au moins autant que mon voisin de. Avant que tu me dépasses, je suis tranquille. Hein. Finalement, c'est génial. Bah oui. Et encore une ressource. Et encore une ressource. Attention, ouais, si t'es à 9 ressources, tu dois défausser. Non, non, ça va. 3, 4, 5. Non, je peux encore en prendre 2. Bah là, t'en prends une déjà. Oui. Petite dédicace à Vandellet qui aime bien le Quattle. Le Quattle, c'est qui? Ah, enchanté. Ah, il est beau le Quattle. Ah, j'ai le Loch Ness. J'ai pas du tout de lait. Moi. Serpent du Loch Ness. J'ai pas de dragon avec du lait. Alors, je vais reprendre un cristaux. Un cristaux. Ouais, monté. Tac. Et bah c'était vraiment un super feu. Ouais, c'est vrai. Moi je vais attirer. Et voilà. Faut que je paye le coup de mon dragon qui est gratos. Bah voyons. Et je vais jouer en rouge en jaune. Ah, il était pas en trop quand même. C'est quoi comme dragon? Un petit amphithère. Et il est quoi comme catégorie? Joueur. C'est ouais, gratuit, il est très joueur. Ouais, il est gratuit. Ça donne des points pour la c'est bien. Gratuit, gratuit. Gratuit, 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 rien, même pas une pièce, rien. Non, il y a un panneau barré, allez. Voilà. Basta, tu vois. On n'a qu'à faire comme ça. C'est bien, ça en début de partie, c'est hyper bien. Moi, je vais aller ici. En début de partie, non? Je vais prendre. Oui. Non, si on se connaît. Non, c'est pas la moitié. Début, fin, prends une viande. J'arrive ici, je monte ici, je prends un œuf. Gagne 3, si j'ai voilà. Kéran, ce dragon est rempli. Ensuite, ici ça passe et je gagne. Une... Ah, tu vas le mettre ici. Bah, jusqu'au bout. Ouais, je pouvais pas le mettre ici. J'ai une autre. Attention, je ne dépasse pas. Bah, si, justement. Tu profites un peu de bruit, je gagne un morceau de viande. À toi, Thierry. Ah, moi, je passe. Il ne reste plus qu'une action. Bravo. Oh. Il y en a qui n'ont plus. Hein. Oui, ouais. Ah bon? Non, mais oui. Bah, Thierry. Ah oui. Mais j'ai jamais pu en gagner une seule, je pensais pouvoir enfin le faire là. Il a tellement joué de caverne. Mmh. Et toi d'abord, j'ai pas des bonnes ressources là. Je vais explorer, mais j'ai déjà exploré partout. Ça me coûte un œuf. C'est pas grave. Je vais explorer. J'ai pas trouvé un dragon avec les icônes de pose ou de. Enfin, non. Je vais explorer ici pour un œuf. J'en ai trois. Loup. Je vais aller gagner une viande. Ensuite, rien, j'avance ici. Des icônes, je gagne un dragon. Je gagne un dragon. J'en ai deux. On a deux. Non, mais pas trop tard. Tu vois, gagner trois s'il y a au moins. Ah, c'est moi qui suis en train de faire un dragon joueur dans cette cave. C'est pas pour tout de suite. Oui. Gagner combien de points? 3 points. C'est clair. Ouais, ça fait 7 points. 7 points. Et là, il coûte une pièce. Oui, mais 7 points. Ça vaut le coup. C'est vraiment juste pas mal, une pièce, ça va. Pourquoi il est pas difficile, hein. C'est difficile. J'ai beaucoup d'icônes de peau. Bon, tout ce qu'on a dit, je vais prendre aussi. Hop. Donc, j'avance, je gagne un cristal. Et ici, j'avance et je gagne un lilet. Félicitations. Et voilà. Boum, fin de ma manche. Bam, un agressif. Échangez-moi deux dragons de votre plateau joueur. Ah oui, ouais. Ouais. Que fais-tu? Eh ben, j'en sais rien. Alors. Bon, pour le moi, je sais. Tu sais ce que tu vas faire? Pas grand-chose. Bah, tu vas attendre un peu. Pour aller à Brony. Non, mais j'ai pas faim. C'est dingue, Thierry fait un peu d'effort. Hein. Bon, oui. Il a mangé comme un roi juste avant. T'as une queue là pour le fromage. Ouais. Ah oui. Non. Oh, allez, c'est vraiment parce que il est sorti et faut pas le laisser gâcher. Seb, je te propose. Thomas, t'es trop pas rentré. Ouais, voilà. Ouais. Bon, allez. Est-ce que vous... Il reste un fond de tigre. C'est pour qui? D'abord, c'est. Allez. C'est pour lui. Bon, allez, allons-y. Tiens, j'ai perso de pas, Choubidou. T'as mis l'agressif. Donc, je vais attirer. Ah. Zéro. Attirer, je vais jouer un amphithère cosmique. Oui, c'est un timide, mais c'est un rien. C'est trop tard. Un
Ah, tu mets qui fait 5 points. Bon, on a égalité maintenant. Ah, nickel, mais... Ah, il fait pas 5 points. Ah oui, il fait 5 points. 2 or, 2 cristaux. Voilà, 2 or et 2 cristal. Hop. Et t'excaves gratuitement un espace avec une... Voilà, laissez-moi excaver. Allez. Il y a un grand Adèle qui veut la part de Bronny. Pas celle-là, parce que j'ai pas de dragon. Ok. On t'attend, mon Adèle. Oui, gratuitement, tu peux donc défausser des ressources. Si tu le mets là, tu peux regagner une pièce. C'est vraiment génial. Mais il a dit que c'est marchand de tapis. J'ai plus de cartes, donc je suis obligé de donner 3 ressources. Oui. Après, c'est une action. C'est une action. C'est une action. Ouais, je vais mettre là. Et tout à l'heure, t'as dit que c'était marchand. Oui, mais tout d'un coup, ça devient super. Alors, je prends un cristal. Et je prends un œuf surtout. Est-ce que tu dépenses 100 ressources? Oui. Penses-tu? 1, 2, penses-tu? 3. Oula. Oui. Allez, c'est des bingo. T'as plus de cartes. J'ai plus de cartes. Ça sert à rien, ça. Donc, tu peux prendre une action. Pièce. Voilà, une pièce. Allez. Ouais, rejouer. Et donc, reprendre les ressources que j'ai dépensées. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Et avancer mais sur le livre. Mais un dragon au passage. Tac, 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 tac. Voilà. Enfin, oui. Ah oui, enfin oui. C'est bon, ça va? Oui, c'est bon, monsieur. C'est bon, ouais, c'est sûr. Et de ressources, tu piochais une carte de caverne de la pièce. Du coup, je vais là. D'accord. Je vais là. Oui. Je gagne. Une ressource. J'en sais rien, j'ai plus de dragon. Prendre l'or. Ah bah alors. Ouais, je fais quoi? Je prends de l'or. Allez. Tu verras. C'est vraiment parce que tu me l'as dit. Bah oui. Après, t'avances. Et après, j'avance et je reprends de l'or. Bah oui, tu vois. Et comme ça, j'ai 2 heures. J'ai pas t'as pas avancé ton explorateur. Ouais, pas... Ah, faute pas... de jeu. Ah, si, faute si, de jeu. Ah, interdit. Et puis voilà. Voilà. Fin de manche aussi. Pour Flo. Ouais, il n'y a plus d'action. Seb. Enfin, il est pas sur l'action. Je vais attirer un dragon. Il va attirer. Juste il faut, c'est pour ça que j'ai fait l'action là, juste avant. Un timide. Je vais faire un rouge. Et non, un agressif. Ah. Ah, il agresse. Ouais. Je gagne un cristal que je peux stocker ici si je veux. C'est pas mal. Alors, toi, t'as passé, moi j'ai passé. Hop. Il te reste une action. Bingo. Ceux qui ont encore des actions, c'est scandaleux. Alors, si tu réexplores là. C'est ça que je veux. Deux œufs. Deux œufs, tu gardes pour le prochain tour. Non, 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 c'est vous le prochain tour. Vas-y. Ça revenait. Tu peux. Ça te coûtait moins d'eux, mais bon. Voilà, tu peux aller porter moins d'eux, lui. Plus celui-là. Ok, oui. Attends, t'en fous. Dépenser celui-là, d'ailleurs. Il dépense. T'en fous les points, c'est bon. Au début, je prends 9, je peux rien poser. Allez, maintenant. Vas-y, le petit bonheur. Rien à faire. Je prends une ressource, mais je sais pas quoi, parce que j'ai pas de dragon. Ah bah voilà, c'est pour ça, tu vois. Non, 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 non. Ah si. Attends, je prends de l'or, t'as raison. Ensuite, là. Et bim, je prends un dragon. C'est allez, là qu'on rigole moins. Ah oui. Bah, ça change rien pour la manche, donc. Oui, pour la manche. La fin, de... on regarde les manches suivantes, c'est dragon de pose. Non, non, non. Il bah, y a okay, un pose, pause, hein. Ok. Pause, pause. De toute façon, il disparaîtra sinon, hein, donc. Bah, oui. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Sauf si quelqu'un, en effet, qui bon, permet ça. De faire jouer. Attends, c'est dans quoi celui dans la colonne. Oui, oui, non, non, ça, mais. Ça, ça, ah, ça, on le prend. Ouais. Où tu veux. C'est bon. Dans ta main. Où je veux. Dans ta main. Où je veux. Et t'as le moyen. Ensuite, je prends mon morceau de viande. Si vous bidoche, je t'entends bien assez. Voilà. Et là, je reprends une ressource. Et vous voyez, voilà. En fait. Mais oui, hein, c'est ça. Je prends le lingot d'or. Voilà. Et je reprends le lingot d'or, oui, tout à fait. Et voilà. Et je rentre à la maison. Fin de manche. J'ai gagné un dragon dans l'histoire. On a tous passé. Alors. On va activer, en commençant en premier joueur, les okay. Fins de manche. Ici, je récupère un dragon que je peux mettre sous sûr un que autre. Et je crois que... Allez, on va faire. Ah ben il est bien celui-là, il compte pour les deux objectifs suivants. Ah oui. Ah oui. Ça tu l'as pas pris, mais il comptait sur... Ah oui, ça et ça. Ouais, ouais, du coup, c'est bon, t'as plus d'effet. Oui, donc on recomplète. Oui. Oui, on l'avait fait donc. Effet de fin de manche, moi j'en ai pas. Est-ce que t'as des effets de fin de bien manche? Sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. Un agressif. Payer un pour piocher 3. Ah oui, ça c'est bien ça. Je vais payer un lingot. Encore du bébé. Je vais piocher 3 dragons. Ensuite, j'en garde un, j'en mets un en dessous.
Ça a dit peu du cul, le jeu. Il est très joueur. Ouais. Pas d'avis petit joueur. Qu'est-ce que j'avais fait, moi? Il est au dos de la gâtie. J'ai vu quand on l'a retourné. Ouais. Il est chaud patate, celui-là. Dragonner sur plateau joueur, sachant qu'il faut du lait à chaque fois. Ouais. Mais j'en ai pas un seul de dragonner. Ouais, non plus. Ouais, j'en ai un. Ouais, deux. J'en ai... Et alors, ça fait quoi? Ah non, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Pour cette partie. C'est le petit que j'ai. Ouais, bon, je vais. J'ai des meilleurs pourris, mais dans la vie, c'est nul. Je vais défausser ça. Et je vais mettre celui-là, donc en dessous. Ok. Et ensuite, il y a lui qui me permet de pondre. Voilà. Sur chaque dragon dans cette colonne. Tac. 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 Ok. On est qu'à la moitié du jeu. Hein. Ouais. C'est bon, oui. Ok. C'est mes deux effets. Un œuf de n'importe quel endroit de cette caverne. Donc ouais. Il est pas mal. Et j'avance de deux ici. Allez, tu prends la tête. Tu pioches un dragon. Je pioche un dragon. Ouais, mais il n'y a plus rien qui m'intéresse là dans la pioche. Bah, allez. Allez, tu vas voir. Et oh. Et oui. Oh. Oh. Ah. Ah. Il est trop bien. Et je reprends l'action. Il récupère Eric du coup. T'es obligé de prochain tour, c'est différent. Ok. De quoi? C'est forcément le prochain. Oui, on a tout passé. Oui. Seb, fin de manche. Et un coup. Ok. Bah, merci. Donc, le scoring. Qui a le plus de timide? Moi, j'en ai 3. C'est moi. Ils sont tellement timides qu'on les voit pas. Je suis d'accord avec lui. Ils sont tellement timides qu'on les voit pas. Alors, qui en a 3? Que toi. Que moi. Moi et Seb, on est Xeco. Et on gagne un point quand même. On a gagné un point. Allez. Et c'est mon premier point. Ok. Allez, le scoring. On renouvelle tous les dragons, toutes les cartes. C'est pas ton premier point. On t'es deux premiers points. Hein. C'est pas t'es bleu. Ah oui. Donc t'as un point de plus que moi. Voilà. Agressif. On reprend seulement 6 actions. Ouais, voilà. On défausse nos pièces. Moi j'en ai. Que je n'ai plus. Et on reprend un 9. On met là 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça, on et on prend un 9. Putain, j'en perds 2. C'est moche. 6 pièces en 9. Ouais. Et j'ai tué le chat. Parce que plein. Premier joueur, tu lui passes le jeton, s'il te plaît. Et tes collègues, c'est quoi? C'est le dé. Ah non, il y a le jeton, le premier joueur. Bah, il joue. Donc maintenant, c'est les effets de pause ou les effets de. Qu'est-ce qui se passe? On passe à la manche numéro 3. Non, il y en a même pas. J'en ai 0. Calmez-vous, calmez-vous. Voilà, c'est pas mais. C'est pas fini. Ah, j'ai oublié de passer la fin. C'est fini. C'est qui? Vas-y Christophe, on croit en toi. Quoi? C'est qui c'est joue? Quoi qui? C'est qui joue? Qui? Qu'est-ce qu'on gagne? Oh, t'es allergique au dragon? Ouais. Ah, celui-là. Alors, t'es mal. Les cavernes, elles nous disent quoi là? Payer un. Attends. Une pièce, un lait. Une pièce, un lait. Vas-y. C'est ton moment. Une pièce, attends, payer une ressource pour pondre deux. Ah ouais, ok. Ensuite, payer un œuf pour gagner une avancée draconique jusqu'à 3 fois. C'est ça qu'il faut. Chaque adversaire peut faire de même une fois. Et enfin, chaque deux avantages différents, chaque gagner deux avantages différents, chaque adversaire gagne un avantage. Ok. Il est pas mal celui-là. Mais je vais aller explorer. Il est pas là. Il y a des trucs qui les enlèvent, mais je sais pas où. Qui a mangé le sopin? Tu veux mon pull? Ouais, tiens. Non, je vais d'abord attirer. Merci. Je vais attirer un petit dragon granit vorace. C'est un dragonnet pour un œuf et un lait. Et voilà. Waouh! C'était beau, hein? Et ben alors là, tu m'as. Scotché. Scotché, ouais, exactement. Ouais. Comment piocher les cavernes? J'arrive à explorer. Ok. Et ben du coup, moi, je vais attiser avec un gardien complice, s'il vous plaît. Allez! Donc, une viande et un or. Une viande et un or. Il est serviable. Il est bien serviable. Ouais, il est bien sympa. Voilà.
Ok. Il est bien sympa celui-là. Ouais, ouais. Ah bah oui, c'est... Ah non, il est pas agressif, mais il est exploré ici. Je vais prendre... Ouais. Je réfléchissais, mais un dragon. Je vais prendre celui-ci. Mmh. Ensuite, j'avance ici. Je gagne. Allez. Je suis à cette ressource, ça va, on est bon. Vivre en spécimen. Paye une action pour prendre 3 œufs. Et boum. Et il y a 5 œufs. Ouais. Alors. Non. Je vais faire ça parce que j'ai plus rien. Je vais prendre un œuvre. Ensuite, je vais gagner une viande. Et sur celle qui est tout au bout, ouais, j'arrive là. Tu pioches un dragon de la pioche. Je gagne un œuvre. Et tu peux la glisser ici. Ah, ok. Ensuite, si ça fait rien, là, je gagne une ressource. À chaque exploration. Une ressource. Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin? Finalement, j'ai une autre ressource. Je vais prendre du lait. Et puis, ici, je vais gagner un cristal. Et je peux prendre un œuf. Mon petit tour. Fait mon stock. Ouais, allez. Ah, j'ai dit un œuf, ça me fait une heure. Ah, mais il était coincé? Oui. Où ça? Ah, non. Merci. Il y a quoi comme dragon qui sont... Il doit y avoir une... Je ne pas là. Ouais. Pour la forme. Ah oui, dans les courants d'air. J'ai l'impression que tu vois trop de gens. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont tous malades. Tout le monde est malade. Entreprises, tout le monde est malade. Ah, tout le monde a chopé le Covid. Ne m'approchez pas. Ah oui, bah ouais. Moi je suis tenable, je suis tout seul en train de tenter au bout. Bah on t'a approché, mais... Non, mais t'as pas tué. Bah trop tard, je crois que Claude, ça fait 23 fois qu'il a été. Il n'est pas à côté. J'hésite. J'hésite, Thierry. Allez, on va faire ça. On explore, je gagne un dragon, je vais en foutre un au pif. Au pif. Vers le hasard, et bien. Et pif. Et pif. Ah, ah, bah oui, ça... bah, t'as vu la pile en même temps, il y a une chance sur. Ah oui. Sur 63 là. Oui. Ça marche bien. T'avances que le draconique. Ah, il aime bien. Ouais. Ah oui, parce que mon œil était blanc et maintenant il est blanc. Je gagne un or. Ok. Du pili. On voit pas les symboles, voilà. Alors, les cartes, les cannes. Tu vois bouger encore? Bah, tu dis que tu vois pas les symboles, donc je vais te taper. Non, tu vas nous prendre le... Oups, merde. Prends le cube. Tu vas nous prendre le cube. C'est bizarre, ça, mon frère. Thierry va apporter le gâteau avant d'aller. Je vais explorer en bas. Le bon appart, tu lui apportes. Donc, je vais prendre une cave. Oui, elle est la bienvenue. Non, pas celle-là. Moi, je... Oh. Ensuite, j'avance. J'ai toujours pas de lait. Hein. Ah, mais c'est incroyable, mais prends du lait un peu. Ah, c'était insupportable. J'ai fait à l'envers, j'ai tout l'envers. Ensuite, je gagne ici. Je gagne une pièce. J'ai pas envie. T'avais ton câble? Bah, regarde, j'ai plus de pièces déjà. Pièce. Ouais. Ensuite, ici, je stocke une viande. Allez, quand je stocke une viande, je prends un œuf. Ah, mais t'as plus qu'à poser de l'argent. Je prends un œuf. D'accord, tu poses un œuf. Ici. Et voilà, et j'avance ici et je regagne une caverne. Et je vais gagner 7 cavernes. Ok. Alors, c'est pour toutes les cavernes, je pense. Ouais, c'est ça. Et je reviens à la base. Reviens à la base. Ouais, ouais. Des bêtises. Pourquoi tu dis des bêtises? Bah, les cavernes, elles comptent aussi pour les trucs de pause. Non, dragon, dragon. Pas dragon. Ouais, dragon. C'était que des dragons. Voilà, les cavernes, elles sont toutes. Elles sont toutes avec le symbole. Donc, Bah oui, mais comme elles peuvent compter pour certains cas. Moi, c'est pas le nombre de que ce soit les dragons. Ouais, c'est bien truc, vu le nombre de cavernes que j'ai posées. Et... finissez dernier, mais pas à zéro, quoi. Et moi donc. Alors, on va explorer, les amis. Finissez dernier, mais pas à zéro. Là, une ressource. Oh là. Il me faut des choses. Ça, ça va être. Ah oui. Oui, il me faut de l'or. Ah, mais ils sont vénales, ces dragons là.
Ensuite, c'est cristal, j'avance. Qui sont vénales, c'est cristal, ouais. Je gagne une pièce. Oh, une pièce. Ouais, c'est pas mal. Là, je gagne un beefsteak. Allez, et moi que je vais te mettre. Je crois que c'est un peu dragonné que j'ai pris là. Ah non, t'en as 3 maintenant. Et je gagne une ressource. Ah là, je suis dans le. C'est plus que fait. Voilà. Je pense que je vais reprendre de l'or. Et ensuite. Point 9. Je reponds. Alors, je reponds. Tiens, moi, je. Merci. Ah, mais j'en ai pas mis une ouais, manche ici. On a tous pris un 9. Oui. Voilà. Voilà. Et tu le mets où tu veux, en fait, ton 9. Oui. T'es sûr que tu l'as pas posé sur un 9. Non, il y en avait déjà un ici. Non, non, je l'ai pas fait. J'ai fait la ponte là. J'ai pas fait. C'est un peu tard. Oh, allez, s'il vous plaît. Allez. Franchement, merci, c'est gentil. Ton premier tour. Alors. Allez. Ça changera rien pour toi. Ah, si. C'est bon. Ça va me coûter. Écoute, on est à un point d'écart. Ça va me coûter la quatrième place. C'est un autre. La quatrième place. Oui, c'est bon. C'est pas possible, c'est le quatrième, c'est lui. Ah, ouais. Bon, la troisième. Alors, c'est mon quatrième. Je suis cinquième. Je vais attirer un dragon. D'accord. Ah, oui. Et je vais mettre celui-là qui est gratos. S'il y a un point d'écart, je t'accorde. Encore un gratos. Mais ça va, les. Ça va, là. Un gratos agressif. Allez. Ouais, je vais explorer. Ah, mais tu perds des points. Ici. Ouais, mais c'est pas chaque autre dragon où je perds un point, ça va. Bah ouais. C'est bon, ça lui fait perdre un point, ça va. Allez, mais t'en gagnes. Il t'en fait gagner deux, en fait. Oui. Et j'arrive ici, j'avance sur le dragon. Tu vas piocher plus que des dragons, en fait. Ok. Rigole pas, j'en ai encore un. Je te conseille de le poser. Oui. Et de le poser là, surtout. Oui. C'est dans cette cave. Ah oui, c'est dans cette cave. Ah oui, en plus. Ah oui, c'est le combo. Suivant. Ouais. Je vais excaver. Ouais. Il est fort. Je paye un œuf pour le faire. Puis je peux payer un œuf jusqu'à 3 fois pour avoir 2 ressources de mon choix. Mmh. Pour ces 3 œufs. C'est horrible. Et je peux prendre 6 ressources. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le faire tous une fois. Oh, dépenser un œuf, gagner 2 ressources. 2 ressources, ouais. Ah, super. Ça sent bien, j'ai quelques Alors, moi, il me faut. Je vais enlever celui-là. Une viande. Bah, on fait dans l'ordre. Donc, un œuf de ressources, c'est ça? Ouais. C'est fort, ça. 2 viandes. C'est 2. Bah, ouais, mais je sais pas quoi prendre, moi. J'ai pas non plus, j'ai pas de ressources quand même. Moi aussi, je vais prendre une viande et un lait. Pas de lait, jamais eu de lait. Moi, je pense que je vais prendre deux lait. J'aurais pu prendre encore une viande. On demande beaucoup de lait. Voilà. Ah ouais. Donc, un œuf de ressources. Je vais dragonner. Ok, donc. Non, pour l'instant, j'en ai plus, mais. Ah oui. Tu en pioches. Ah, regarde, ils en ont toujours au minimum 2. Oui, bah, je mets autant de ressources. Oui, c'est vrai que c'est intimide dans son. Voilà. Donc, je vais prendre un or et une. Ah, attends. Pas bête, hein. Les grands prix. Un or et une grande. Voilà, j'ai fait l'action. Déposer un or. Formidable. Tu te fais pas, toi? Si, bah si. Déposer un or. En plus, des deux, j'en ai des millions. Moi aussi, j'en ai des millions. Pas moins. Non. Je vais prendre un morceau de viande et un cristaux. Allez, je vais prendre un morceau de viande et un cristaux. Toi aussi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, tu vas défausser, t'en as 9. Non, hein. 9, c'est bon. Ouais, bah non, on n'en gagne plus. Non, c'est bon. Fais part, toi. Bah, t'as vu mes œufs, j'en ai besoin, quoi. On a vu okay, tes donc on en est où de Ils sont tous la même couleur. Ok, c'est à moi. Tu lui dis à 7. T'as perdu. C'est cher ou ça. Ah bah si ça ne colle pas, je peux pas le faire. Je vais en dépenser plein là, donc. Des ressources. Ouais. Allez, parce que tous les dragons ne sont pas gratuits à un moment donné. Bah non. La fête de trouver deux, c'est déjà bien. La fête s'arrête. Il faisait quoi ton dragon gratuit que tu as posé en dernier? Je perds un point pour chaque autre dragon agressif dans cette caverne. Ça va, t'en as beau. Si j'en ai un. Ah merde. Ouais, mais bon, il lui fait gagner 3 points le dragon. Alors, je vais quand même faire ça. Plus, gratuit. Plus ça compte pour ça. Il fait quoi? Gagner 3 points. Si la caverne de ce dragon est remplie, c'est vrai que j'aurais dû le mettre là, mais. Disons que j'ai dû gagner un point pour chercher la côte dragon agressif, je voulais le perdre un point. Après, quand on a dit jouer, c'est jouer, tant pis. Je sais jouer. Jouer, c'est jouer. Je peux pas dire, mais après, ça me permet d'arriver jusque-là. Oui, c'est vrai que c'est pas mal de pondre au bout. Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Et puis bon, je l'aurais mis là, t'aurais fait la tête. Donc. Bah, j'en ai mis un troisième. Oui, non, mais j'en aurai un troisième en main aussi. Ah, mais bon, il a gagné des œufs là. Ah, tiens, ah t'entends plus. Où ça va? Il est en train de. Excusez-moi, je fais un peu long, mais. Bah, c'est pas fini en plus. Non, c'est pas fini. Voilà. Ouais, j'ai exploré ici. Oh là. Non. Je gagne un dragon. Je prends celui-ci. Bon, ça va. Oh là. Oh là là. Il veut pas. Il veut pas. Non, il veut pas. Le petit joueur. Et puis, j'avance. Je prends un œuf dans cette caverne. Donc, c'est là. Et j'avance ici. Je gagne. Allez, ça y est, t'as du lait. Allez, à toi. Désolé, c'était pas là. C'est pour stocker du lait. C'est dans l'ordre. Et bah alors moi, des choses. Et bah mon vélo. Alors du coup, j'attise une récluse aérienne. Ouais, je sais. Que je vais payer avec un viande, un or et un cristaux. Parce que moi, j'ai jamais de truc genre une ressource en moins. Voilà. Ok. C'est déjà bien. Bah, bon, ouais. Oh, interviable encore. Excavé gratuitement. Un espace avec une carte visible. Très bien. C'est trop bien ça. Bah, c'est pas mal. Ouais, mais il coûte 3 heures à poser. Ouais, c'est pas ouf. Si je fais ça. Tout ça donne. Ça. Ouais. Et si tu fais. Donc c'est pas une bonne idée. Donc je vais d'abord jouer un dragon. Je vais attirer un dragon. Tac. Je pose. Du coup, on va éviter de le mettre sur la ligne qui fait perdre un point par agressif parce que c'est un agressif. Ça me coûte une action. T'as combien d'agressifs toi? T'en as deux? Trois. Ça me coûte. Moi, je suis vachement bon dans les objectifs de dragon imposé. Une bouffe, un or et un cristaux. T'en as un aussi? Deux quoi? Deux agressifs? J'ai un agressif. Ah, comme moi. Moi, j'en ai un seul pour l'instant. C'est un habit dans les deux. Voilà, je suis mort. C'est bon? Bon, bah ouais. On est troisième. Tu fais deux points pour chaque dragon que tu as une main sur mon plateau joueur. Ah. Attends, je regarde dans ma main de dragon. Moi aussi. Ah, regarde, je te montre la mienne. Putain, ah, putain. Et t'avais la mienne? Oh, t'as le même coup. Bah oui, ah, c'est fou. Le hasard. Le Zazar. Le Zazar. Non, tu l'as pas. Je dépense une action. Non, je dépense trois ressources. Et je joue ce dragon-là ici. Moyenne. Ah, là, oui. Bah, t'es monté au max. Non, pour jouer 2, 4, 6. Le pâtureur coutumier, à toi, Thierry. Ah, mais bien, moi, je vais attirer un dragon. Encore 12 points. Encore. Je vais attirer un lindworm rusé. Un lindworm. Pour une viande et un or. C'est un agressif. Pas lui, et à la pause, j'ai changé l'emplacement de deux dragons de notre plateau joueur. Complètement. Ça fout. Parce que voilà. Que faut bien le faire. Moi je m'en fous pas, tu me donnes ton action. Non. Oh, attention, un œuf qui roule. Quoi? Oh, namaste la mousse. Ok, allez, moi je vais excaver. Il est rapide, toi. Ouais, cette fois oui. Je vais excaver ici, donc ça me coûte un œuf. Oh là là. Mais, payer un œuf pour gagner une guilde jusqu'à 3 fois. Oh. Chaque adversaire peut le faire une fois. Donc moi je vais le faire 3 fois. Ah, attends, déjà je le fais 3 fois. Vas-y, fais-le. Alors c'est quoi le... Dépenser un œuf pour avancer sur la guilde. Donc moi je une fois cube. Je pose. Dans ton cube, donc payer un œuf, je peux pas. Non. Fin de partie, c'est pas mon truc. Allez, 6 points. Allez. Ensuite, je. Un œuf. J'étais où moi? 2. Là ça fait 2. J'étais déjà là. Oui. Ça fait 3. Un œuf et une viande. Un œuf et une viande. Un œuf. Et une viande. Ah, c'est vrai. Je vais payer un œuf pour avancer. Oui. Je vais payer un œuf. Et payer un œuf pour avancer. Pour avancer ici. Ça me permet d'avoir un super lait UHT. Voilà. Demi-écrème. Demi-écrème. Voilà. Moi, c'est pareil. Je vais payer un œuf pour avancer. Voilà, encore. Allez. Est-ce que tu payes des œufs? Mais bien sûr, je vais payer un œuf pour jouer une carte gratuitement de la, ah, de la pioche. Eh oui. Allez, on y va. Soyons fous. Soyons fous. Allez. T'as pas marre des cavernes? Bah non, il me reste encore deux places. J'ai bien fait. Alors, de la pioche. Oui. Ah, c'est bien des ressources. J'en avais plus. Il n'y a plus trop besoin d'excaver là. Tic. Et tu peux dépenser. Alors déjà tu gagnes. Je prends une bouffe et un cristal et je dépense une bouffe, un cristal et une bouffe et tu prends une et je gagne une action. Ding. Chouette.
C'était joli. C'est pourquoi ça? Ah, moi, j'ai dépensé un œuf. Ah oui. Là, ouais. La dépense. Ah oui, j'avoue, ça va, je gagne une action. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Eh ben oui. Ben oui. Eh bien moi, c'est bon, c'est limpide. Je vais encore attirer un dragon. Non mais là c'est ton tour. Ton tour est fini. C'est pas ton tour là. Ah oui non. Tu peux dépenser un. Ah oui, c'est vrai, oui, je vais le faire. Avancer de 1 sur Agil, toi t'es rouge. Ouais. Tu vas gagner une carte dragon. Je gagne une carte dragon parce qu'on a de nouveau, il n'y a pas d'agressif là. Il y a un truc de pause pour cette manche là. Et il coûte 3 or. Le dragon. Moi, il m'inspire pas. Je vais tenter ma chance. Ok. Bon, donc du coup, maintenant c'est à Thomas. Ah, mais c'est à moi. Ah, oui. Parce que c'est Christophe qui a déclenché l'effet. Bien sûr. On prend pas mieux. Je me donne un sucre pour un sucre. Je vais faire comme ça. Et on pourrait peut-être. Mais comment cartes, on fait pour piocher des cartes, ouais. Bah justement, là j'ai mis 52 tours, mais je me suis dit, j'ai réussi à le faire. Explorer là pour gagner une caverne. Celle-là. Celle-là, ici. Voilà. Il n'y a que deux cavernes dans le jeu, hein. C'est bien ça, ouais. Celui-là et celui-là, hein. Le jeu ne vous compte pas. Vous en êtes à... Oui, c'est lui. Vous en êtes à combien de ça, là? Toi t'en as deux, toi t'en as plein. 1, 2, 3, 4. 4, toi t'en as combien? Alors, j'en ai un. Plein. Bah non, 1, 2. Ah, tu parles de l'objectif 3, 1. 4. Et toi, Seb, t'en as combien? 0. 0. J'en ai pas, j'en ai pas tiré un seul. C'est quand même des points. Ensuite, c'est pas ta journée. Ah non, parce que vous êtes à égalité tous les deux ou pas? Non, il est sérieux, hein. J'ai là, il y a 4. 2, tu vois. 4 et lui, il est 1. Il y a 4 aussi. Vous êtes à égalité, 2. Ah ouais, mais on t'en a 4. On avait 4. Et toi, moi. Il y a une place à prendre. Ok. Oui, j'en ai tiré un seul. Donc, deux œufs. J'ai tiré que des trucs comme ça ou des trucs comme ça. Et j'ai que 5 dragons. Ok, 6. Ah, mais je peux prendre au hasard aussi. T'as que 5 dragons, Christophe. Ouais. J'ai bien de la prise. Ouais. C'est bon, c'est bon. Il y a 2 œufs, puis gagner. Et il rentre à la maison. Des cartes ici, les choses. Ouais, j'ai pas rien, c'est bon aussi, comme toi. À toi. Rien. Mais toi, il te reste plein de pièces là, t'en as récupéré plein, c'est ça qui... Ah oui, t'as fait ça. Il y a énormément. Ouais, ouais. T'as combien? T'en as 5 encore. Ouais, ouais. T'as récupéré 2 cette manche là. Ouais. Je vais faire encore mieux. Hein? Je vais faire encore mieux. Mais c'est énorme. Voilà. Je vais rester là. C'est nul, j'ai rien pour piocher des cartes. À part là, mais j'y suis déjà allé, donc ça me coûte 9 et du coup j'ai plus d'œufs après. Oui, ou des cavernes. Mais les cavernes, ça me sert à rien. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse des cavernes? Bah, écoute, je vais dépenser mon dernier offre. Hein. Bah après, oui, si, il faut des œufs. J'ai pas le choix. Allez, toc. On prend une carte. Allez, on prend une au pif. Ouh! Chaque fois que t'as pioché, t'as fait ça. Ouais, elle est bien. C'est incroyable. Ensuite, je vais ici et je prends pas du tout un 9. Ah bah, j'ai un 9. Ah bah voilà, tu vois, tu récupères ton 9. Ah, je suis sauvé. Attends, moi. Alors, je vais prendre une action et je vais prendre un 9. Oui, je vais prendre ici. Ici j'avance, on va aller. Et je peux repêcher une carte. Comme ça. Je vais prendre le dragon ici. Mmh. Ok. Il revient ici. Thierry, un peu. Il y a un nouveau dragon qui arrive alors. Révéler un dragon de la pioche. Il s'agit d'un dragonnet. Glissez-le ici, sinon ajoutez la carte à votre main. Okay. Ouais, c'est sympa. À chaque exploration, hein, tu vois, ça peut flasher du. Il est agressif. Enfin, le premier manche. Ouais, c'est un peu. Mais bon. Il est jamais trop tard. Ça peut basculer. C'est vrai que si. Ouais, je peux pas le choper. Ouais. Bref, je vais attirer un autre dragon.
Il coûte une viande et trois cristaux. Mmh. Oui, mais il me donne deux actions. Ah oui. C'est lequel que tu fais là, tu fais ça? Oh là là. Ouais, il coûte 4 ressources. Hein, ouais, mais bon. Ouais, bon, enfin bon, moi j'en ai qui coûte 4 et... Et il donne que 2 points. Ouais. C'est mais oui, donc... Hein. Et tu peux mettre un œuf dessus. J'aime bien. Tu veux qu'on trouve d'autres... voilà, j'ai... D'autres problèmes. On peut pas le mettre au centre. Oui aussi, oui. Pardon. C'est tous les dragons que j'ai pioché, j'en ai encore pas un avec les dragons. Ah ouais. Le problème, c'est que j'ai pas le moyen d'en piocher plus que un. J'ai que moi. Oui, ah oui, c'est vrai. Bah c'est chaud. Hein. Allez, je vais retourner explorer là, ça va me coûter un 9. Ouh, ça coûte cher. Ouais. Ouais. Je vais quand même le faire. C'est cool, tu vois. Allez, hop, mon dernier buff. Donc, je gagne une cave. Donc, je vais. Verne, je vais y arriver. Hein. Une caverne. Une caverne. Ouais. Salut, bon, bientôt. Celle-là. Voilà. Ensuite, j'avance ici. Je stocke un lait de ma réserve. Ça y est. Enfin, ça y est. Quand vous stockez ici, vous gagnez un cristaux. Ils sont dans les œufs. Ensuite, j'avance ici sur la guilde. Je gagne une carte de dragon. Je prends l'agressif du milieu, s'il te plaît. Merci. Ensuite, je stocke une viande ici. Quand je stocke une viande, je prends un œuf. Ça arrive. Et ensuite, je regagne une caverne. Et celle-là, je vais la prendre au hasard. Tenez. Ici. Et c'est bon oui. Oh non. Ensuite, c'est bien. Gagner une action. Voilà, gagné une action. Oh ah, une action. Bah, je vais excaver. Je vais excaver ici pour gagner un dragon et une et un bidule. Bon, déjà ça c'est facile, c'est un œuf. Un œuf que je vais mettre ici. Et ensuite, un dragon. Bah, pas trop mal. C'est bon? Ok, oui. Un dragon oriental séquoia. Un dragon arbre. Je vais... Ok, du lieu aussi. Attirer un dragon, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. On va attirer feu dragon au style du nord pour une viande. Ok. Ah non, doucement là-haut là. Oh. Et qu'est-ce qu'il fait là? J'en sais rien. Suivant. C'est un agressif aussi, tu vois. Eh ben là, c'est bon, agressif. Je suis pas du tout agressif. Pas du tout. Non, pas ici, ici. Pardon, j'allais faire une bêtise. Je vais mettre ça. Je gagne une carte. Mais j'ai un dragon qui me demande de remplir ma caverne, donc je suis obligé. Une ressource, je vais prendre une dragon. Ah merde. Je vais explorer les abysses améthystes. Ah bah c'est pour un bien. Je récupère une caverne. Toujours fait. Ouais, mais qui m'attache, je vais bien y cacher. Hop. Bon, je vais l'inverse. Ensuite, j'avance de 1, je regagne une action. Voilà. Il y a gagné des actions pour si. Ouais, il y a encore 4 actions là. Puis je peux stocker une viande. Quand je stocke une viande, je regagne une caverne. On continue. Ouais, il en reste 2. Voilà. Comme c'est la troisième, je peux excaver gratuitement un espace avec une caverne. Allez, la combo. Complètement ouf. Complètement en avance. Hop, on va se mettre là, donc c'est gratuit. Ah oui, après, il faut que je paye 3 ressources. J'ai pas. À chaque fois, j'ai pas le truc pour le faire. C'est dommage. Ouais, ça fait 3 cartes. Hein. Non, j'ai vide ma main, mais ça paraît. Pour regagner une action encore. Regagner une action, ouais. Après, j'ai plus rien pour leur. Bah, il te reste encore 4 actions. En fait, dans le moment. Bah, 5 actions, si elle regagne une action. Oui, mais sans carte. Il va passer tout le temps. Il va avoir une carte d'excellent, tant pis. Je gagne une autre caverne et j'avance. Donc.
Un lait. Petit lait. Du lait. Un lait. Et une caverne. Une caverne. Ah bah attends, oui, ça peut peut-être me sauver ça. Est-ce que du coup tu veux dépenser 3 trucs pour gagner l'action? Ouais, je crois que je vais le tenter. Allez. Là, celle-là. Surtout que les cavernes, t'as plus qu'une case, donc. Ouais, mais comme il y a des bouclés, oui, ça peut servir ça. Il peut prendre des. Ah oui, 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 c'est vrai. Ouais, on va faire ça, il est. Moi, je cherchais un autre dragon violet, mais j'en ai pas trouvé. On a défaussé 2 et, ouais. Et le lait, c'est ça? Ouais. Et du coup, je récupère encore une action. Eh ben. Ouais, c'est la première fois que j'en ai des bonus de la partie. Je récupère encore une caverne. Ça va bien, oui. T'en as combien là? Je prends un 9. 1000. Je prends. Ouais. Puis je peux défoncer pour, ces deux cavernes. Défonce ta caverne. 4 oui, de toute façon, j'ai plus qu'une caverne à mettre comme ça. Une grande risque. Ah, oh, merci. Je récupère 4 œufs. 4 œufs. 4 œufs et 2 cristals. Quoi, 2 cristals? 4 œufs. Ah oui, puis non. Non, non. Je défonçais 2 cristals. Enfin... Okay. Non, c'est juste 4 œufs. Ah, oui, bon. Et c'est toi le suivant. Et c'est toi le suivant. C'est pas toi le suivant. Si, mais. Ah, tu réfléchis. Tellement galère. Ah ouais, ouais. T'as quand même deux actions. Mais j'ai plus que deux actions, c'est bien ça mon problème. J'essaie d'en gagner une autre, mais alors. C'est laborieux. Alors, je suis bon, il m'en reste 5. Allez. Tu te la pètes. Si tu gagnes pas, franchement. Ouais. Non, par contre, t'as fait la pression. Ah, je sais pas si je gagne. La pression. Ça te met la pression sur le classement, moi je te le dis direct. Qui est agressif, en fin de manche, il fait un truc. Ouais, j'ai une carte fin de manche. Voilà. Attention au tapis. À toi. Oui, oui, tu fais attention au tapis. Automain. Le tapis de jeu. C'est l'automain. Ouais, je l'ai défoncé le tapis. Non, mais en versant. Ah, mais t'inquiète, je vais pas verser au-dessus du tapis. Non, on verse au-dessus du plateau. Ouais. C'est mieux. Attends, il n'est pas protégé, vraiment. J'ai joué le ce sera à toi, Thomas. Oui, je veux bien mettre tout plastique, mais quand même. T'aurais pu sliver les plateaux. Alors, j'ai du mal lui, à sliver les autres. Je vais. Explorer. Christophe, en veux-tu? Non, merci, c'est bien. Merci beaucoup. Et Thierry. Non plus, bon, je garde ma bouteille et mes pieds. Ils sont terribles, ils sont terribles. Ouais, ils sont. Ouais, ils sont durs, ils sont très terribles. Ouais, ils sont... Alors, il faut ça. Golden Star, là, hop, tac, ensuite ici. C'est bien si tu t'émerdes bien, tu tiens son quand même, bien faire ça. Ouais. Tac. Ensuite, ça, ça marche encore. Encore un bien tech. Je me débrouille bien, celle-là, elle vaut 14. Pour l'instant, elle vaut 12. Pour l'instant, elle vaut 6. On va reprendre du gold. Tac, et là, on pond un nœud. Un nœud? Ouais. Un nœud coulant. Alors. Où c'est-il qui va l'aller? Où c'est-il? Ok. Comment tu fais de toi? Eh ben, je vais copiter. Je vais aller explorer la caverne framboisie aussi. C'est pas mal. À la vôtre. Tu veux aller? Non, 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 merci. Avec ma pauvre pièce, là, regarde-le. Pas pareil. On s'en met là. Je vais avancer et je vais récupérer de la viande. Mangeant chez le boucher. Exactement. J'en avais plus. Tu fais tout comme moi. Bah bien sûr. Je vais copier les meilleurs. Je vais prendre un lagot d'or.
J'ai révélé une carte de la pioche. Si sa taille est grande, je la glisse en dessous. Sinon, je la dépose. Bien sûr qu'elle est grande. Elle est grande. Non, elle est petite. Elle est petite. Donc, je la dépose et je gagne une viande. Oh. C'est moins bien. Non, c'est bien. En gros, t'as dépose le dragon. Quoi. Exactement. C'est et ça. Ensuite, je prends un œuf. Non, il l'a envoyé faire des courses. Oui. Pour les enfants qui nous écoutent. Ne faites pas, le dragon va bien. Ouais, d'ailleurs, si tu d'enfants, on dirait. J'ai plein de ressources, c'est bon. Je vais attirer. Je vais donc payer. Attirer. Vas-y, attire-le. Voilà. Et allez. Ah là 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 là. Ah bah, moi, j'attire l'objectif. Quel objectif? Il faut avoir 4 dragons, il me donne 5 points supplémentaires. Quel dragon? J'ai que des cartes comme ça. Faut que ouais, c'est bien. Faut bien qu'il résonne. Parce que puis, ah, il n'y a rien d'autre. Non, c'est... Ça vient. J'ai laissé de tomber là-bas. Parce que si tu sais pas quoi faire de tes actions, on peut les prendre. C'est à toi. Mais oui, je sais. Ah. Oh, c'est nul. Regarde, j'ai l'impression que c'est... Il y a plein d'actions. Putain, j'ai... Je vais pas partager. Non, mais c'est les ressources, c'est les cartes. Il y a un autre, je te le rends tout à l'heure, je te rends deux. Tiens, vas-y. Non mais je te jure, j'ai rien fait. J'aurais pas vu que j'ai pas créé, pas de soucis. Donc je paye 2 œufs pour le mettre et je garde 2 cartes dragon. Mais je vous ai dit 2 œufs. 2 œufs? Ouais. Quoi 2 œufs? C'est comme les cristals. Et je pioche 2 cartes dragon, je vais prendre celui-là. Et puis une au pif. Ok. C'est nul. C'est bon français. Ouais. Eh oui. Oh, un agressif. Notre belle langue. Un agressif qui a un effet de pause. Ah, bah il est génial. C'est pour moi. Laissez-le moi, s'il vous plaît. Ah, là, j'ai plus qu'une action. J'ai qu'un seul agressif. Il y en a qui vont se régaler. Ah, moi aussi, j'ai qu'une seule action. Eh ouais, c'est pas. Ah, merde. Non, bah moi, je vais l'explorer. Hein. Allez hop, pour la dernière action, je vais gagner. Alors, on va dire. Je pense qu'il est deux. Une viande. Bon, on fait quoi au prochain tour? Parce qu'il faut que je copie sur toi. Non, toi, il est nul. Ensuite, rien. Si j'avance sur la guilde, je gagne là. Une cave. Tu me copies, donc tu passes. Une cave. Je vais pas me copier. Ça me prend une action au prochain tour. Une action de plus. Bah, c'est à rien à faire. Ouais. J'ai ça activé. J'ai pioché deux cavernes. Attends. Dans deux cavernes, je vais avancer d'un. Payer 2 œufs pour gagner. Tu vas pondre. Payer 2 œufs pour gagner une carte comme ça. Ah oui, une carte. Enfin, des cartes visibles et tu as. Ah oui, non. Mais peut-être t'as déjà vu le mot là. Ouais, bah oui, mais bon, je vais faire ça. Hop. On va pas passer la fin et puis les cartes. Je gagne un cristal. Ensuite, je gagne. Mais attention, t'as beaucoup de cristal. Attention, t'as beaucoup de ressources, toi. Moi, j'en ai 2. T'as 9, hein. 5, un petit lait. 7, 8, 9. Non, mais j'ai en dépensé, je peux bien déguster. Ensuite, j'ai pont à 9. Ok, si tu veux. Fin de ma manche. Non, fin de ton tour. Fin de mon tour, fin de ma manche. Ouais, fin de ta manche. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fin de manche. Alors, du coup, j'attire. Tu attires. J'attire un dragon oriental. C'est ça que je vais faire? Non! Non, j'excave. T'as qu'une pièce, fais gaffe. Hein. Utilise la wisely. Judicieuse. J'excave. Comme le dirait dans Indiana Jones, c'est pas mal. J'excave. Oh choose wisely. C'est pas neuf, c'est ça. Pas tiré. C'est un autre problème. J'ai raté une énorme occasion. C'est vrai? Ouais. Allez, c'est pas grave. Bah, c'est tout. Soyons folles. Rien n'est pas grave. Moi aussi, plein de fois j'ai raté, mais ça va. Lequel des œufs? Non, mais là, j'aurais mieux fait de refaire là, ça ne coûtait qu'un œuf, mais j'avais le dragon. Ensuite, je joue immédiatement un dragon avec une réduction de 1 ou 1. Donc je joue pour un dragon oriental rapide. Pardon pour les asiatiques qui nous regardent. Alors du coup, pour 2 d'or, j'ai une réduction, monsieur. C'est moins cher. On revient derrière. Oui. On l'a pas dit. Quoi donc? On l'a pas dit. Ah, j'en ai fait 2 dans le même tour. Mais tu vois, j'essaye de tous les faire. Ça va mériter un. Mon tour est incroyable. Tu vois, j'ai un troisième accent. Et tu la gagnes ton action ou quoi? Oui, elle gagne une action. C'est Thierry là. Aidez-o. Thierry. Voilà. Tu peux l'attendre les autres. Je gagne une caverne. Ouais. Ah, ça n'a pas je veux dire, quand il a fait l'action du sud, personne n'a rien dit.
Qui a fait quoi? Oui, il a fait l'accent du sud de la France. Qui ça? Bah, Christophe, tout à l'heure. Je ne le referai pas. Non, personne n'a entendu. Du sud, du quel sud d'ailleurs? Eh ben, ouais, Benjamin, ou du sud-est. Oh, ah, Benjamin, hein. Dijon. C'est du sud. Au sud. Mais tu joues tout seul? Alors, je ne devrais pas le faire là-dessus. Je cherche un dragon. Oh, je connais bien, c'est là. C'est trop tard. Bah non, il y a un objectif agressif. Ah oui, j'ai la fin. Et... Bah moi, il me reste... Bah, stocké 1, 2, 3, 4, 5 dragons suivant que je pose, c'est des agressifs. C'est le premier que j'ai stocké ici. Yes. J'en ai déjà un. Ensuite, tu... Je gagne. Donc, je suis bien placé. Yep. C'est nul, ça. Ah bah si, tu peux pas faire voix à tous les tours. Bah non. Mais on sait jamais. Je regagne à 9. Et puis après, c'est la fin de mon tour. Oh là là. Super. Ouais. J'ai déjà dit, c'est 2 super tables aussi. Bah oui, moi, je suis... Attirer un dragon. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et puis, alors, un séraphin rongeur. C'est qui, Georges? Un séraphin rongeur. Rongeur. Il est. Ah, il est Georges. Non, il est joueur. Je suis loin. Il est joueur. Ah, il est la couleur. C'est un 2 d'agressif pour l'instant. Orange fort. Oh, ouais, j'en ai que 2, hein, les agressifs. Ouais. Moi, j'en ai que 4. Voilà. On a oublié de renouveler le. Pardon, j'en ai un. Alors, nous avons une vouivre capricieuse venimeuse, agressive, que je vais mettre ici. Ah non. Non, non. Ah, révéler un dragon de la pioche, si sa taille est petite ou si vous avez gagné la partie. Vous éliminez Thierry. C'est lui aussi. Mais en fait, je suis en train de gagner. Oui, mais c'est pas grave, on t'élimine quand même. Ok, c'est gratuit, d'accord. Parce que t'as 4 actions, tiens. Ah, t'as pas mal de points, Thierry. Eh oui, t'inquiète pas, tu vas scorer. Mais là, je... Voilà. Avec là, t'as marqué 4 points. Là. Ah non, t'as encore une action. J'allais dire, il n'y a plus que Thierry et Seb, mais non, il y a plus que Thierry. Moi, ça fait. Voilà, on va explorer. Il me faut des ressources. Je vais prendre. Après, c'est risqué. C'est vraiment aveugle. On va essayer de prendre une arme. Qu'est-ce que tu fais? Ben, ça. Fait que mes dragons font pas mal. Ensuite, j'avance là. Un cube. Hop, un cube, oui. Vas-y, pote. Attends, on va se prendre un petit cube. Voilà, purée cube. Payez 2 œufs. Allez, tu payes 2 œufs d'abord. Pour jouer gratuitement un dragon de votre main. On doit venir, évidemment. C'est puissant, oui. Je peux excaver gratuitement un espace avec. Ah bah oui, non, bah c'est pour pas que j'ai merdé. Oh là 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 la bêtise. La combo ratée. Parce que je voulais ça pour piocher le dragon, mais en fait. Oh allez. Il va dépasser en nombre de dragons. Ah, c'est à Thomas. Attends, il me semblait que j'avais un truc qui se déclenche. Moi, j'ai passé. Bah non, justement, il ne déclenche pas. Ah oui, t'as avancé ton bonhomme, c'est ton bonhomme que t'as. Ah oui, j'ai avancé mon bonhomme. Oui. Hey, t'as pas fini, je regagne encore une ressource. Il fait tout à l'envers. Il m'a dépassé en nombre de dragons avec le symbole. Il peut faire à l'envers, c'est juste que... Ah du coup, j'ai posé mon truc pour rien, hein, que je vais être quatrième. Ça va faire 0 points. Ouais. Si vous aviez été égalité, j'aurais pu gagner 2 points. C'est à cause de Thierry. J'ai passé. Ouais. Par le pouvoir... Du crâne ancestral. Du jeton ancestral. Je détiens la force tout puissant. Donc il finance la manche. Qu'est-ce que je vais faire moi avec ça? Bah tu peux passer. Hein. Ça change de qu'est-ce que ça va changer. Je vais explorer. Il faut des dragons. Allez, vas-y. Gagner un dragon. Allez. Je peux pas y aller, moi. Pourri. Où ça? Sur la piste, là. Où ça? Bah, j'ai pas assez d'œufs. Attends, elle est sur la piste, là, j'ai pas compris. La piste. Comme lui. Ah oui, ah bah oui, bah oui, bah moi, c'est pareil, je suis coincé. C'est deux. Bah, je fais autre chose. C'est deux. Ah bah oui, tu peux faire autre chose, on sait quand même. Moi aussi, je suis très pauvre en œuf. Réfléchis. Non, je vais prendre lui. Ensuite, je me suis débloqué deux emplacements. Donc ça. Reprendre un dragon. Je vais deviner pourquoi j'ai pris ça. Ça va, oui. Ah oui. Je vais prendre. J'ai tenté. Je te laisse deviner pourquoi j'avais pris deux. Waouh. La carte qui vient de. Ah. Voilà. Agressif. Ouais. Je l'ai tenté. Denis Brognard. Oh. Ah. 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 C'est incroyable ce gars. Ah. 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 Et là, bah je vais piocher un dragon. Encore? Ah! Supportable. Ah!
Ah! Alors, et ensuite je prends le sens interdit. Comme je. Voilà. Pas vu, pas pris. Tu me donnes 3-2. Tu me donnes une. À tous les joueurs. Toulouse, c'est à toi. C'est à moi. Alors, c'était ma dernière action. Excaver. Allez, vas-y. Je vais poser une caverne et je reprends un jeton. T'as les jetons. Ah, t'as le jeton. Bien joué. Ouais. À toi, Thierry. T'as fait une action pour avoir une action. Ouais, c'est ça. J'ai 8 000. Donc, t'as bien. C'est bien joué. C'est incroyable. Thierry. Faut aussi garder tes pièces pour. Dis-nous ce que tu fais. J'explore. Faut les mettre sur la truc. Ouais, moi, c'est pareil. Ah oui, c'est là. Bah oui. Moi, c'est pareil. Tout à l'heure, j'ai fait la bêtise. Je gagne une caverne. Je m'en fous. Je vais bah, va voir. Attends, on a parmi le dragon là. Oui, ça change pas rien. Bah, gagner un budget, là. Une caverne. Caverne là ? Ouais. Au pifomètre ? Ouais, ah, il était bien ce dragon là. Je ramasse, bah, oui. J'ai un œuf. Je vais faire un parculé. Hop. Ensuite, je reprends une caverne. Tu fais pas la viande là ? Non, j'en ai pas. T'en as. Oui. J'aurais le choper une. Ok. Je reprends un œuf. Oh là là, oh là, quel scandale, le combo. Et allez, il va défausser des cavernes. Deux cavernes pour, voilà. Pour prendre 4 heures. Il est en train de tous nous exploser. Ah là là, et là c'est le méga combo. Explosion. Et la manche 3, tatane. C'est fini pour une fois. Bien joué, la ligne du bas. De la tane du Wingspan. C'est bien joué. Et puis là, tu en faire la même. Il y a encore deux actions. Non, non, c'est pas une action. Nous, on a passé, j'ai passé, passé. Ouais, qui est en train de faire gagner. Il n'y a que deux qui jouent. Ouais, Seb, c'est à toi. Je vais garder les deux actions. Attirer un dragon. Ouais. J'ai mon dernier œuf, c'est pour que je ne l'ai pas dépensé. Et un deux. Deux. Reculé. Ah, c'est un petit dragonnet. Et voilà. Agressif. Agressif. Oh. Thierry, il te reste deux pièces. Ouais. Je vais pas obligé d'utiliser maintenant. Est-ce que effectivement, bah, je passe. Donc tout le monde passe. Ah, oh, on fait les effets de fin de manche. Alors, ah, et on a fait deux fins de manche. Tu combattes avec ouais, alors, oui. Est-ce que tu as des effets de fin de manche? Oui, j'en ai un. Pour chaque ensemble de taille. Dragonnet, petite, moyenne et grande. Donc là, j'ai déjà une. Je peux faire éventuellement une deuxième pour juste une carte. J'en ai un. Oui. Mais est-ce que je fais ça? Non. Oui. Ah, ouais, ah oui, il a le point. C'est quoi? Ouais. Ouais, j'ai rien donné pas. Franchement. On n'est pas tiré un seul. Thierry, c'est pas très gentil ce que t'as fait. On avait tous les deux 6 points. Faut d'abord essayer d'aller en chercher. Tu me relègues à 3 points. Non, je fais pas. Je fais pas mon action. C'est qu'à ça? À toi. Ah oui, j'en ai 5. Fin de manche. Une de plus. Ah, va falloir mettre une de plus. Fin de manche. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, je fais tout. Déjà, ça, je vais payer 1. Voilà, il en a marre de ça. À un moment donné. À un donné. Ça va bien, quoi. À un donné. Là, je veux dire. Pardon. Hein. Non, mais ça arrive. Mais mon meilleur. Qu'est-ce qui arrive? Pas tout. Ah. Merde. Ok, je vais garder celui-là. Quelle ressource? Je l'ai vu. Non, il a glissé quand je dis. Ouais, t'as vu trop de cartes? Non. Je fais ça. Là. Ah oui. Mais du coup, les cartes qui sont là-dessous, en fait. On les comptera à la fin. Hein, ça fait un point de victoire par carte. Ah oui, donc on s'en fout de la carte que je garde. Oui, exactement. Ça te fera un point. Tac, tac. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les cartes. Oui, c'est ça, hein, c'est un point. Comme les ressources. Comme tu disais tout à l'heure. Voilà, comme je te disais tout à l'heure. Alors, là, il y a des OST. Là, ça prend un attaquer. Il y a plus longtemps en fin de manche que pendant sa manche. Ah ouais, c'est incroyable. 1, 2, 3. Et ici, je vais stocker. Oh, Thomas! Oui! L'autre. Alors, stocker un. Stocker une rose. Tu veux faire un dragon de la pioche? Oui, allez, un peu de viande. Allez, un dragon de la pioche. Allez. Et voilà. Ah! Ah! Moi, je dépense un œuf. Ouais. Pour gagner deux avancées ici. Oh là 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 là. Ça se porte un peu une caverne. Mais j'en ai rien à faire. Ah, maintenant, il me reste un plateau. Ah oui, il réfléchit quoi, non. Un cristaux ou un nœud? Ça peut faire un passif comme ça. Et un cristaux. Un cristal. Effectivement. Un cristal, des cristals. Un peu pas compliqué. Un nœud. Oui, c'est pas facile. Un nœud. T'en as pas, toi? Ben, moi, alors, j'en ai pas. Je gagne un dragon, je le prends au pif et je prends un nœud. Comment ça se fait que t'en as pas? J'en ai pas un seul. J'en ai pas tiré un seul.
Scandale, scandale. Allez, bon, ça y est, c'est bon pour la fin de manche. Oui. Ouais. Alors, on va compter. Oui, parce que. Alors, les dragons bon. Avec nanana. Moi, j'en ai un. Alors, attends, non, c'est pas bon parce que ça dépend. Non. Moi, je suis peut-être dernier aussi. Et j'aimerais bien savoir si vous êtes à égalité quelqu'un ou pas. Non. Allô, Thierry. Oui, allô, moi, je suis à 6. 6. Et toi 5. Et donc, toi, t'en as 2. Et t'en as qu'un? Moi, j'en ai qu'un. Oh. Ouais, ouais, non, mais pas, attends, ils ont tout eu. Non mais toi, je savais que t'étais à zéro, mais je croyais que... Non, ils les ont tous piochés. Non, c'est fin de partie. Non, ah, ouais. Très peu de dragons pour l'instant. Oh, super, c'est pas faute de les chercher, mais on n'en peut ouais. pas. Non, mais non. Bah moi, j'ai pas d'agressif. Bah après, c'est le seul que j'ai eu de la partie. J'ai pas eu de timide, j'ai pas eu d'agressif. Bon. Chacun, j'ai ça et on rafraîchit. On rafraîchit, là. Et on défausse cette... C'est important de rafraîchir. On va on défausse tout ce qui est ici. Ah, faut pas que je joue ici par contre pour dégrader. Et on reprend cette pièce. Ça fait que j'en ai 8. Ouais, tu peux, ah, hein, t'en empêche. Ça me fait perdre des points cette histoire. Ah, bon. J'en défausse celui-là. Oui, ça va. Ok. Et on reprend un 9. Ah oui. Très important. Oui, oui, oui. Fais pas le coup à chaque fois. Non, pas à chaque fois, juste une fois. Et tu deviens premier joueur. Ouais. D'accord. C'est beau. Hein. Ah, je deviens de la. C'est un coup boc. Non, je deviens deuxième, ça change tout. Deuxième à quoi? Bah, deuxième joueur, ça change tout. Ça change quoi? Bon, bah, rien du tout. Bah voilà, c'est ça. Bon, moi, faut que je pose des gugus agressifs. Il y en a plein, là, ça y est, ils arrivent. Il y en a plein, il y en a un. Ouais, c'est vrai que c'est pas fou. Plus un vrai, vraiment, mais... Donc, il faut des œufs et des. Enfin, bon, ça va. Mais... Non, c'est pas. Les œufs, c'est presque. Ah. Non, c'est tout le reste que je gagne. Alors, je vais attirer. Franchement, une fauverne grossière, s'il vous plaît. Oui, je sais. Grossier personne. Oui. Oh, d'agressif. Bah oui, j'essaye. J'essaye. 5, c'est chaud quand même, les scores mis de fin de partie. De fin de manche, je veux dire. Moi, je suis 2 fois 0. Hein. À 4, bon, mais à 5. Donc, une place. Bon, quoi. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, j'ai attiré. Eh ben, j'attire aussi. Ah, bon. Eh ben, j'attire. Tu vas pas mettre un agressif. Hein. Bah, bien sûr que si. Oh. Un agressif. Ah, il ne faut pas jouer avec les secondes en plein. Il faut jouer avec un gros et un cristal. Bonjour. J'en ai deux. Putain, j'en ai deux aussi. Je pioche deux dragons de la pioche. Ah bah, j'en garde un et je glisse l'autre de n'importe quel dragon. Combien d'agressifs, Thierry? Deux. Deux, j'ai du mal. Hein. Feb, là, il est bien en agressif. Ouais, trois. Trois, bah, c'est plus que. Oui, bah, allez, c'est plus que lui. Allez. Deux. Bah, deux. Deux. Soyez pas agressif. Il n'y a pas beaucoup plus, ça. Si, attends, justement, il faut. Calme-toi sur les agressifs, t'es loin devant. Hop, voilà. Suivant. Les deux étaient pourris. Alors, moi, je vais piocher un dragon. Bon, donc, un agressif gratuit. Ouais. Il y en a deux, là, des agressifs. J'arrive ici, je gagne ici. Oh, il y en a qu'un seul. Oui. Ah oui, c'est écrit. Bon, le CD, là, je pense qu'il marche. Ensuite, je reprends un dragon. Ensuite, là, ouais. Et je prends un œuf. C'est loin encore le machin. C'est loin le machin. Ouais. Il n'y a plus d'agressif. Si là. Quand je dis que tu devrais le porter, c'est bien. Piégé. Est-ce qu'ils vont se faire avoir? Je suis pas sûr. T'as un explorateur perdu? Pardon, il n'est pas revenu. Il est explorateur perdu. Il est déjà sur Narak. Ça va, j'en ai un aussi. Ah bah! C'est à qui bah c'est à toi. C'est à moi. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est donc ça. Arrive. Sinon, ça aurait été autrement. Bah, il faut des ressources pour que je ouais. Ouais, mais ça, c'est bien ça. Non. Je vais là, je vais prendre une viande. Tu l'avais dit pourtant. J'avance de 1, je reprends une viande. Ah, on va prendre la viande. Forcément. Maintenant, je reprends C'est mon premier de la partie. Non, il y a plus de viande. Bon. Il y a des, viandes là-bas. Non, non, non. Bah, arrête de prendre toute la viande aussi. Oui, dépenser. Je l'ai dépensé. T'as dépensé tes viandes.
C'est prévu. En début de manche, faut défoncer les viandes. Mais les stocks tous sur leur dragon, là, les viandes. Au bout d'un moment, ça suffit. Hein. Et puis, j'ai fini. Wow. Ok. Ok, bien joué. Bien joué, bien. Bah, écoute, moi, je vais aller excaver. T'as pas mal de œufs, hein. Je vais excaver. Ça. Je vais excaver ici pour 2 œufs. Deux. Alors, je gagne une ressource qui sera un or. Ouais. Et je ponds un nœud. Voilà. Un nœud. Et je dépense 3 ressources qui seront des cristaux. 1, 2, 3 cristaux. Pardon, des cristaux. Et avec ces. Non, d'ailleurs, je vais garder un cristal et je vais dépenser plutôt une. Ça m'énerve les gens qui font des fautes de français comme ça. Pourquoi un cristal, qui dit un cristal, un cristal. Ouais, un cristal. Ouais, je vais dépenser. Non, il faut reprendre les bases. Non, mais les Français qui sont bizarres. En anglais, on dit cristal avec un. Cette cave à la place. Voilà, donc j'ai dépensé 3 refus. Bah, chez les Anglais. Puisque et je gagne une pièce 7. Et voilà. Une pièce 7. Oui, bah oui, parce que j'ai fait ça. Ok. Voilà, il fait ça. En fait, tu frimes. Thibaut. Et eh ben moi je explore. Je explore. Moi je prends cher. Alors. Je veux une ressource. Moi je prends cher. Tu prends cher, Thierry? Non, moi je galère à récupérer. Un dragon derrière toi. C'est quoi ça? C'est une galère. Je vais en causer encore une. Elles sont pourries. Ouais, elles sont pourries. Tu vas en prendre une pif. Non, elle est pourrie aussi. Wow. C'est nul. Bah, je te l'ai dit. C'est les pires que vous avez. Ah oui, ça bah, à ce moment-là, de ma circonvolution de caverne. Oui. Ensuite. C'est bon, tu gagnes un beefsteak. Oh, j'ai oublié d'en jouer. Bah oui, erreur fatale. Erreur fatale. Ensuite, de l'or. Et ensuite, je ponds. Planquez-vous, je pompe. Ok. Bah, pompe. Sur le. D'Avignon. Et j'ai fini mon tour, je rentre au camp de base. Et je me fais un petit feu. Une omelette. Et je fais une omelette, voilà. Ah bah, du coup, moi c'est pareil, je vais explorer aussi. Tu vois. Mais la grotte dorée, moi. La grotte dorée. Ouais. Le tapis-coq. Tu vas choper des trucs, attention. je pique un dragon ici. C'est ça de manger de la viande. La viande avariée, pas cuite. Ah, ça te va pas, hein? Bah oui. Bah non. Ça me dit je gagne des points si j'ai pas de dragon agressif. Ah bah oui, si ça va pas. Ah bah là, oui, t'es mal barré. Oh, tu dois avancer de 1. Ah. Oh, il remet un cube. T'as plus de cube à mettre, hein? Si. Là, je vais même payer 2 euros. Oh non! Bonjour, bah, dragon, grâce au bon, et je joue. Moi j'étais dragon. Oriental bleu, au ciel bleu. Non, pardon. Il est bien. Hein. Et quoi l'effet que tu peux faire? Dragon bleu. Oui, tu veux. Ah non, t'avais dit oui. Dragon bleu. J'ai pas d'effet. Ensuite, là, il se passe rien. Et là, je repioche un autre dragon. Allez. Il y en a marre. Bon, suivant. Ne ride pas, s'il te plaît. Je vais un dragon, je vais un. Mais non, mais j'essaie de tomber sur le dragon, je peux jouer. Il nous reste la case de mer. Je vais essayer. Je dois tirer. Eh bien, je vais tirer un dragon. C'est déjà pas mal, quoi. Je paye. Non. Ah, tu viens de perdre 2 points avec tes 2 œufs. C'est tout, il se passe rien. Mais bon, t'as pas gagné. J'ai gagné 5 points. Voilà. 7 points. Ouais, c'est ça qu'il me fallait, moi. Moi, bon, c'est pas ça qu'il me fallait, j'en ai qu'un. C'est insupportable. Et en plus, il est timide, c'est surpéré, il est timide. Oh. Les agressifs, on n'en voit pas beaucoup. Bah, c'est bien la carte, j'en ai stock. J'ai l'impression que les agressifs sont timides. T'as joué ton expérience, ça y est? Oui, j'ai posé un bon, moi, je vais attirer. Pour. Ouais, c'est compliqué. Une viande et 2 heures. Un joueur. Non, ouais, un petit joueur. Meilleur, ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Bah, c'est tout. Voilà, je l'ai attiré. Ready. C'est bien. À moi. Voilà. C'est bon? Bah ouais. Okay.
Bah, je vais attirer. Je vais attirer la vouivre capricieuse. Ah oui. Capricieuse. Moi aussi, c'est une vouivre. Agressive. Moi, c'est une grande vouivre cornue. Oh, dis donc. Pour deux gold. Deux gold. Aïe. Oui, on peut se faire ces trucs-là, je ne vais pas les jouer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Ben, on va faire le même combo que Thierry. On va faire la bise améthyste. La bise améthyste. Ouais, tu connais pas la bise améthyste. Hop. Je sais pas où est le problème. Ah, ça c'est bien ça. Ah, mais il y en a pas. Ok. Ça, on avance d'un, on gagne un 9. Yes. T'en as vraiment avancé sur cette piste hein. Non, j'ai pas fait assez. Il reste plus que la case à 1 point. Oui, ça, hein. Pour nous. Tiens, je vais déposer ça là. On est content. On est vraiment fier. T'as pas fait cette case. Une caverne. Luc. Non. Ensuite, je reprends un 9. On va pouvoir la poser deux fois, ça c'est bien. J'ai loupé lui. Donc je pense 1 et. Et non, ça ne fait rien de. Ensuite, je prends un 9. Là. Moi j'ai perdu le fil. Hein. Et ensuite je défausse. Tu peux piocher deux cartes, c'est 50 ressources, de toute façon. On regarde pas. Je vais défausser ça et ça. 5 ah, joueurs, ça fait la couleur. Hein. C'est bon, changé. Hein. C'est comme t'avais dit. Un joueur, c'était beaucoup. Non mais c'est sympa. Ouais, et tu vois, j'ai 4. Tu vois. Il est 11h20. Ah oui, quand même. On a fini. Moi j'ai fini, vite. J'ai juste à mettre mes séries, tu passes. Bon. Ouais, non. J'excave. Je paye un 9. Et voilà quoi. Je gagne bah, il paraît. Encore. Ah ouais, t'as toutes ces caves là, toi. Oh là là. Ok, Thierry. Moi je vais explorer. Ah, ça va durer 3 heures. Je récupère une caverne. Ah, c'est la fin. Bientôt, on va remélanger la dépose. Ah là là. Je même pas ce que c'est, de toute façon, ça me servira. Oui. J'avance de 1, je récupère un dragon, j'avais dit que je voulais prendre... En fait c'est ça le truc, c'est qu'à 5 et on n'a pas de contrôle sur la pioche comme d'hab sur ce genre de jeu. Et voilà. Ouais, je suis... Bien sûr. Ouais. Compliqué. Une fée à queue en brosse. Ah ouais, très bien. Ah ouais, d'accord. Ensuite je regagne une caverne. Le dragon mélange. Ouais. Allez, non, j'ai oublié, je plaçais une viande dessus pour regagner une caverne. En plus, je regagne encore une caverne. Bah, attends, je mets l'ordre. Attends, Thierry. On te sent un peu stérile, là. Ouais, il tient plus en plus. Surtout que ça tient à rien, toi. Une caverne, bah si. Si tu vas voir, tu vas me servir. Oui, mais on va pas le faire. Un 9, un 9. Oui, un 9. Je peux pas la jouer. Ah, t'as beaucoup des 2, hein. Bah, ça va être bien, toi, ton score est fini. Ouais, puis je défausse une caverne. Hop. Ouais. C'est vrai qu'elle me servait. Ouais. Je récupère 4 meufs. Et là voilà. J'ai 8 points là. Là j'ai 3 énormes et un cristaux. Okay. C'est là. Ça ne colle pas. Ouais. J'avais regardé avant. Ok, moi je vais aller explorer. Je vais aller explorer là-haut où j'ai enfin fini une ligne. Ah, voilà. Je vais gagner un lait. Ensuite, j'avance sur un guild, un cristaux. Beaucoup trop de cristal. Ouais, dans ce monde. Encore un cristal. Attends, on a parlé de dragon là. Ah oui, on a parlé de dragon. Je regagne. C'est un serviable. Je gagne quoi moi? Gagner deux machins. En or. C'est bien du bidule. Oui, j'ai fait la part, gagne un bidule. Ensuite. En fait, il est bien. Je prends un nœud. Je prends un nœud ici. Ensuite, je pioche une carte de la pioche et je peux la glisser ici. Est-ce que je prends une carte de la pioche? J'ai ça là. Ouais, ouais. C'est mon pouvoir. Il est fort. Oh. Ah. Ah. Hey. Hey. C'est énorme. Hey. Oh. Franchement. Ah. Ouais. Je la garde. Je vais la garder. Et puis j'arrive ici, stocker jusqu'à 2 ressources de votre réserve sur n'importe quel dragon. Et oui. Et donc je vais stocker 2 petits laits ici. Et chaque fois que je fais un lait, je gagne un cristaux. Et quand mon troisième lait est stocké, je gagne une action. Ah, wow.
Voilà. C'est bien le dernier. La dernière bim. Marche, ça, ouais, j'en gagne. À toi. Ouais, j'explore. Ah ouais. Bah j'en suis là. Il me reste 3. Oh. Je vais pas déplacer ton bonhomme. Oui, il va là, regarde. Après, il va là. Un cristaux. Ouais, non, c'est... Un cristaux. Je suis là. Hop. Ensuite. Ah, je suis perdu. Un dragon. Si tu prends un œuf. Aïe. Non, attends, j'ai ça d'abord. Ah oui. Révéler un machin, c'est taille petite. Petit ou dragonnet. Petit. Petit. Eh ben, je peux le glisser un peu. Tu le manges. Miam, miam. Ouais, ça a tout cassé. Bravo. Et je ponds, ça y est. Là, il y a des œufs. Et ben, je vais pondre ici. Aïe. Ben, je vais explorer en haut. Je prends faut que je fasse ça. Du lait. Enfin, j'ai plein de dragons. Quand j'ai pas pioché un chien de glace. Je me déplace de 1, je prends un or. Ensuite, je reprends du lait. Ensuite, je révèle une carte de la pioche, il faut que ce soit grand. Oh, c'est grand. Ça fait quoi? Tu le glisses en dessous. Ok. Ouais, mais c'est un scandale impossible. Ensuite, je prends un autre. Scripté, c'est scripté. Oui, c'est scripté. Et voilà, suivant. C'est bon? Ouais. Ah merde, j'ai pas de clavier. Je sais pas qu'elle va explorer. J'ai gagné une ressource. Il va manquer un action. Je vais prendre une viande. Je reviens ici, je gagne un œuf. Je la ramasse complet. Ici, je gagne une ressource. Je vais prendre du lait. J'ai. Pardon. Il y a un cristal, je le stocke ici. Enfin, un point. Ouais, c'est ici, ici. Bon, je peux stocker jusqu'à 14. J'ai pioché 2 dragons. À toi. Il y en a un qui va. Les emplacements sont pas bons. Ouais, si, c'est ça. Je vais. Et... Je vais ah, oui, si c'est utile. Je pense à un œuf. C'est là, ça, tu le poses avec. Ah, oui, c'est vrai. Ah, chaque fois j'ai envie de. Bah ouais, bah, moi aussi. Je prends une ressource, je vais prendre un cristal. Maîtriser tes envies. On m'a trop donné, bien envie. J'avance en 2-1, je regagne une caverne. Hop, je regagne une ressource. Et une pierre. Une viande. Et je reprends un œuf. Ah bah tu vois, c'est piégeux. T'as pas fait ça, ouais. Ah oui, je peux stocker... Ah oui, tiens, oui, je vais le faire. Bon, je... Il peut. Et t'as des quoi quand tu stocks? Sur n'importe quel dragon, dans cette colonne, ouais, depuis. Ouais, ouais, c'est bon. Non, je le stocker pour un point à la fin. Ok. Pas bien, hein, okay. Deux papiers, c'est pas mieux pour... T'as fini? Deux papiers. J'ai fini. Une pomme de pain. Avec ok. Deux, trois pommes, six pains. Je vais attirer... Attends, c'est deux pommes, trois pains. Une pomme, trois pains? Ouais. Attiré pour un cristal et un or, une vouivre oh caustique. Non, agressive. Bah, c'est que pioché, yes. Ouais. Et moi, j'en ai pioché deux, la vouivre, c'est agressive. Voilà. À toi. C'était pas trop bon. J'ai... Non. J'excave. J'excave. Ouais. Boum. Alors, ça, je m'en fous de l'effet. Que je peux pas le faire. Payer deux ressources, tu veux pas le faire? Bah non, j'ai plus pas. De poser de caverne. Mais en fait, tu peux. Ah pardon, je suis là. Mais ça me permet de faire ça. Oui. Dévancer trois. Regagner une action. Regagner une action. Ah, t'as plein de cartes. Ouais. Ah, vous aurez dû terminer. Au moment, ça va se terminer là aussi. Ouais, si. Bah, toi, t'as plus de choses à faire au niveau de la dernière ligne, à part. Ouais, je vais dégager ça. Et ça. C'est voilà. Pas le qui... Ah, ouais, il faut 3 cartes dragon. Bon, oui. Hein. Tu gagnes une action. Et je gagne une action. Voilà. Combien d'agressifs vous avez, les cocos, là? 5, 4, 2, 5, 4, 3. 2, 3. Et toi? 3. Et j'ai 0 points avec le. Je vais
retourner à l'abysse. Il n'y a pas d'égalité. Attends. Comment ça, il n'y a pas d'égalité? Oui, moi j'enlève l'abysse à mes 6. 5, 7, 5, 4, 5, 4, 3, 3, 3 et 2. 2. Alors, 5, 4, 4 3, 3. Une caverne. On se tape. Oui, généreux. Oh, t'inquiète pas, on s'y fait vite. Ouais. Ah non, égalité. Ensuite, je. Ouais. Okay, pas le petit je récupère un dragon. Je vais récupérer celui-là. Ah bah oui. Ensuite, je stocke un lait de ma réserve ici. Vu que c'est le troisième, je pioche deux dragons. Allez. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon. Ah, pourquoi pas. Et en deuxième, je vais prendre celui-là. Parce que j'en ai marre de piocher le pif et de pas tomber sur ce que je veux. Ensuite, une caverne. Je prends un œuf. Ah non, je l'ai posé là. Et ensuite, je dépense deux cavernes pour. Prendre deux œufs. Prendre deux œufs, exactement. Quatre œufs, c'est ça. Quatre œufs. Ah, c'est pour chacun. Ouais, c'est 40, c'est le plus rentable. Et voilà, tu vois. Mais bon. Je remettais le. Ah, mais j'ai plus beaucoup de place, quoi, en fait. Alors, moi, je vais. Quatre. Charger la caméra, déjà. J'oublie toujours quand c'est bon. J'ai joué un dragon, j'ai dépensé une action. Un dragon de quel type? Timide. Timide. Un petit timide. Ouais. Il me rapporte 8 points. Ah, il te coûtait 2 pièces en fait celui-là. Enfin, une pièce. Ouais. Une pièce. Ouais. 8 points, ouais. Bah, 4 et là, ouais, ouais. Il me fait un deuxième ensemble. Mmh. C'est que je joue, hein. Okay. Et j'ai été chercher partout, celui-là, j'ai trouvé pas. Oui. Regarde, les petits, je sais pas si vous en avez, mais moi, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. J'en ai un là. Les petits, j'en ai 3, 4 de posés. C'est toi qui les fait. Ouais. Petit, j'en ai. Et j'en ai un sous une carte aussi. J'ai été. Alors, j'ai dû piocher. Alors, moi, je vais tirer un dragon. Ouais. Le gros bâtard là, qui fait une action. Un or et un améthyste. C'est quoi que t'as fait? J'ai posé un dragon. Ouais. Okay. 6 points et je pourrais glisser une carte sous lui. À la... moi, c'est bon, je vais excaver. Ouais. Ici, ça me coûte un œuf. Alors, payer une ressource. Prendre deux œufs. Prendre deux œufs jusqu'à 3 fois. Donc, je le fais 3 fois. Et je peux prendre 6 œufs. Wow. Alors, je veux bien des œufs, s'il vous plaît. Il n'y en a plus beaucoup non plus. T'en as là. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ça dépend des deux. Merci. Et chaque joueur peut le faire. Chaque joueur peut le faire une fois. Faire quoi? De payer. Payer une ressource pour gagner deux œufs. Ah bah, oui, bah ça sert à quoi celle-là? Deux œufs. Ça sert à rien. Il n'y en a plus qu'un là. Ça fait un point chacun. Et quand oui, mais ça deux, me fait. J'aurais un point aussi si tu la gardes. En la mettant là. C'est ça les trucs pour les œufs là? Tout ça c'est multiplicateur ça, tu mets en tout d'un œuf. Ah ouais. Bah je veux bien. Hein, ah bah voilà, il faut bien que ça serve ce truc quand même. Sachant que. Ah oui, on a plus d'œufs. Bah non, il n'y a plus d'œufs. Ah oui, ça va être. Bah, j'en aurai bientôt besoin. Ça et ça. Donc j'ai dépensé. Ah oui, si vous voulez stocker, vous ne dépensez pas. T'as joué Thomas? Une viande pour. Non, ah, le but c'est de stocker. C'est un peu de. Pour récupérer deux œufs. Ah oui, c'était pas mal. C'est un peu la stratégie. Je prends la fois deux que je vais mettre. Attends, parce qu'en fait, Tommy, il n'a pas joué. Bah, je fais l'action de. Ah, je dépense une ressource pour avoir 6 œufs, mais j'essaye de faire de la monnaie, comme je peux. Et bah, je vais faire ça. Ok. Non, ça c'est pas moi qui les ai piqués, les joueurs. Ouais, mais j'ai pas de truc qui devrait. Parce que moi, j'ai plus cher que le monde, quand j'annonce. Voilà. Voilà. Attends. Donc maintenant, c'est à toi. Oh! Donc, moi, il faut absolument que je fasse ça. Explorer. Ah bah, je vais en avoir deux fois deux là. Ouais, enfin, non, moi j'en ai fait fin de manche, je prends S'il y a au moins un marqueur là-dessus, je gagne deux. Bah, je vais le mettre là le marqueur. C'est bien que ça arrive maintenant quoi. Pour vous montrer là que j'ai fait ça. Donc je gagne une ressource. C'est pour ça qu'il est si cher. Là. Ensuite ici, je gagne ça. Ouais! Un point, les amis. One point. Et ensuite, je fais ça, un beefsteak. Ensuite, je fais ça,
un gold. Et ensuite, je ponds un œuf. Je vais prendre un fois deux. Il y a Flo, il est en train de me rejoindre là. Je vais y avoir tout d'avance sur moi. Sur moi. Bah, allez, c'est sûr. Je ponds un œuf. Je vais ici. Ouais. Hop. Ok, good. Et je retourne à la maison. Next. J'excave. Tiens, je vais rendre deux œufs. Je pense que je vais les récupérer bientôt. Je pose ça ici. Oui, j'ai des cartes à défausser, c'est bon. J'étais en train de me dire, j'ai rien à défausser. Mais si, j'ai plein de cartes. Alors, déjà, deux œufs. Un, deux. Je vais récupérer tout à l'heure. Je dépense jusqu'à 3 cartes caverne pour gagner un seul d'avancée sur la machine. Donc, ah, j'en dépense 2. Je récupère une action aller et vous pouvez faire la même chose. Bon, enfin, vous pouvez le faire une fois. C'est faire quoi? Dépenser une caverne pour gagner un d'avancée ici. J'ai plus de caverne. Merci. C'est bon, c'est pas grave. Si ça me rapporte, Et ensuite, je vais dépenser du coup 3 cartes pour faire ça et regagner encore une action. 1, 2, 3. Donc, je regagne une action. Et c'est au suivant. Normalement, ça va être magistral. Là, je dépense un 9. Je fais escaver. Et je vais utiliser une numéro. Et je prends un 9. Sur. Magistral, mon tour il est aussi dans le tour. Alors je fais du coup, je dépense un 9. On prend pas si c'est le meilleur. Je pourrais essayer de convoiter les manques de dragons de départ, là, bien longtemps. Ouais, bah. Hop, je gagne une caverne. Ouais. Oh, une caverne, disons. Qu'est-ce qu'il aura pioché comme caverne? J'avance. Hop, un petit un point de victoire. T'es pas belle la vie. Ensuite, une autre caverne. Ça pue. Je prends un œuf, il me faut un fois deux. Non, il y a encore des œufs là. Ah non. Ils ont encore deux. Un fois deux, on va se mettre ici. Puis je défends deux cavernes. Ah là, par contre, il va falloir un fois deux. Pour avoir quatre œufs. Mais j'ai un fois 5 là. Enfin, j'ai pas un endroit où je peux en mettre 5. Ouais, c'est ça qui est le problème, c'est qu'ils ont mis des chevaux fois 5. Non, mais il n'y a pas de fois 2 là dans le sachet. Mais ça pour les ressources. Bah, passe-moi 2 fois 2, bah 4 fois 2, et puis je devrais m'en sortir avec ça. 4 fois 2. Si je les mets sur. Par contre, remarque, ça fait pour toute la carte. Tu mets un 9 dessus, tu fais un 9 x 2. Ok, d'accord. Sinon... Et bah voilà, je fais comme ça, ça fait x 2, donc du coup, il y en a un qui se remet là. Donc là, j'en ai un. Il m'en faut encore, je te dis, il m'en faut encore 4. Ouais, mais je n'aurais pas forcément 4. Bah. Il reste un 9 déjà aussi. Arrête de pont, encore un x 2 et c'est bon. T'es sûr que t'es pas à la limite de tes bestiaux, hein? Oui. Ça passe tout juste. C'est déjà ça, il est arrêté de pondre au prochain tour. La maternité est pleine. Et puis, il y en avait encore, je pouvais mettre où. Et puis, voilà. Et c'est vite. Ok, c'est la chute. Il me reste encore deux places. C'est la chute. Attends, il semblait qu'il y avait un peu plus. Alors, je vais excaver. Pour deux œufs. Hop. Voilà. Mais oui, je pose ici. Ouais, quand tu veux. Gagner deux avantages différents. Deux avantages différents. Chaque adversaire gagne un avantage de son choix. Oh. Donc il y a une carte. Donc, je vais le faire d'abord. Une guilde, une cave et une ressource. Donc je vais prendre un or. Et je vais prendre un dragon, s'il vous plaît. De la pioche? Ouais. Attends, oui, pardon. J'ai pas vu. Oui, de la pioche, s'il te plaît. Merci beaucoup. Lol. Est-ce que tu... Donc,
qu'est-ce que tu prends comme bonus toi? Ah pardon, donc je dépense 3. Attends, parce qu'on peut prendre un bonus. Ah oui, alors dépenser votre... Bah oui, oui, allez-y. Moi j'ai fait mes 2. T'as fait tes 2 okay. Ouais. Et après je vais faire mon action de dépenser 3 trucs pour gagner une pièce, que je vais le faire tout de suite. Hein. Et on avait dit que pour les points, donc il y avait... Je dépense des ressources. Chacune des options rapporte... Ah, les ressources... Les ressources rapportent rien. Okay, les ressources sur les... Oui, sur les... Pour 4. Ah oui, sur les cartes. Ah oui, c'est 1 pour 4. C'est 1 point pour 4. Ouais, parce que là, c'est bien qu'il faut qu'il y ait des ressources. Hop. Alors quand c'est ressources, c'est carte contre une... Pour gagner une pièce. Ah oui, d'accord. Ok, bon, je prends une carte dragon, c'est bien. Hop. Moi, je vais avancer de 1, ça fait 1 point. Hop. Ouais. Oh, j'ai oublié le... De toute façon, ça ne change rien. Et Thierry, tu as gagné un bonus, tu veux quoi? Donc, c'était quoi, rappelle-moi? C'est top la carte. Dragon. Toi, un dragon, une cave, une guilde ou un machin. Sinon, il y a quoi en dragon? Il y a rien qui sert. Pour tenter un dragon, on ne sait jamais. Bah, je mange juste ce que je fais à mon dernier jour. Déconner. Lol. Non, mais il tombe bien en fait. Ah, c'était le A. C'est exactement ce que j'ai pour le payer. Ah. J'ai fini mon tour. Bravo. Mais, merci. Ben, moi, je vais attirer pour mon dernier tour du jeu. J'ai encore joué quelques tours. Moi. C'est la manche où je construis ma dernière colonne. Donc, Et je vais poser lui. 3 et 2 or et un cristaux. Bon. Ouais. Il serait joué. Et puis voilà. Terminus, les amis. Chaque dragon dans cette caverne. Ah ouais, pas mal, non hein si, j'entends. C'est pas mal du tout. Je vais attirer ici parce que j'en ai marre que tu gagnes de la viande pour rien. Je sais. Ça ne sert à rien de remettre un agressif. Je gagne 2 ressources. T'en as combien? Et genre, que l'une, si je regardais, t'égalisais. Je stocke l'autre sur n'importe quel dragon. Donc je prends un lait. Il va peut-être en mettre d'autres. D'autres points agressifs? Ok. Ouais. Suivant. Vous en avez combien là? 3, je suis à 2. 5. 2, 2 3. Ouais, j'ai joué un dragon. Un agressif? Ah non. Je sais pas. J'ai rien. Suivant. Vous essayez de les faire comboter entre elles, hein. C'est ce que j'essaie de faire tout à l'heure. Ah, je sais pas. J'ai pas eu de chance encore dans le tirage des cartes. Donc, j'ai pas réussi à comboter. Comment ça, encore comboter. Bah, la semaine dernière, j'ai pas réussi. Ah, la semaine dernière ouais. Bon, ça fait 2 semaines sur une année, ça va. Bah, je pense qu'on va pas dire. C'était quoi la semaine dernière? Ancienne Knowledge. Ah oui, ah oui. J'avais tellement. J'ai commencé, j'ai choisi mon moteur, il n'y a pas une carte qui est sortie. Vous avez 4 3. 3. Pas une carte qui est sortie. Bon, allez, on verra bien. Hein. Je fais lui, je fais juste ça. Ah, en fait, t'avais juste pile poil les deux. Ouais, t'as fait déjà le que j'ai. Ah, ah, tout le A. Ah. Un point. Bah, un point. Ah ouais, il y a une agressive. Ah. Ah, elle est agressive. T'en as combien d'agressives là? Je passe à 3. Bah, il égalise en fait avec lui. C'est là le temps. Ok, il me reste 3 pièces. Alors je vais d'abord aller explorer là-haut parce que j'ai toujours pas fait d'exploration. Hop, alors je vais gagner un lait. Ensuite, une guilde. Ah, j'aurais dû faire autre chose. Ah, c'est très con. C'est trop tard. Bon, on s'en fout. Une guilde, ce qui fait que je vais poser un point. J'ai avancé là. Ça y est, voilà, tu l'as. Est-ce que tu es sûr que tu veux poser ton choix ici? Parce que t'as le choix quand même. Hein, c'est... Ensuite, ouais. Je gagne un cristal. Tu peux le poser un peu plus loin. Ah non, tu vois, là. Mais c'est pareil. Ensuite, ici, je regagne une ressource. Voilà, je vais gagner une viande. Oui, je vais prendre un cœur là aussi. Ensuite, c'est con, je vais prendre un œuf. Eh ben. Ensuite, ici, je pioche une carte de la pioche. Et je... S'il te plaît. Ça s'il te plaît. Merci. Et je peux éventuellement la stocker ici. Ça fait toujours un point hein, de la stocker. Je suis oui.
Attends, je fais mes comptes, hein, désolé. Hein. Et plus que vous donne, en fait, c'est ça. Oui, t'as toujours un. La vie, t'as plus d'action, c'est tout. Moi, j'ai rien, mais j'ai fini. J'ai posé un dragon qui me coûtait une action. 1, 2, je suis désolé, faut que je compte. Bon, l'avantage, c'est que moi, j'ai presque fini. Non, je vais pas le. Je finis au prochain tour. Oui, t'as plus je vais pas le stocker, ouais. Parce que j'ai pas gagné l'action. Et donc, je viens ici. Je peux stocker une viande ici. Je peux stocker jusqu'à deux ressources. Donc, je stocke une viande. Et là, quand c'est la troisième, je regagne une viande et un or. Une viande et un or. Je peux stocker deux ressources sur une carte. Ça dépend si je suis pas du tout. Ouais, et je peux encore en stocker une. Sur deux ressources. Ouais, c'est voilà. Et est-ce que j'ai besoin. Il y a déjà 23 points de œuf. Et je peux remettre un lait ici. Et quand je mets un lait. Ah, bah oui, il y a ça. Ah, bah si, lui, je pouvais le mettre. Je regagnais le cristal. Donc je le mettais bien, celui que je piochais. Je vais m'accenter. Ok. Ouais. C'est bon. Je le ferai. Mon dernier. Ah oui, j'ai mis un œuf au lieu de mettre mon petit bonhomme, moi. Voilà. Tu déplaces ton œuf. Roman, je mets le dragon féerique éternel pour terminer. Éternel ouais, wow. Pour terminer, moi, je trouve que c'est classe. Ouais, ça claque. Avec hein. Deux ors et un cristal. J'avance de 2 ici, je regagne un œuf et une boule. Qu'est-ce que tu auras avancé ici? Et vous avancez tous de 1. Wow. Wow. Ah, ah, il va falloir 3 œufs. Ah, c'est les petits. C'est les œufs là? Ouais. Oh bah merde. Attends, je peux prendre un poids de œufs. Ils se sont un peu viandés dans la quantité d'œufs. Ils ont pas prévu qu'on les joue à 5 œufs. Enfin, ils n'ont pas prévu d'avoir 52 œufs sur ton. Bateau. La prophétie, il y a des. Bah, c'est pas prévu. Mais ils auraient dû prévoir. Ils ont même des usines pour se corriger sur la quantité de pétale. Ouais. Merci. Attends, je peux pas ici. Là, je peux. Si à la fin, non, je vais encore pondre. Hein, alors. Puis après, moi, j'ai fini. Donc, j'entends. Il reste plus que Christophe. Ouais. Il y a peut-être moi là. Il y a peut-être toi qui joue. Hein. Ouais. Et tu joues deux fois. Ouais, peut-être une autre fois même. Donc, t'as la pression. Hein. Attends, parce que lui, il faut que je le joue quand même. Ouais. Attends, mais pas trop. Pas trop, pas trop. Ah, si, oui, non, il n'y a pas de problème. Non, effets, il faut ok, donc je vais dépenser 2 œufs. Tiens, moi, ça sera ça. Non. Ouais, non, c'est pas intelligent. Il pense 2 vrais œufs. Dans 2 vrais œufs. Pour poser cette cave, donc c'est excavé, en fait, il faut quand même que je le fasse. Je ne l'ai pas payé déjà à l'instant. Non, bah, non, il te restait 2 œufs. Ok. Ah donc ça n'a pas marché mon histoire. Ah si si c'est bon. Bah non c'est pas bon. Échanger emplacement de deux dragons sur votre plateau joueur. J'échange celui-ci avec celui-là. Hop, hop. Voilà. Très beau mouvement. Ok, ensuite je dépense 3 ressources pour avoir récupéré une pièce. Merci. Mon histoire, ça va pas. Ah, solo, hein. Non, bah, on verra bien. Et j'ai des boules parce que je peux pas faire ça. Et voilà. T'as des boules, j'écris. Ouais. Vous êtes à combien d'agressifs juste 5, 12, 4, 3, 5, 4, 3, 3. 3, 3. Et moi j'en ai 2. 3. 3. Non. Ah, t'as pas le droit. Oh, ça vous fait perdre un point. C'est un point, franchement. Non, 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 tant pis. Tant pis, j'ai un peu foiré mon truc. Ça peut changer. Ben, je vais ça pour le. Je ne peux pas regagner une autre pièce, il n'y a pas moyen. Non, non, c'est trop loin, on est d'accord. Ouais. C'est trop loin. J'aurais peut-être mieux fait de faire des. Ça suffit. Je suis peut-être mieux fait pour gagner des actions. Mais non, mais. On n'a pas plutôt que de mettre lui, j'aurais peut-être mieux fait de faire une agressif. Bon, après, c'est un point. Je savais pas qu'on avance en même temps. Ça, non, mais c'est bon. Oui, mais parce que. T'as plus de place pour lui. Enfin, il n'y a plus d'œufs. Il n'est pas gratuit. Oui, mais j'aurais. Lui, le dernier round. Il me fait ça, il n'y a plus d'œufs. Il y en a là. Là, c'est un point. Enfin, ça me fait 4. Ah oui, c'est. Bon, bah tant pis. Déconne pas, je dépense pas de dernière pièce. Pour prendre la fin et dépenser la pièce. J'ai pas pensé à faire de la place. Voilà, gagner au moins de place qu'il y a un autre joueur. Tant pis pour l'agressif. Ah bah, c'est mieux. Voilà, il me reste ça comme ressource. Ok. Alors, fin de manche. Effet de fin de manche. Effet de fin de manche. Alors, il commence. C'est mal. Alors, payer une ressource. Je vais piocher 3 cartes. Bon, je vais juste en mettre une en dessous. Oui, reste ça. Ah non, parce que. Il y en a une que tu gardes. Bon, bah, j'en garde une. Je ne regarde même pas. Et puis l'autre, tu la mets en dessous. Voilà, c'est ça.
Ensuite, je vais pondre. Oui. Je vais pondre, il n'y a plus de... Ah bah si, je vais récupérer le produit ici qui sera défaussé à la fin. Enfin, le problème, c'est qu'il m'en faut un là et un là. Là, lui, il ne peut plus pondre. Ah, il ne peut plus pondre, donc... Bah, un ici. J'en mets qu'un là. Voilà. Stocker un, si je peux piocher, ça, on s'en fout. Ah si. Bah non, ça revient au même. Et là, par contre, si la colonne de dragon n'a plus, j'en pioche deux. Oui, je peux les mettre en dessous. Ah, tu peux même mettre les deux. Tu peux en glisser une ou les deux, ici. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, yeah, j'ai fini. Moi, j'applique pas d'effet, ça m'intéresse pas. Ok. Eh ben, moi, j'ai deux pas. Jeux. T'as deux œufs, fin de manche mmh. C'est celui-là, il me donne deux œufs. Oui. Je peux glisser une carte de ma main ici. Si je le fais, je prends un œuf ici, mais il n'y a plus de place. Mais je n'ai pas une carte. Tant mieux, s'il n'y a plus de jetons fois deux, il n'y a plus d'œufs. Puis, je regagne une carte que je peux glisser sous un dragon, ce que je vais oh. faire. Ok. Et moi, je peux glisser une carte dragon de ma main. À deux fois. Une fois et je gagne là, une ressource. Tous ceux que je recherchais, vous les avez tous défoncés. Ah ouais. Ah ouais. Il y en a tous les effets que je cherche, il y a tous les dragons de type petit. Il y en a même des agressifs. Ok. Ils rongent. Ok. Donc, voilà pour les fins de manche. Alors le score est agressif. Tac. 3, 4. 3. 5, première position, 4, deuxième position, 3, 3, et on se met tous là. Et toi, Thierry, à tous. 3, 3 aussi. Vas-y, viens avec nous. Allez. J'ai un bon. Cube en l'air. Ah, ça en dépend. Dommage. Ok. Ouais. Alors, calcul des points. Alors, les marqueurs sur la tuile draconique. Alors, Thierry. La guilde. À la guilde. C'est rouge. Donc, j'ai un point par paire de deux œufs. Je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Il y a des fois deux. Attends, des putain. 4, 2, non, ceux-là, non, non, ceux-là, ils vont pas. Non, non, faut les défoncer, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 18, 19, 20, 21, 22. Ça fait 11 points. 11 points. 12 points parce qu'il est ici. Ouais, 12. Ouais. Allez. Moi, je suis mauve, donc j'ai 6 et un 7. Ça va. Alors, du coup, j'en ai 17, donc ça fait. T'as aussi cette option-là, toi ? Ouais. Ouais, ça fait 8 points. Ouais, ça. J'aurais aimé l'avoir deux. Donc 9 avec ça. C'est tout. Ouais. Et je voilà. Pas parce que. 9. Flo. Un point. Je suis à 3. Comment c'est un point ? J'ai un point. Ah oui, bah il t'a pas de truc là. C'est les marqueurs de la guilde de l'arconique. Ensuite. Les points indiqués sur les dragons. Alors là, on compte chacun. Ça, on compte pas les effets. Non, c'est à plus tard. Juste les points indiqués sur les dragons. Oui. 42. 38. Pas loin. 39. Ah bon ? Vous attendez à beaucoup plus. Voilà. Bah, tu sais, c'est. Moi, c'est que des petits dragons. J'en ai mis une paire à 6. Il n'y a pas de dragon à 1000 points. Bah, t'en as posé plein. Le plus gros que j'ai vu, c'est 6. 5. Bah, t'en as peut-être. T'as qu'une 4 vide. 6. Bah, oui. Bah, tu vois, t'as des gros. Je m'attendais en voyant un peu les dragons. Mais il y a des dragons à 7-8, et puis il y en a un qui est à 0. Il y en a un qui a un. Attends, les points de fin de partie, là, avec les. Sur les. Points de fin de partie. Avec les petits drapeaux, là. Ouais, j'en ai qu'un, il vaut 8. 8. Donc, il y a un petit, un dragonnet, une grande, une moyenne. Contre les mains. 13. 13. Avec les 12 points. Hein. Voilà, c'est 4. 12. Parce qu'il y a un homme dans le chat. Il y a pas de problème. Ouais. 8, c'est 3. 8, 20. J'ai posé la fin. Ouais. 3, 3, 3, 3. 3. 9, 2, 9, 5. Voilà, 9, 5. 9, 14. Ah, c'est ça, 9 et 13, 15. 9. Ah putain, tu l'as pêché plein quand tu fallais à lui. Bah oui, surtout, j'avais pile le bon nombre d'actions pour finir. Comme par hasard. Bon, Thierry, par œuf. Bah, 22 œufs. Les œufs. Qu'est-ce qu'ils ont, les œufs? 6 pour moi. Combien t'as d'œufs? Bah, j'en ai 17. Ça fait 7 points. 7 points. 13. 5. Les ressources stockées. 7.
C'est les jetons, les ressources et les cartes, c'est ça? Non, 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 non. Les cartes sur les dragons. Ah, stocké, pardon. Ah, stocké, pardon. Une. Cinq. Une. Ah merde, moi je l'ai compté avec là parce que j'avais un drapeau ici. Donc zéro. Ouais. Ah, tu les as déjà compté. Oui, parce que ça me disait chaque lait sur ce dragon rapporte plus un point en fin de partie. Ah, mais t'as doublé déjà. Mais... Ouais, j'ai... Okay, ah, et t'as déjà fait compter double. Okay, okay. Oui, donc ça revient même. Les cartes glissées. Ah, je crois que j'en ai deux. Ouais, c'est deux. Moi j'ai deux. C'est laquelle? Deux. Attends. C'est ça. Deux aussi. Ouais, bon. Ah, je vais. Oui, toi t'en as un paquet. Quatrième. C'est le qui se passe. Les objectifs que vous avez fait la différence avec. J'en ai 7. Okay. On prend des objectifs. Ah, tiens, en début, oh, il n'y aura pas que dalle. Hein. Thierry, t'as fait quelle couleur? 0 rouge. Alors vas-y. J'ai 4. 5. 5. 11. 11 et 3. 14. 14. Christophe. Moi, je suis mauve. Donc 1, 6. C'est 3, 9. Non, je suis faible. Thomas. 7. Je suis trop loin. Allez, 4, 6, 8, 8 et 7, 15. Oh, allez! Bravo! Ouais, j'en ai 2, je sais pas combien ils sont. Alors, 0, 2, 2, 2, 6. On vous dit. C'est pas grave. Non, 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 mais je vous l'ai dit que c'est là que vous alliez faire la différence. Allez, je l'ai dit il y a 2 minutes. Hein. Là, vous allez faire la différence avec vous. Que là, le premier il a 15, le deuxième il a 14, le dernier il a 6. Hein. Ouais, mais il y a plein d'autres trucs. Voilà. Un point par pièce qui reste. Quelqu'un a encore des pièces? Non. Ah non, on a tout pris. Un point pour 4 ressources. Non, j'en ai 3. J'ai eu une carte. En fait, merci 3. À celui qui m'a donné une carte à la fin. Ah, quoi? Ça fait un point. 0 pour Thierry, 0 pour Christophe. Ouais. Et toi, Thomas? Un point, j'ai 6 trucs en tout. Alors. J'ai un cube. C'est un peu rien. J'en ai deux. Ah bah voilà, ouais, 10 points à chacun. Bah, 10 points, allez. Ranger le flexe. Allez. Attends, parce qu'il y a peut-être des choses qui étaient partagées. Ouais, on ne sait jamais. Mmh. C'est le nombre de dragons hein, qui étaient partagés. Ah oui, oui. Ah, bah, j'ai ah non, le même nombre de dragons. 9. Ah non, on a un moins. 9. Ouais, 101. 88. 98. 102 pour Thierry. Oh là là. 102. 102. 102. 44, 59. Et bah, par contre, je le préfère à l'eau. 69 et 9. 68 pour Christophe. Combien? 68. Allez. Le nombre. Le nombre d'action. T'as compris? J'ai cru que ça te rapportait 40 points en donné. Non, non, c'était en demande le replay quand même sur le compte. Ouais. Attends, je regarde. On a non, 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 10 points. Ouais, 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 non. J'ai les petits dragons qui valent que dalle. Donc, Thomas, ouais, moi j'ai réussi à remettre des. 38, 47, 60, 77, 78, 85, 92 ou 93. Ah! Flo, 1. 2000. Ah, faut oui, il y a un quelque part, mais je n'ai pas hier. 43, 63, 76, 78, 88, 89, 94. 93. Ah, c'est l'offre. Attends, c'est déjà ton premier joueur. Justement, j'ai jamais été premier joueur. Il y a des jours, ça vaut le J'ai jamais été premier joueur. En cas d'égalité, tu perds parce qu'il y a plus de dragons. 50. Ouais, 50, pas de regret. Tu as vu vraiment dragon? J'en ai un de moins, lui. J'en ai plein en dessous, moi. 45, 50, 74, 75, 76, 82. Ouais. J'ai 68, moi. Ouais. Ouais, ça. Qu'est-ce que t'as foutu? Bah oui, c'est bizarre. Je sais pas. T'as joué avec nous. Attends, on peut refaire les points. Oh non, non, je te prends. T'as 7 sur la guide de. T'as 7 ici. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je te prends ce coup-là. Il va retourner le couteau dans la. Oui, c'est ça. On l'a appelé. Non, mais j'aurais pu me tromper en autant. Non, mais j'ai que des dragons à 2 ou 3, tu sais, donc.
Ben, oui, c'est vrai que j'ai mis les objectifs, mais... On est tous à 39, 40 et à 26. Là, voilà. Il faut bien quelqu'un qui perd. Ouais. Bon, alors, je vais quand même dire le résultat. Dernier Thierry. Quoi? Tu fais dans quel sens? En partant d'où? Bah, en fait, 1, 2, 3, 4, 5. 1,02. Je me suis. Et pour une fois que je gagne. Premier Thierry, deuxième Flo, troisième Thomas, quatrième moi et dernier Christophe. Franchement, enfin, je vais dire cinquième. C'est moi, un point, t'exagères. J'ai fait exprès. Ah, j'ai oublié de montrer 50 points, attendez. Ça n'a pas trop bien combo. C'est pour ça que j'ai copié sur le meilleur, tu l'avais dit. C'est où t'as pris il y a un moment, j'ai fait un peu mieux que toi. Il y a de chance, plus de chance. Et moi, j'avais 22 dragons et tout le reste, je galérais. Au début, j'avais tous les deux du coup. Zéro dragon. Et à la fin, j'avais 10 dragons. Moi, mes dragons, je veux des petits dragons sans. Il n'y a pas de combo. Sans intérêt. Enfin, si, vite fait. Bah, en fait, celui-là me donnait pour chaque ensemble de dragonnets petits, moyens et grands 4 points supplémentaires. J'en avais 2. Plus 7. Ça faisait 15 points. Et voilà. Et c'est quoi le nombre de joueurs idéal pour vous? Moi, le plus gros que j'ai eu, ils m'ont apporté 10 points. Le nombre de joueurs idéal, ouais. On a déjà 4 à 5. 3 ou 4. 3 ouais, 4 maximum. C'est pour ça que j'avais dit. Non, mais je suis content d'y avoir joué. Oui, c'est bon, il est sympa. Il est très sympa. Je préfère celui-là à Wingspan. À Wingspan. Ah bon? Moi, j'aime bien. J'aime bien les deux, oui. Bah, j'ai pas dit que j'aimais pas l'autre. Non, non, mais. Ah ouais, non, j'ai dit que tu l'avais partagé. C'est pas pareil comme. Non. C'est pas différent, les différents. Non, mais en plus, c'est pas du tout les mêmes sensations, je trouve. De, non, de jeu ouais, ouais. Je trouve que là, j'étais plus bloqué que dans Wingspan. Ah bon? Ah bon? Oh, bah, moi, j'ai été plus bloqué dans Wingspan que là-dedans. Oui, bah, moi aussi. Non, de ressources, franchement. Là, t'as besoin de ressources. Bah, dans les autres. Pas... Là, si t'as une action supplémentaire, bah, tu refais la même. Voilà. T'es pas obligé de payer des trucs. Dans Wingspan. Il y a une ressource pour chaque dragon agressif dans cette caverne. C'est ça, bah, c'est ça qu'il fallait. Bah, bien sûr. Mais j'avoue, non, j'ai préféré, moi c'est mon senti. Ouais, mais c'est une partie comme ça, parce que... Ah bah là, c'est vrai que c'est qu'une partie. C'est pas une chance au tirage, quoi. Mais comme dans Wingspan, tu peux être un peu deck, parce que, bah, les ressources, ça veut jamais. Ou les autos que tu pioches, bah... Alors, il y a aussi un truc que j'aime préférer dans Wingspan, mais ça, c'est dû à une extension, c'est que les effets des cartes pendant que les autres joueurs... Oui. C'est vrai que ça. Que les quoi, tu dis? Les effets des cartes qui s'appliquent pendant le tour des autres joueurs. Ah oui, c'est en Europe ça ou. Je sais plus. Mais. Ah, c'est Europe, je crois. Hein. Je crois que c'est Europe, ouais. Et je trouve que ça c'est ouais. Pas mal parce que les autres hésitent. Ouais, c'est de l'intérêt. Et toi, quand ils n'ont pas le choix, toi, ça te rapporte des trucs, quoi. Il y avait d'autres qui. Sans pour autant être méchant. Il n'y a que moi qui ai eu une carte avec le voisin, en fait. Mais c'est vrai que il est celui-là sans extension, il est déjà. Il y a déjà des extensions sur. Non, mais Wingspan. Non, non, non. Mais sur, justement, celui-là sans extension, il est, finalement, il est déjà assez complet. Quoi. Ouais. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai mélangé, mais regarde, je prends au hasard. Non, les choux. Il y a les effets. Pas un que j'ai tiré. Et c'était tous d'affilée. Ouais. Bah, moi, j'ai pas ressenti la frustration qu'il peut y avoir dans un Wingspan, je trouve. Mais... Bah, je sais pas. En fait, c'est ça. Moi, je n'étais pas frustré, mais le moteur a pas pris, mais j'étais pas frustré. Ouais, parce voilà, que, en fait, finalement, tu joues. Ouais. Tu fais ton petit truc. Quelque chose. Tu fais ton petit truc. Pas... Après, ça sort plus ou moins. Je suis pas d'accord, parce que, à un moment donné, moi, j'étais bloqué. Il manquait des trucs. Dans Wingspan, tu pouvais jouer ton pion. Tu faisais ton truc. Là, je pouvais pas le jouer parce qu'il me fallait des œufs que j'avais pas. Bah, dans Wingspan, moi, je trouve justement que si t'as pas les ressources. Mais dans Wingspan, tu peux rien faire. Plusieurs fois la même action, ça te coûte pas grand chose. Tandis que là, pour faire plusieurs fois la même action, ça te coûte de plus en plus cher. Et les cavernes, elles me servaient bien à récupérer des ressources. Ouais, c'est sûr. Oui. Bon, bah, mais parce que toi, t'étais là. Je sais pas. Ouais. Je pense que diffère de commencer. T'as vu le celui-là, c'est parce que à un moment j'avais juste ce qu'il fallait pour activer la dernière qu'il fallait à chaque taille. Je dis bon bah je vais y jouer. Pourquoi je me suis mis là? Pourquoi je me suis mis là et pas là? Bah c'est ça. J'avais que des dragons avec rouge. C'est vrai que j'avais aussi de la chance qu'il allait au bon endroit. Deux pour chaque dragon de taille. Mais je dis pas. Après des fois, d'autres fois, j'avais pas de taille. Comparé à mon taille, tu te retrouves quoi? Moi bloqué. C'est agressif aussi.
Alors, tu peux toujours t'adapter. Il est pas mal. Dans Wingspan, hein. Non, dans celui-là. Bah, Wingspan, tu t'adaptes. Tu fais, t'as une action. Bah, la différence aussi, c'est le nombre d'actions qui diminue. Ah, ça, c'est Wingspan, comme ça. Tu peux vite être bloqué. Là, tu peux retrouver. Mais là, souvenirs, là, tu veux avoir des ressources. Tu veux avoir des cartes. Moi, à chaque fois que j'ai joué à Wingspan, j'étais obligé de payer. Déjà. C'est, à la fin, c'est plus étriqué. T'as moins d'actions. Non, du coup, t'as une mécanique comme ça. Donc, oui. Parce que les combos, en fait, des joueurs. Enfin, c'est vachement punitif en fait Wingspan si t'as pas de combo. Alors que là, quoi qu'il arrive, t'as plus d'envie d'action finalement. T'es gentil frustré toute la partie, mais finalement en score. Ouais, au final. C'est pas violent. Enfin, ça marche quand même. Oui. Alors que moi, c'est pas. Parce que j'avais trois cartes en main, mais j'ai pas arrêté de faire les mêmes actions de pioche pour essayer d'en trouver une qui n'avait rien à voir. J'ai essayé de prendre l'action qui était là. Pour un truc, oui, pas et j'ai gardé les cartes au fur et à mesure. Voilà, c'est tout. Il y a eu un autre. Moi, j'ai fait que ce deux PQ. Il y a les trois autres. Comment ça te fait tes erreurs sur les murs? C'est ça. Par contre, il y a eu bon, après, les ressentis, oui, c'est. C'est la caverne. Je pense qu'on perd plusieurs parties pour vraiment se faire une belle idée. Wonderland's War, non, c'est pas ça? Ah oui, oui, c'était celui-là, ouais. L'autre, il a fait trois tours. Le premier avec trois fois plus de points que moi. Ah oui, 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 les jeux comme ça. Je crois que c'était vraiment. Bah, en fait, c'est du back building quand t'as du bol. Voilà, non, puis quand t'as pas de bol, bah. Ouais. C'est comme le chaudron là. Pour te dire, pendant toute la partie, j'ai dû tirer un mauvais jeton. Oui. Un. Bah oui, tu vois. Voilà. Bah. Là, l'univers équilibre les choses. T'as pas eu de chance. Ouais. Non, on parlait du ressenti tout à l'heure. Ouais. Ok, non, mais bon, bien, bien en fait. Mais je le trouve différent. Oui, différent. Ah oui, il est différent. Ils avaient vendu ça comme un Wingspan amélioré, mais je le trouve encore différent. C'est pas la même. Non, c'est pas la même. Oui, tu vois bien que ça s'inspire de la mécanique. C'est, voilà, pas, Wingspan, c'est pas un Wingspan killer. Mais au moins, ils ont. Voilà. C'est un jeu différent, avec une mécanique assez très proche. Il y en a plein qui disent j'ai Wingspan, il est mieux, genre dans l'autre. Je trouve pas. Ah non, ils sont complémentaires. Oui. Après, on reste dans le même type de mécanique, donc ils sont assez frères, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. T'as envie de sortir l'un, t'as envie de sortir l'autre. Ouais. En plus, ce qui est bien, c'est que si t'as pour essayer d'autres, tu vas chercher l'autre. Bah voilà, c'est ça, il y avait des deux en bas, en fait. Ouais, mais j'y ai pas pensé, moi, sur le coup. Ouais. Il y en a un qui est 37 offres sur son plateau. Ouais. Parce que moi, au départ, quand j'ai lu les règles, il y a un peu une action, là. Parce que toi, t'as bien comboté, puis t'as été à la fin. Puis j'ai pu m'amener des cadavres gratos. C'est ça, t'as pas arrêté de faire action. Moi, j'ai pas envie, je suis pas allé du tout. Je suis allé, je crois, au dernier tour, j'ai commencé à les mettre. C'est tout. Ah, et dessus, un autre de vos. Moi, c'était de vos. C'est fait à la grosse. C'est vrai qu'au début, il y a un dragon qui avait un effet one-shot qui valait qu'un point, qui est remplacé. Il est bloqué d'un coup. C'est pas mal. Et toi, ton action de bas et ta rubber. Ah oui, oui, tu en bas, c'est bien. Ça t'a tellement d'œufs, on va tellement scoring sur les œufs. Oui. Tu le faisais deux fois par manche à la fin, les deux dernières manches. Ouais. Donc tu te gagnais combien 6 œufs à chaque fois. Ouais. C'est ça. 5 œufs. Bah, je l'ai pris, c'est quoi 2 cartes pour combien de œufs. Pour 6 œufs. 4 œufs. 4 œufs. Ouais, d'accord. Enfin, tu le sais deux fois. Plus tu as un œuf que tu prends, donc ouais. Oui, c'est ça, oui, voilà. Ouais, puis j'ai fait souvent. Ouais. Donc tu as les deux dernières manches, tu l'as fait deux fois à chaque fois. Donc, là, c'est plus accéléré. Voilà. 10, 20, donc ça fait 20 points. Ah oui, on l'a déjà fait deux fois. Ouais, c'est un truc comme ça, donc c'est énorme en fait. Oui, il y a deux ressources. Énorme. Imprimé sur tous les dragons du nouveau gamin. Alors, c'est intéressant la piste de d'aller jusqu'au bout de l'une, et comme ça, tu dépenses les ressources que tu. Ouais, mais je pense que ça marche, ça peut marcher avec tout. Ça peut marcher avec le milieu, mais la différence, c'est que tu te focalises sur une ligne que tu vas mettre sur le dragon. Alors, c'est la moins rentable a priori, parce que ça, ça fait quoi. Tu dépenses deux dragons. Ah, c'est comme ça, ça dépend. Non, c'est celle-là la moins bien. C'est jusqu'à demain un dragon. Et là, c'est défausser les trucs pour gagner les autres. Donc, ça, c'est la plus rentable en points. Ah, mais ça, ça peut être rentable. Pourquoi? Parce que si t'as des dragons. Ouais, qui combattent avec. Qui combattent avec. Comme les cartes de dragonnet. Les cartes dragonnet, tu peux le faire. Voilà, et pour les ressources, moi, j'avais ça. Mais je suis à la fin. En gros, ça te permet de faire tes dragonnet, donc de récupérer. Ouais, tu vois, il y en a un, il y a un autre effet qui se déclenche. Mais ça fait que deux points. Ouais, c'est pareil, deux points. En fait, ça fait 4 quelques deux cases d'ailleurs. Ouais, mais
J'ai moins celle-là parce branche. Que les ressources, tu commences quand même après 4, toute la partie. 3, 4. Oui, mais alors, à chaque fois que tu as des dragonnets, des tu mets la ressource et tu récupères une ressource. Okay. Les dragonnets, en général, tu mets du lait et tu récupères un cristal. Moi, j'avais celui-là, par exemple. Ouais, mais là, on faisait deux points. Moi, les dragonnets, je n'étais pas utilisé, j'ai juste posé. Ouais, parce que je les ai eus à la fin. Et en fait, je les ai juste posés, pourquoi? Parce que ça me combattait avec un autre dragon. C'est tout. J'ai les dragonnets, en fait, tu les nourris, tu leur donnes une ressource et ils t'en donnent une ou deux. Mais le souci des dragonnets, c'est qu'ils ont toujours du lait. C'est tout. Ouais. Non, pas tous. Moi, j'en ai un lait et un viande. Ah bon? Ouais. Alors que la viande, je veux gratos. Bah voilà. C'est pour ça, non, mais t'as des combos, t'as plein de combos possibles. Ah oui, j'ai des combos, toi. Tu peux avoir 12 points maximum. Ouais, non, mais bah, après, quand tu prends. Moi, j'en ai eu un. J'en ai trop, j'ai 68 points. J'ai juste des combos de combos. Mais des fois, les combos, t'as même pas les cartes, mais juste du combo. Moi, par contre, ils rapportaient pas de points. Ils rapportaient plus de points. Mais bon, on va y arriver. Après, voilà, ça dépend. Tu sais, au sein de faire. Ça dépend de la pioche. Et à 5, tu perds des points, tu perds ce que tu trouves, quoi. T'essayes de le faire avec. Bloqué à faire l'objectif. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Ouais. Allez, bah, oui. Minuit. J'ai arrêté le stream. Ouais. Salut tout le monde. Salut. Ouais, ciao. Pitié demain.